les gens le train de live, let's go ça les gens qui viennent de chez Wissam vous vous êtes bien amusés sur la vidéo préférée de Wissam ou pas j'ai baissé la musique un peu c'est fort ah voilà c'est mieux là c'était un peu trop fort là hop bam tac ah, t'as regardé le second AV de Kerry James sur Netflix, on va en parler avec Wissam, vous inquiétez pas. Merci Konishua, merci Mickey Ruby, merci Minolor, merci beaucoup. C'était le meilleur react, c'était à mourir de rire. En fait, ce que j'ai trop aimé, c'est qu'au début, il a été dans une haine pure de la vidéo Wissam, la vidéo de Taokan, en mode c'est de la merde, c'est pas drôle et tout. Après, il s'est rendu compte que le gars disait un peu des trucs pas trop mal, et qu'il y avait plein de gens qui aimait bien, il a un peu badé. Ensuite il s'est rendu compte que Taoka le suivait sur Twitter, il s'est mis à turbo culpabiliser. Après il a tenu 5 secondes, il est revenu dans la haine. C'était le meilleur réact de tous les temps. Merci Fouguedin, c'était incroyable, c'était trop drôle. C'était trop marrant, c'était incroyable, le meilleur réact possible en fait. Salut les gens, je vous laisse le temps de venir, je pense. Euh, on va regarder le vue. Après il y a il va se ramener, on va parler de Kerry James. Dany a quitté Ouais, exactement. Merci Jeton, merci beaucoup. Il est passé par toutes les étapes du deuil, mais dans le désordre. Ouais, exactement. Le gars, je suis vraiment le discours de PDH dans sa vidéo. Oui, oui, non, mais oui, ça, mais il a le somme. En fait, ils pourront plus dire euh, ostracisé quand leur discours aura percé, donc ça les angoisse de se dire qu'ils commencent à être acceptés, quoi. Je suis propre, j'ai rien à faire ici. Bah, barre-toi euh, Oh là là Malgré les provocations, les incarcérations, le manque de compréhension, les peurs et les pulsions. <laughs> Incroyable. Chris ça va être catastrophique. Ah Oussem. Il y a Oussem, c'est que du plaisir. On va mater l'interview clic. Et notamment, il y a une meuf qui vient lui parler. Il y a un bail de slam. Où Cassandre il m'a dit regarde pas, t'es pas prêt. Apparemment, c'est la gênance ultime. Après, moi, j'avoue, je suis un peu anti-Kerry James aujourd'hui. Merci Papy Milo, merci les gens. Donc, euh, voilà, quoi. Et je crois, que, euh, je crois que Wissam est fan de Kerry James. C'est son rappeur préféré, de ce que j'ai compris. Hein. La malveillance directe. Mais non, mais moi, je pense on va essayer d'être très bienveillant et malveillant, faire les deux. Hein. J'ai découvert que Kerry James avait fité avec Booba il y a longtemps. Bah, bah oui, bah, mais à l'époque, Kerry James, les gens, c'était un vrai rappeur. Enfin, comment dire Non, mais c'est toujours un... Ouais. En fait, il y a eu une époque où il était important dans l'histoire du rap. Et un jour, il est arrivé, et il a fait un feat avec Orelsan où il était en mode Tu t'es trompé. Et ce jour-là, on a su que c'était fini, quoi. Genre Tu t'es trompé, mon ref, quoi. Donc euh, on va rigoler, on va parler de ça. Danny, fan de Kerry James. Mais moi, mais tout le monde a été fan de Kerry James, les gens à l'ancienne. Kerry James, c'était ultra important, genre vraiment. Les gens aiment trop cracher sur Kerry, ça pas de pas ce qu'il a fait. Moi, je suis d'accord avec toi, au calme un peu. Moi, j'ai le double rapport à Kerry James. J'ai un rapport amour-haine, N, mais donnez de l'argent, on en parlera après, sinon on n'en parle jamais, je coupe le stream. Hein. Merci Lucie, BRRRRRRRR Merci beaucoup. Les gens parlent de Kiri comme si c'était personne dans le rap FR, ça c'est vrai. Alors que à l'époque, dans les années 90, déjà rappelle que le 9-4 c'est l'avant-garde du rap français. C'est les premiers à avoir fait du peu et, et quand même, il y a plein de trucs quoi. Kiri James, Rof, la meuf 5 à free enfin genre vraiment, c'est un, un truc de fou quoi. Je suis sûr, il y a plein de gens qui savent pas que Kerry James il est relié à Roth aujourd'hui. Pour eux, genre, c'est des trucs totalement différents. Ton t-shirt, c'est une ref Undertale. Non, c'est juste un t-shirt Carhartt OZEF. Euh Ok. Je connais pas Kerry James avant 2015. Oui, oui, c'est normal. Hein. Tu kiffes ministère amer Ouais, ça dépend. Je suis pas ultra fan. va trash truck Kerry, alors qu'AIKJ constat amer, c'est quand même. Si bon, il a fait des films clichés, on ronfle un peu. Mais oui, mais on va en parler, vous inquiétez pas. Oh là là, merci Guillaume, merci les gens, merci pour le train de live, continuez. C'est pas lui qui a fait la campagne de Sego, c'est plus tard ça les gens. Mais on va en parler, vous êtes sûrs, voilà, vous voulez déjà faire les sujets, c'est une dinguerie. Déjà, je pense que je vais voir euh, Wissam, je vais lui demander est-ce qu'il veut. Euh, est-ce qu'il est là Wissam ou pas là Tu m'écoutes, Wissam Je pense qu'il est parti prier en balle, à mon avis. Je vais attendre qu'il réapparaisse dans le chat. Je vais voir si je mate euh, si je mate le, le vu avec lui ou si on commence direct. Vous voulez mater le vu C'est dans les titres en fait. En fait, c'est dans le titre en fait. En fait, c'est bon. Hein, je, ça va quoi. C'est maudit qui m'a fait découvrir Kerry James. C'est dire à quel point je suis éclaté sur le rap. Mais c'est pas grave de pas s'y connaître. Il y a pas que le rap dans la vie, les gens. Vous laissez pas avoir euh, par les gauchistes qui écoutent du rap depuis 2017. Euh, Qu'on découvre le rap avec les étoiles vagabondes de Nekfeu et qui viennent vous casser les couilles, vous vous en battez les couilles, écoutez ce que vous aimez. On s'en branle. C'est des prouveurs, vous inquiétez pas. Réel ça, bah oui, réel ça. De fou. Écoutez ce que vous voulez, on s'en branle. Merci Tanguy Souvigné, merci les gens, continuez. J'écoute depuis 98. Oui, bah moi aussi. J'écoute depuis 98, j'avais 8 ans, je comprenais rien de ce que j'écoutais. Les voiles c'est 2019. Je voulais trop, ne me parle pas. Oui, t'inquiète, t'inquiète, y'a pas de problème. Euh, Reste où demain soir Ah oui J'attendais un peu pour en parler, euh, Wendo. Mais demain soir, les gens, à 19h, 20h. Ouais, j'ai oublié l'heure, c'est horrible. Je sais que j'y vais tôt. 19h30 20h, Wendo 20h, 20h Demain à 20h, les gens, c'est Bandermag. Sur la chaîne WendoX Suzuka. Oui t'inquiète, je sais que je viens tôt Wendo, t'inquiète. Sur la chaîne Wendo WendoX Suzuka, on va discuter de plein de bails et notamment de manga. Et ça va être incroyable. Euh, Wendo et Suzuka vont linker leur chaîne dans le chat évidemment. Merci Antonin Santiago. Merci les gens. Merci la famille. On laisse les gens arriver là, calmez-vous. Hein. Et euh, ça va être Bandeur Mag et ça va parler notamment BD, surtout manga. Et euh, ça va être euh, une sorte de biographie. Euh sous euh, sous l'œil euh, bienveillant euh, de notre culture manga notamment parler d'internet des mangas de, de des parallèles entre les deux oh, bref vous verrez quoi en tout cas j'ai parlé de moi lol ça va être trop bien je vais faire un cosplay ouais c'est demain soir à 20h sur la chaîne qui est là dans le chat les gens soyez pas des Google elle est trouvable facilement merci jack23x merci les gens OMG, est-ce que ça va sauver ce train de live vous êtes des C'est ça la question à 10 000 dollars c'est le september en plus les subs sont pas chers. Grâce comme je l'ai jamais vu. Exactement. Oh Oh, allez Olaf Merci Olaf. Merci anticapitaliste. Merci les gens. T'as kiffé le projet de la jeune craque pas écouté encore J'ai vu que c'était avec Lompal, enfin, Lompal. L'homme Je suis un ouf avec hologramme low là. Non L'homme je Oh, l'insulte. <laughs> je disais ça, j'ai confondu. Bref. Mais, euh, mais voilà. Pandormag à 20h, Inch'Allah. Exactement. Grâce fan de l'homme De fou, de fou. Merci l'ordure. T'auras un Bob Rose dans Bander Mag, ça pourrait être drôle, mais je l'ai plus, je l'ai offert mon Bob Rose à quelqu'un qui a qui il allait mieux que moi. Désolé les gens. Tu confonds les blancs, oui, bon, ça va. Projet de la crack. Attendez, c'est moi on réécoute le même morceau en boucle depuis tout à l'heure là. Ah non, pas du tout. J'ai rien dit. Tout va bien. C'est devenu un talk show, genre première partie avec Wissam, deuxième partie avec Cassandre, exactement, t'as tout compris au programme de ce soir. Fait première partie avec Wissam, on parle un peu de Kerry James, machin, etc. Euh, et deuxième partie, on mate Mélenchon et l'infiltration chez les woke avec Cassandra. Mais euh, voilà, ça va être sympa. Tu vas faire ton Bob Rose à Wissam si seulement. C'était un vrai plaisir de vous voir, toi Wissam et Cassandra à Manille 23. Eh bien, merci beaucoup. Surtout moi, j'imagine. C'est vos baxi tout Ouais, exactement. Starfield, c'est quoi ces temps de chargement J'ai abandonné, oui, le jeu est gaz. Est... Alors que cyberpunk existe. Hein. Les gens vous jouent à Starfield alors qu'il y a cyberpunk avec le DLC qui existe. Genre... Euh... Les gens... Euh... Je comprends pas ce qui se passe en fait. Ne croyez pas ce que vous lisez sur Twitter euh, que cyberpunk est un jeu pour un seul, c'est un avis de raciste. Hein. Les gens qui ont cet avis-là, c'est des racistes, hein. je vous le dis tout de suite. Hein. Oh Allez salut, j'ai fini ma journée. Hop, merci beaucoup. Élégie Daniel Dark, on se retrouve demain. <laughs> non, je rigole, merci à la queue. merci beaucoup. Merci. <laughs> oh, j'aimerais trop faire ça. Vous savez que j'aimerais trop faire ça, mais j'ai zéro les couilles. C'est comme quand j'étais dans le salariat et que je me disais, vas-y là, en vrai, je pourrais me barrer tout de suite maintenant. Merci Fumofu eh merci la cumu, merci la famille, merci beaucoup, ça fait trop plaisir. C'est comme quand j'étais dans le salariat et que j'étais en mode Ah, vas-y, je pourrais me barrer là tout de suite en m'en battant les couilles. Genre fermer le magasin, parce que souvent je bossais dans des magasins où c'est moi qui nais le truc et tout. J'étais là, vas-y, mais en vrai, là il me reste une heure de travail. Je m'en vais, je ferme, je m'en fous, et puis tant pis, et j'ai jamais eu les couilles de le faire. Et ben là je suis dans la même situation, je me dis Mais attends, j'ai eu plein d'argent là. Je pourrais juste couper le stream, me barrer, m'en battre les couilles. Mais non. Tu ferais jamais ça, t'aimes trop être avec nous, c'est vrai, Yoshiro. En plus, la vérité, on parle de sujets qui me font plaisir ce soir. Parler de Kerry James un peu là, ça va être rigolo. La fermeture du shop anticipée. Ah, de fou. Est-ce que tu faisais. Est-ce que tu t'avais la strat, Lil Ça, c'est que euh, les trous on euh, Only OG euh, du commerce. De compter la caisse avant la fermeture. Et du coup, s'il y avait un client qui venait après que t'es fini de compter la caisse avant la fermeture, et ben ça te foutait dans la merde. Mais du coup, je renotais, j'avais la caisse et je, je faisais mon calcul. Je faisais ça de ouf, classique, ça classique, classique. T'as rien à 19h58 exactement, c'est classique de fou. Et lui, tu lui dis, ah, oh, vous paierez en carte bleue. Et les cartes bleues, c'est un peu moins chiant, parce que t'as juste à rajouter la somme de la carte bleue. Alors qu'imagine le gars arrive avec 200 pièces de 20 centimes et il veut te payer qu'en pièces de 20 centimes. T'es en enfer sur terre direct. Genre, euh, c'est l'enfer. Merci de la douche. Merci les gens. Je fais ça tous les samedis soirs en vous écoutant, je coupe ma caisse en avance. Ah, let's go Dès que c'était pas galère de compter la caisse. Non, c'est facile de compter une caisse parce que c'est visuel. C'est facile de rendre la monnaie, c'est pareil. Genre, t'as les pièces devant toi, c'est comme avoir un boulier. Tu vois Genre, euh, vous avez la pointe, mais pareil, c'est trop facile. La pointe, vous, vous enlevez juste euh, la somme en plus euh, du truc que vous rendez. C'est facile. Genre c'est trop simple, imagine on te donne 5 euros. Enfin, euh, genre on te donne un billet de 5 et tu dois payer 2,25. Tu regardes tes pièces, tu prends un billet de 5, et tu fais 2,30, 2,40, 2,50, 3,4,5 et tu comptes avec les pièces. C'est trop facile. Je vous jure c'est facile la caisse. Bref, faut compter à l'envers. Non, faut pas soustraire justement, faut additionner. Faut partir... Oh, les... Je suis pas capable de vous expliquer, mais faut partir de la somme. Quand... J'ai pas expliqué ça, on s'en bat les couilles en fait. C'est une dinguerie. J'ai eu 175 euros de diff sur ma caisse. Ouais, oh, t'es une merde. Oui, tu pars du prix. Voilà, voilà, voilà. Bref, 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 bref. Maintenant, les caisses et calcul toutes seules. Oui, c'est vrai, moi j'ai jamais vu ça, mais euh, Mais ouais. Mais voilà quoi. AB plus A, ouais, vous me faites bader en fait. C'est horrible. Je suis déjà, Je suis déjà en angoisse de fou. Euh, est-ce qu'on se fait le vu ou est-ce qu'on s'en... Je me bave dessus. Est-ce qu'on se fait le vu ou est-ce qu'on s'en bat les couilles En fait, je vous avoue. J'ai envie d'esquiver le vu parce que ça me casse les couilles le vu. Mais en même temps, ça peut être bien en attendant Wissam. On oh, attendait, on fait un vote. De, euh, je peux pas faire Kiridjim, j'attends Wissam. Donc calmez-vous. Hein. Slash Paul. Le vu Oui Non. C'est vous qui votez le chat. Je suis là. Ah, t'es là, Wissam es, Si tu veux, hein, tu peux prendre. Tu peux, en vrai, Wissam, no joke, tu peux prendre 5 minutes si tu veux. Hein. En tout cas, quand t'es vraiment prêt, Wissam, tu te mets dans salle d'attente. Tu me dis, hein, vraiment, hein, si tu veux, tu peux prendre 5 minutes tranquille. Hein. Déjà, on va voir s'ils veulent le vu, s'ils veulent pas le vu. Ils veulent le vu, en vrai. En vrai, Wissam, ils veulent le vu. Euh, Je peux faire le vu tout seul, Wissam. Comme ça, t'as un peu de temps. Tranquille, ils veulent le vu. Vas-y, je fais le vu euh, tranquille et je te fais glisser quand j'ai fini. Hop Hop. Tac. Il est où euh... Il est où ce... cette capture de Golemon, là C'est où la capture de Golemon Merci les gens pour l'argent. Hop Reste ce patron qui t'offre cinq minutes dans sa grande... Là, mais dites-le si vous voulez pas que y vienne. Dites-le si vous voulez pas qu'il y ait Wissam, hein. Quel est l'avis de Dany sur la chaîne TV Le Média qui arrive en octobre? Trop bizarre, une chaîne qui avait réussi à s'implanter sur Internet, qui avait réussi à avoir les vieux et à les ramener sur Internet, de retourner sur la plateforme qu'ils ont réussi à faire quitter les vieux, pour bon, on ne sait pas quelle raison. Ça veut dire qu'imagine, t'es le média et t'essayes de parler aux vieux boomers de la télé. T'y arrives. T'arrives à les faire se déradicaliser de la télé. Et tu retournes à la télé. Ça n'a pas de sens. Pour qu'au final, personne ne les regarde. Et en plus, ils vont à la télé alors que les gens sur Internet... 90% c'est sociologique, j'ai fait l'étude des commentaires du Média, c'est oui, il ne faut plus regarder la télé pour se réinformer, regarder le Média est canard réfractaire, voilà, donc ça veut dire qu'ils ont dit aux gens arrêtez de regarder la télé pour y retourner, ça n'a pas de sens, idée de Gaulmon, vraiment idée de Gaulmont, hein. vraiment euh, ça n'a aucun sens, hein. et après force à eux, hein. force à eux, hein. Et pourquoi vous disiez, oui, Sam, il a dit un truc dans le chat que j'ai pas vu, en vrai, les gens? Dites-moi s'il a dit un truc que j'ai pas vu, oui, Sam. Je regardais pas le chat. Bon, il a rien dit. 45 millions de personnes regardent la TV. Non, mais attends. Bah, je suis d'accord avec toi. Genre. Tu veux que je te ramène maintenant, oui, Sam, dis-moi. Tu fais longtemps le vu. En vrai! En vrai, sinon, je fais le vu après notre truc sur Kerry James, quand Cassandre, il arrive, si tu veux, ou en attendant Cassandre, si tu veux. Mais ils vont être canal 306-62, en fait, c'est de la merde. Mais si tu veux, tu peux manger maintenant. Faut juste que tu me dises oui, Sam. Faut que tu te décides, oui, Sam. Mais moi, tout me va, la vérité, je te jure que tout me va. Oui, Toby Lofi, c'est Daniel Dark. Exactement ce que je t'ai dit d'écouter. Manger maintenant, faut que je me fasse à manger. Bah, vas-y. Vas-y, bah, vas-y euh, je te fais glisser, les gens, on fera le vu euh, avec Cassandre. D'abord, on va poser des questions à Wissam. Notamment une question... A... Attendez, vous allez comprendre. Allô, Wissam Allô, Wissam Il sait pas s'utiliser son micro Allô Un que... deux. Ah oui, bonjour! Eh, tu m'avais pas mis la permission, donc dis pas que c'est moi! <laughs> c'est vrai! Wow. <laughs> ah oui, oh Sam! Alors ah, attends, je mets ta caméra. Deux secondes. Toc. Faut que je l'active. Bah. bah c'est bah. vrai que. C'est mieux si a la caméra ensuite. Ça pas marche mis. pas en vite. Bah oui. Est-ce que vous Et en les gens vous entendez bien, oui, Sam, ou pas? Ça le fait? Au niveau sonore? Est-ce que vous l'entendez plus Est-ce que vous l'entendez moins Est-ce que tout va Un, bien deux. Est-ce qu'on vous m'entendez bien C'est bien qu'on m'entend bien. Ok. Alors attends, parce qu'il faut que je te stream en même temps. Un, Ils deux. Ils vont deux. le voir, mais c'est pas grave. Euh... Tac. Tu regardes le stream, Wissam Ouais. Parce qu'on a des questions à te poser, Wissam. Ah, putain <laughs> Attendez, les gens il me disait quelle vidéo et j'avais oublié attendez ça. Attendez les gens, <laughs> attendez, 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 parce que il y a des choses bizarres qui se passent. Regardez ça. Politique le laisse faire, nous, nous voulons l'arrêter. Il est urgent de stopper Vincent Bolloré et son entreprise grandissante sur des médias de masse et des journaux d'information. Il a des milliards, mais nous sommes des millions. Nous avons fait des comptes en tout près de 500 journalistes ont quitté Canal+, ITL e est devenu CNews, oh, les journalistes, les magazines de l'Ex. On qui bien qu'il pourra apparaître Le dans cette vidéo de merde. C'est la, la seule fois où il va parler nous, de nous et de vie. qui est de produire des informations vérifiées, honnêtes. Ils refusent les manipulations. Eh, bah, hey, c'est horrible hein, hein, j'ai vraiment pas envie de me regarder les hein. les Attends, attends. Le refusent de servir l'extrême droite et ses obsessions identitaires. Le câble n'est qu'un symptôme, symptôme, symptôme d'une crise. Ah oh, oh, le méchant Bolloré Aujourd'hui, une dizaine de milliardaires, tout au plus, contrôlent l'ensemble des médias de masse. Et cette situation est évidemment inacceptable. Je sais qu'on n'entend pas, la vidéo est pas forte. Mais moi, il m'a dit d'aller vite, c'est ça La qui liberté d'opinion est une farce si l'information n'est bon. pas indépendante des États ah oui. et des puissances d'argent. Heureusement, il y a une alternative. Et oh oh moi dis-moi, moi, -moi je suis sur les vidéos en fait. Si moi je suis là et je suis assis, et on m'a dit de réciter un texte. C'est le texte il était en face de moi, je devais lire le texte. Alors les première fois, ils m'ont dit que je l'ai lu, lu trop lentement, et après ils m'ont dit fais-le plus rapidement, et donc je l'ai fait plus rapidement. Ils ont mis une minute pour me mettre comme il m'a <laughs> Attends, comment ouais. tu t'es retrouvé dans cette sauce euh, C'est un gars qui vous suit, qui m'avait contacté sur Twitter. Euh, je connaissais pas le, le truc de front pour une presse libre. Vous, les gens, pour vous dire à quel point on n'est pas des fils de pute. C'est que là, on, on participe à un truc avec déjà des gens qui nous détestent. C'est-à-dire qu'on était, voilà, c'est euh, Mediapart est un peu lié à ça, tu vois. C'est eux qui avaient créé ça au départ euh, avant que Front pour une presse libre soit indépendant. Donc déjà, euh, ne nous aime pas trop, mais on participe à ça. Deuxième truc, c'est qu'on a enregistré chez les studios de euh, Street Press, Street Press qui nous déteste. <laughs> C'est-à-dire euh, Street Press, pour eux, ils ont fait toutes les, euh, les polémiques en mode, euh, on est homophobe, on est antiféministe et tout. D'ailleurs, je suis arrivé chez eux, et il y a les deux grands journalistes, là. Je, tu sais, c'est les plus connus, là. Il y a un roux, et je sais plus qui, là, comment il s'appelle. Ah, on ne dit pas droite. les roux, nous. Ouais, mais je sais plus comment il s'appelle. Euh, bref, ils étaient là, bon, eux, ils m'ont juste dit bonjour de, de, de loin, mais il y avait un journaliste de là-bas, ils m'ont dit, ah, j'aime trop ce que tu fais, non Mais je pense que c'était un nouveau... Oui, Mathieu Mollard Merci, euh, Mathieu Mollard. Non, voilà, c'est une blague, il s'appelle pas Mathieu Mollard. Si, si, c'est Mathieu Mollard. Si, 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 si c'est ça. Oh, ouais. Il a écrit un livre, il me semble, sur euh, Dieu donné, sur le système Soral, je crois. Euh, euh, donc voilà, on y allait. Et si la preuve qu'on est des gens sympas, c'est que là, le, le fonds pour une presse libre, qui appelle à soutenir des médias indépendants, il faut savoir une chose c'est que nous, on n'y a pas le droit. Hein. <laughs> on participe à un truc où nous, on n'a pas le droit de recevoir de cet argent, parce qu'on n'est pas officiellement un média. D'ailleurs, c'est ce que je leur ai dit. Je veux dire, ouais, vous êtes bien marin, euh, médias libres. Mais nous. Euh, nous, les Arabes et les Noirs, on ne sait pas comment faire. Comment on fait un média, en fait Comme je, Après, je veux dire, c'est vrai si Comment on fait tu, Vous voudriez des subventions euh, presse pour PDH ou pas Bah non, mais fonds pour une presse libre, là, nous, on pourrait accepter parce que c'est pas une institution, tu ouais, vois. C'est un vrai. truc.. Euh... C'est un fonds commun un peu. Parce voilà, c'est des que, gens ce qui compris, donnent... C'est une sorte de pot commun pour la presse, notamment les petits médias un peu en galère, en gros. C'est ça, ça. Et donc, nous, on, on aurait pu avoir 15 000, 20 000 euros, quoi, ça aurait fait du bien. Ça nous fait l'année, quoi. C'est ce qu'on gagne en une année. Mais 20 surtout 000 que là, euros. Vous commencez à faire de, des trucs en dehors de la vidéo et tout. Genre, vous, oh. vous élargissez le, le truc médiatique. Ouais, mais quoi. le problème, c'est qu'on le fait pas officiellement avec parole d'honneur. Mais c'est ça. En fait, pour être, pour être une, un média officiellement, il faut faire de la production écrite. Ouais. Ah, ils demandent pourquoi es dans la vidéo, du coup Bah, ils m'ont demandé de soutenir et nous, on est des, on est des gentils. Euh, vu que c'est un truc indépendant, on est en mode, bon. Euh, nous, on est pour les médias autonomes, on soutient. Les gens, on a des principes, en fait. On ne fait pas des choses aussi juste par intérêt, mais en plus c'est vrai que j'ai aucun intérêt direct à faire ça. C'est euh, voilà, hein. on est pour une presse libre, on le fait quoi. Mais bon, je pense qu'on sait combien ils ont reçu. Ils doivent recevoir, je sais qu'ils attendaient 200 000 euros ou un truc ah, comme lui, ça. Lui, il n'a pas compris le leur lui. Hein. Je pense que c'est parce que j'ai partagé. Si euh... c'est issu de mon partage ou pas Ah peut-être. Non. Possible. Ah non non non, je sais pas, je sais pas. C'est le travail militant exactement, mais ils connaissent pas. Danny Raz, ils connaissent pas ça, le travail militant. Quoi Eux, moi, ils moi, auraient demandé. Euh, tu... eh oh on, on, c'est, c'est payé combien Voilà ce qu'ils auraient demandé. Ah oui. Ah oui. Non, par contre, nous, on donne pas de trucs gratuit pour Mediapart, alors que bon, globalement. Euh... Mais au départ, je savais pas qu'il y avait. Après, c'est indépendant de Mediapart, mais je savais pas qu'au il... départ, ils étaient liés à Mediapart. Euh... Ouais. Mais un... ils aiment bien, je crois. Hein je vais pas dire son nom sur Twitter parce que je pense qu'il n'a pas envie. Euh... Mais euh, je crois que c'est un gars euh, avec qui on, est... on a du public en commun. Mais il ne milite plus, euh, Dani Eras Mais ils ont déjà... il a déjà milité, Dani Bah, Dani, bah oui, il a fait mieux que ça. Ah oui, je me rappelle de ça. <laughs> bah, en vrai, c'est milité, hein En vrai de vrai. Non, mais attends, avec toi, Non, mais attends Et ça donne des tas camp. <rire> <rire> ouais, la balle gratuite t'as encore qui se pense lui est Trixma par la gauche universitaire j'ai rigolé mais après euh, tu dis euh, pas militer euh, on va faire la liste des parties que t'as fréquenté oui Sam bah si tu veux bah, si comme tu le MJS par exemple le MJS c'est ce, ce dont j'ai le plus honte le MJS mais j'ai fait 6 mois au MJS euh, et encore une fois et là où, là où je suis content d'avoir choisi le MJS je vais expliquer aux gens pourquoi j'ai choisi le MJS je vais expliquer aux gens euh, je, je vais me voir à l'écran les gens, euh, j'étais au lycée. Il y avait, euh, je me rappelle plus ce qu'il y avait comme mouvement au lycée, euh, je sais plus quoi. Bref, ça se commençait à, à, à bouger solide. Vous voyez, blocage de lycée, on bloquait des poubelles. Ça nous, ça nous permettait d'échapper de, 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 à des cours. Et on allait, euh, nous, on allait à Saint-Etienne. C'est-à-dire, la grande ville, nous, à côté, c'était saint étienne On prenait le train gratuit. Wow. On allait militer à saint étienne On allait faire le, la manif. Et donc, en gros, je commence à me politiser. Je me dis, tiens, ce serait intéressant que je rejoigne euh, des organisations. Euh, mais à l'époque, tu avais quoi Tu avais les anarchistes et, et oh. moi je vais pas faire euh... Vous savez ce qu'ils faisait là les trucs comme ça là des les babos là oui, tu les anarchistes c'était les babos à la fédération anarchiste ça serait un truc de fou ça aussi ouais voilà ils jouaient non mais c'était vraiment le cliché tu sais c'était les blancs un peu de des petites villes où ils avaient du tam tam et les dembélé là non comment ça s'appelle les jumbos pour ça s'appelle leur truc non, dembélé, leur truc là leur yo yoyo là foot, euh, non les bolas les bolas les dembélé il a dit <laughs> il a dit les dembélé non mais je sais pas t'as mélangé Jambé Et diabolo oui, oui, voilà les, 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 les bolasses. Et. Attends, <laughs> <Non>, mais. <laughs> et, ça... <laughs> et, donc, et donc, ça c'était hors de question que j'aille avec les babous blancs. Et donc, il y avait deux choix qui me se présentaient à moi soit le PCF, les, les, les le... c'était les jeunes communistes. Ah, les ça JC. va, c'est moins pire les JC. C'est moins soit pire les que JC, le PCF. Ah ouais, soit le MJS. Il y avait les deux. Et en fait, les JC, je les détestais. Parce que c'était des, des petits blancs, tu sais, ils avaient des vestes en cuir. Ah oui, ok, euh, ouais, les, je les petits blancs de... de, 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 de euh, des pavillons, là, qui se la jouaient gauchistes et qui buvaient euh, des bières. Déjà, et... oui. il les trucs de boire de l'alcool euh, pendant Attends, mais c'est pas le problème de saint étienne plutôt, ça De quoi L'alcoolisme. Ouais, oui, oui, non, mais oui. Mais les petits blancs, là-bas, pour s'en sortir, il faut, faut l'alcool. Sinon, tu te suicides, quoi. Ah oui. Les petits blancs qui sont morts, c'est ça. Et donc... Par, par indigénat, j'ai préféré le MGS oh la, oh plutôt que, 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 que oh. le JC. Voilà, c'est là où j'étais le plus arabe. La, et la, après, j'étais vraiment quête. arabe, j'ai regardé Soral. Mais ça, en vrai, ça a, du, ça a duré que six mois le MGS, et c'était horrible. Horrible, Mais horrible, MGS, horrible. MJS, il, il voulait un arabe ouais c'est ça ouais. non mais j'étais c'est le mouvement des jeunesses socialistes c'est en gros un peu le parti où tu vas quand t'es étudiant avant de rentrer au PS en gros et c'est un peu l'école de formation des cadres du PS voilà mmh, ouais c'est les jeunes socialistes en gros ouais, ouais. après on était un mouvement indépendant du PS c'est très important de oui. le signaler qu'on est très indépendant ça mais a bon, été vrai gros, oui, à des époques ça a été moins à oui, d'autres oui, bah, oui. non mais c'est de la merde de toute façon oui, c'est de la merde oui. Mais bon, j'avais 17 ans, je connaissais pas la politique, le, le les JC, c'était pas possible. MJS quoi. Mais 6 mois, c'était horrible. c'est le, le militantisme, Et tu sais toi, tu as 17 ans, tu as envie de parler de théorie politique, tu as envie de de, se, de vers, la, vers la révolution. Les réunions, c'était des réunions, euh, tu vois, tu avais le plan du quartier, donc où est-ce qu'il va falloir faire du porte-à-porte. Du -porte, cette élection municipale chiante. Oh là 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 là, là j'en pouvais plus. Après, MJS, si tu veux faire de la théorie politique, c'est pas un bon endroit. Mais si non, tu veux dur. apprendre la magouille politique, très bon ah, centre oui. de formation. Ça veut dire ah, que oui. sur apprendre le fait de travailler un réseau, euh, le fait de s'implanter localement, de faire ah, des oui, négociations, euh, de baratiner tel truc, euh, comment euh, comment pantoufler. Quoi. En fait, c'est un bon centre de formation euh, de, du professionnalisme politique. Quoi. Mais après, ah, mais si, de de si, si idées, euh, bon, tu as des idées, bon, il y a rien à aller gratter là-bas. Non, Alors, bien, sûr, bien sûr. Voilà. Non, c'est nul. Mais en plus, en plus, le truc le plus pathétique, c'est que nous, on était dans un à Saint-Chamond. Tu vois, le, le MJS de Saint-Chamond, mais même le MJS de Saint-Étienne. Et les enjeux de pouvoir pour de la merde, c'est oui, en, en interne. Pour la tête du MJS Saint-Étienne, euh, pour la région, pour le... Oh là là, vraiment, ils se tirent dans les pattes pour rien, quoi. C est, c est... Moi, ça m'a dégoûté. Dégouté, je pense que j'ai tellement été dégoûté de la politique que j'ai fait le pire choix possible. Je suis allé à la Fédération anarchiste. Je suis allé à la FA. Non, mais en plus, t'es allé à la FA des vieux. Où <laughs> c'était <laughs> tous des islamophobes de fous non Ah oui, pendant 6 mois, j'ai caché que j'étais musulman. <laughs> J'aurais pas dit. Il y avait des réunions, il fait Non, ben là, on est en traité et tout. J'étais. Mm -hmm. Takia C'était <laughs> <laughs> en takia. chez la FA. Euh, <laughs> mais c'était nul, mais c'était nul. Ah, c'était pourri. <laughs> Mais euh, c'était pourri, c'était des vieux. Mais même pour les, euh, la... Et même pour les anarchistes, je sais qu'il y avait la CGA, il me semble. C'était la CGA où c'était un peu plus en avant sur les questions antiracistes. Mais là, c'était vraiment une réunion de quarantenaires euh, voilà, qui... qui se remémoraient les époques euh, glorieuses du CNT, de toute cette merde-là. Ouais, on ça... s'emmerde. Ah ouais, on s'emmerde. Vaut mieux aller à. Fonds pour une presse fonds, libre. Il y a une alternative. La presse hey, indépendante la vidéo et le fonds pour une presse ah, libre. Ah, d'accord, j'ai pas, pas Nous avons besoin. Oh, t'as été que ça C'était que ça ton intervention ou euh, ça Je crois que j'interviens encore un peu après. de votre ah. soutien. Nous avons jusqu'au 24 ah, octobre pour réunir tous 000 médias. C'est horrible, tu détestes, tu Initié il y a 4 ans par Mediapart, le fonds pour une presse libre a déjà soutenu 27 médias indépendants pour un montant global de 500 000 euros. Quoi, 500 000, 000 balles Et vous allez à et avoir à ouais. zéro là-dessus alors que ouais. t'as été l'arabe de service du truc. Et ouais, ils m'ont même pas payé mon ticket, euh, mon ticket RATP, alors que moi j'ai pas l'abonnement euh, 84 euros, et j'ai le ticket Liberté Plus, donc je paye en fait mon ticket. J'ai demandé, ils m'ont dit non. C'est une dingue. Non, je rigole, j'ai pas demandé, ce serait la honte de demander. Et tout ça n'a reposé que sur vos dons. Le soutien du fonds a réellement de l'impact. Il finance des projets concrets sélectionnés par un comité d'experts bénévoles. j'en sais rien les gens si ça fait vraiment ça hein. <laughs> c'est écrit c'est écrit sur le texte moi je les crois c'est écrit en fait vous <laughs> bon, m'avez dit dire j'ai lu j'aurais pu dire des dingueries je calcule pas ce que je lis mais je me dis ah bon j'ai dit ça ouais oh là là. non mais ils avaient l'air gentils ils avaient l'air gentils ça, ça peut aider quoi en plus non, moi ce qui me fascine c'est qu'après j'ai vu le nom des médias je me suis dit putain on va aider des gens qui nous détestent aussi mais moi, bon. c'est un petit plaisir quand même. Et t'as été hâte par Edouie Plenel quand même. Ben bah oui, c'est ça. Ouais. Je pense que c'est ça aussi le plaisir. Ouais, c'est d'y aller des... aussi pour ça. Après, Alors il y a Dave que... Oui, il y a Dave. C'était le seul que je connaissais Dave Duff. Il est cool, uh, il est cool, cool oh ouais. oui, oui, il est cool. Bah Les autres, c'est cool. des Noah, non Ouais, ouais. Par rapport aux Ah, après, c'est des, euh... plus des sur universitaires, quoi. Mathilde Larère, ça me dit quelque chose, Mathilde Larère. Ah, mais Claire Secaille, elle est connue. 126 000, Mathilde. Fais voir. Ouais. Ouais. Ah oui. 126 000 abonnés Bah c'est pas de ouf no hein. elle, elle prend des photos. Moi je la connais parce que pour moi cette meuf elle prend des photos de graffiti en manif en disant c'est la commune. Voilà. <laughs> ah c'est spécial avec. Euh, pour comment moi c'est ça. Le la connais Avec le début Bantini. C'est bon la commune c'est bon hein. Oh. hein oui ça va. Voilà, hein. C'est bon c'est bon hein. Hein, ça, va, ça a hein. marché non donc oui. voilà. Hein hein. Ils hein. sont fait tuer hein. Ouais. <laughs> Non, bah écoute, bon, félicitations, Wissam, euh, je... du, du décancel <laughs> en fait. Waouh, on n'est pas encore très décancel, c'est-à-dire que là, euh, les gens, je, sais pas, je peux passer mon annonce Oui On cherche une salle pour PDH. En fait, on cherche une salle pour un événement mi-octobre. Mi en fait, on est obligé de reporter parce qu'on n'a pas de salle. On cherche une salle, personne ne nous aime, personne ne nous veut, et en fait, on n'a pas trop beaucoup d'argent. Donc, si vous avez une salle qui peut accueillir 200 personnes, un peu dans le style du hangar, vous voyez, il faut pas que ce soit cinéma. Euh, le style du hangar, c'est une salle plate. Un grand, un grand local et tout euh, pour euh, 200 euros maximum euh, bah nous contactez nous parce qu'on cherche désespérément ça et ne doutez pas la parole errante parce que je pense que les gauchistes connaissent la parole errante ils nous aiment pas la parole errante ça fait 10 ah ans on leur demande Partez du, du principe ans... que les lieux où les gauchistes vont ils peuvent pas y aller ouais, ouais. Alors, ah, ah, Partez ah, de ah, ce ah. principe là ouais une salle horizontale non mais une salle plate c'est-à-dire pas euh, là où il y a des sièges fixes c'est-à-dire que là, on peut aménager un plateau, les gens sont autour. Et en plus, a après, on veut faire un peu la fête. Il euh, y, euh, y aura du scapé, il euh, y aura euh, du berrurier noir. Non, ah, berrurier noir, à la limite, ok. Berrurier noir, ouais, mais pas scapé, arrête. Bien Regale, sûr, il def... Paris, euh, pas, pas plus loin que euh, euh, proche banlieue, s'il vous plaît. Il y en a il a dit le théâtre de la main d'or. <laughs> ouais. Ah Mais non, c'est un théâtre. Attends, il n'y a que ça qui te dérange Bah oui. Bah c'est plus à Dieudo hein. Ah ouais. l'image voilà, ouais, je pense aller au théâtre de la Main d'Or euh, quand tes paroles d'honneur je vois eh pas bah, et bah, on est dira est juste... et juste voilà on dira bah, justement Dieudo est parti on réinvestit <laughs> les lieux euh, dans une optique euh, anti antisémite voilà. Oh, je crois oh, qu'on a ouais, rien euh, c est c est bien, ouais. on est on est prêt tu, tu à vas suivre les pas, pas de, de... Forisson euh, de... ça va être bien. Euh, je peux pas faire de blagues sur ça c'est trop grave donc je vais m'arrêter là je vais m'arrêter là. Mais aller théâtre. pas bah, la Main d'Or s'il vous plaît. Pas la main d'or. Mais il y en a pas un qui a un squat quelque part dans Paname qui peut le passer, là C'est ça ouais, qu'ils ont que besoin. Le ils ont besoin d'un hangar. Ouais, et c'est fermé, en fait, le hangar. Bah oui. C'est il... fermé. Donc, euh, si vous avez quelque chose, euh, nous, on est partant. Mais euh, voilà, c'est compliqué. Ils se sont fait fermer, le hangar, du coup ah, Ouais. ouais, euh, ouais, ouais. Okay. Privatiser un flunch. Ouais, mais il y a les tables et tout. Il y a la salle des fêtes de mon village. Non, mais... La parole est rente. Oh, putain. <laughs> oh non mais il l'a dit sérieux, rétro ou bah, déjà il s'appelle rétro-pédale déjà. On va euh... faire de réflexion. On est sur la chaîne de Dani Raz il pas. Moi j'ai le droit, t'inquiète. Et hey, vous avez encore le truc HelloFresh fraîche, c'est jusqu'à quand en fait Bah, en, en gros jusqu'à jusqu'au 30 je crois. Et après demain, en début de live, il se pourrait que je fasse de la cuisine justement, parce que ah, je mais attends, faire mais une démonstration met... de cuisine. T'as enfin reçu les trucs Ouais. Ça a mis combien de temps J'ai tout ce qu'il faut. Non, mais c'est de ma faute. J'avais pas mis le bon code d'entrée de la porte en fait. Donc non, et ils 6... ont ils sont pas livré Bah oui, mais c'est de ma faute. Parce que j'avais pas mis les bonnes infos d'adresse. Et je me suis énervé. genre J'ai envoyé un message en mode Oh oui, euh, je ne comprends pas, je ne reçois pas mes colis, euh, c'est vraiment dommage. En plus, je suis un influenceur qui fait une OPSP, etc. Et ils m'ont dit Vous êtes sûr, vous avez vérifié vos infos Et je me suis énervé ah. en disant Bien sûr, j'ai vérifié mes infos et je les ai vérifiées, oh j'avais pas là mis la bonne là adresse. Là voilà. Oh là là. Et pourquoi c'est écrit Dani et H f homme et femme dani et homme et femme pourquoi tu parles des sujets qui fâchent quoi c'est pourquoi ça te fâche des non genre a fait une op et oui en fait quand tu fais des op souvent ils mettent le nom du streamer tu vois genre ah. là, ils auraient pu mettre c'est bah, le code mis... de l'op ils auraient pu mettre dani raz des r plein de trucs dani Ouais, mais t'es moins connu que dani caligula ils ont mis dani et non mais, et hommes et femmes. Dani et les hommes et les femmes. Oui, je ne comprends pas. Je... Et HF, en vrai, ça veut dire quoi, HF Et l'eau fraîche. Ah, d'accord. Donc pour eux, je pense que le prénom de streamer de Dani, c'est danié. <laughs> et son nom de famille, c'est Raz. C'est Danyet. danié et Raz. Danyet Raz. D'accord. Est-ce que tu vas demander pour les prochaines. Mais après, ce sera Dany et Raz. ça sera Eras le prochain, ouais. Eras. Ouais. D'accord. Ça marche alors. ça marche après, ils nous mignon. jamais demandé euh, le truc. Ils nous ont dit Tenez, c'est votre code. On a fait Oui, monsieur, merci. Ouais, bah, monsieur. après, il, il revoir, paye monsieur. quand même. Voilà, exactement. Et donc, demain, tu vas cuisiner et de... Après demain, ouais. Après demain, après -demain il se pourrait que je cuisine en live euh, ah, pour bon, vous bon, montrer que c'est facile et que même un débile peut cuisiner. Voilà. On sera là alors. Ça sera le tuto cuisine de Raz. Les gens, je vais venir goûter la cuisine de Raz. T'as pris quoi à manger Je crois que c'est pas halal. Mais j'ai peut-être un T'as pris de la viande Je crois qu'il y a de la viande dans tout. Il faut que je revoie les menus. écoutez le témoin. Ah, c'est toi. Ah. Je crois que. Il faut que je revoie les menus. Mais. Euh, mais je crois que c'est pas halal. De base, race tu cuisines ou pas Je cuisine un peu, mais c'est tout de la viande. Je sais pas faire des, des vrais trucs. Bah, la, la viande, c'est pas. Non, mais c'est pas de la cuisine, la viande. Tu, que... tu mets du beurre, du sel, tac, tac, tu tournes. Tu mets de la Je viens dedans. de dire, je viens ouais, de voilà, dire bah, de tu la viande, pas, pas de la que des tu cuisines. Non, mais il y a un moment donné, tu as un devoir de, de transparence envers tes interlocuteurs, envers tes viewers. Faut que tu sois sérieux, faut que tu te dises la vérité, quoi. Euh, J'ai dit que c'était pas. Comme des moi, vrais... comme moi dans le live précédent, moi je respecte mon public. Quand une vidéo est nulle, je dis qu'elle est nulle. Oui, t'as haine de Taokan là. Tu le connard, vrai ou pas? Ah ouais, ouais, on. Vous co connaissez vrai... en vrai Non, on le connaît pas en vrai. Ah, c'est bon alors. Non, mais il est fan de Cassandre. Il est fan de Cassandre Ouais. Ah ouais. Et il me suit sur Twitter aussi. Parce que ah, les il gens, il, il a détruit Taokan en vidéo. J'ai pas détruit tu Taokan. Pas. Les gens. C'était de la pure euh, haine. Ma coloc, elle est d'accord avec moi. Donc j'ai fait, ok, je suis pas fou. Alors qu'elle me dit les vérités, ma coloc, elle hein, est les, les, les clash. Mais elle m'a dit, euh, moi-même, je peux pas regarder ses vidéos. Mais après, mais après, après il... encore une fois, encore une fois, c'est pas parce que moi je peux pas, j'aime pas regarder ces vidéos que ces vidéos sont nulles. C'est ça que vous moi ça me ça me tue ça, ça me tue. On peut plus dire les choses en fait. On peut on peut plus dire les choses sans que les gens soient euh, soient, soient, soient touchés. En mode, je suis plus ton copain. On peut ne pas aimer un truc que fait quelqu'un. Et moi, par exemple, j'aime pas ta j'aime pas ta musique. Et on s'entend bien. <laughs> il me remet une balle. Non mais je les je gens, je vous je avez vu ça? Après cette à ado Taokan, c'est moi qui prends des balles, mais c'est une dingue! Je rigole, rigole, en plus j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Bah, pas, non, non, c'est pire. Mais... pire de mentir après. Ah, non, un, hein. exemple, un exemple que tu vas comprendre. Le somme du sens. Maintenant c'est Dan. Non, mais il va tous le faire, vas continue. <laughs> non, vas-y, vas-y, je le laisse dérouler. Continue, il a décidé de tous nous faire. C'est ce soir, il clash tout le lore. Non, mais en vrai de vrai, les gens, en vrai de vrai. Je vais parler en vrai de vrai. Vas-y, parle moi, en vrai je suis... de vrai, moi, ouais moi dans ma vie ça a toujours été comme ça c'est à dire que je fais plein de choses si je sais que les gens aiment pas mais ça ça m'énerve pas j'ai des amis ils n'aiment pas ce que je fais mais c'est pas grave genre je suis pas et pour eux je suis pas drôle mais c'est pas grave ils ont le droit de pas me trouver drôle tu vois ce que je veux dire c'est c'est pas pour ça qu'on va plus être amis j'aime pas moi pas tes vidéos ben, d'accord moi je comprends pourquoi tu n'aimes pas mes vidéos on s'en fout voilà en vrai, je te jure, en vrai de vrai. Moi, mais j'ai jamais pensé que non ce que je attends, ce que attends, attends. Tes potes qui s'intéressent pas à la politique, c'est logique qu'ils n'aiment pas tes vidéos. Tu comprends pourquoi ils n'aiment pas tes vidéos. Alors que toi, as au camp. c'est quand même un discours qui est très proche du vôtre mais et qu'on a, qu a attendu longtemps sur Internet, la vérité. Mais, mais un discours et basé en... sur l'antiracisme. Mais toi, tu. Et le on détruis. en revient à ce que j'ai dit. Donc, non, non, non. Plus mal. Quand c'est quelqu'un que tu as envie de convaincre genre toi je pense qu'il y a des potes à toi où tu es en mode c'est pas pour eux que je fais les vidéos. Non tu mais c'est pas quoi, le premier pareil. public alors que toi tu es le public tu pas forcément le public visé par le je suis local. pas le public. Bah oui. Non parce que c'est plus de la vulga, toi tu connais déjà, je suis d'accord avec Mais toi. non mais c'est pas ça en plus là tu fais croire que c'est le fond que je détruis alors que c'est la forme. Moi la forme j'accroche pas du tout, c'est tout. La forme j'accroche pas du tout et j'avais pas arrêté de dire en live que le fond il est carré. Le fond il est carré mais euh, la forme euh, c'est pas moi, mais après, moi j'ai conscience, je vois qu'il a 300 000 vues. Je me dis, bon, bah voilà, il a son public. La vérité, je pense que en vrai, en discours anti-racistes basé, c'est celui qui a le plus de vues aujourd'hui. Hein. Ah bah bien sûr. Ah tu bah bien sûr. Genre, ça non, reste, mais c'est super euh, utile. Ça reste utile, utile, tu vois. Mais c'est ouais. pas pour ça que je vais lui, lui faire une pipe. C'est très bien ce qu'il fasse. Non, mais je veux dire, on peut être adulte, c'est-à-dire c'est très bien. tant aucun, il fait un travail de malade, c'est celui le plus utile. Euh, il a un succès de ouf, tant mieux pour lui. Mais juste, moi, euh, ouais, c'est pas, 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 pas mon kiff. Oh ouais. En fait, j'ai un problème, c'est que j'ai l'impression qu'il m'agresse pendant 30, 40 minutes. Tu vois J'ai l'impression qu'il me prend par le calbar et qu'il me bouge comme ça, et qu'il qu l'arrête pas, qu'il veut pas me laisser respirer, qu'il n'arrête pas de faire des blagues, qu'il n'arrête pas de faire des voix, que ça va super vite, et je suis en mode... Laisse-moi laisse laisse le temps, s'il te plaît, lâche-moi Lâche-moi, s'il te plaît, en vrai, tu vois En vrai, je comprends de fou. Moi, je comprends, Merci. mais en fait, je pense que les vidéos... Elles sont aussi faites pour des gens qui regardent de fou des contenus comme ça, qui vont un cent ouais, à l'heure avec plein de petites voix. Euh, t'es genre, c'est aussi un contenu qui retient ton attention bien quand t'es pas capable d'écouter une vidéo de théorie politique de 45 minutes un peu plus tranquille. Tu vois là le fait qu'il y ait les petits persos avec les petites voix, mm -hmm. puis il y a les petites blagues, machin. Genre ça marche bien quand même, tu vois. Moi je mm -hmm. sais que si j'avais été ado et que les cours d'histoire avaient été comme ça, j'aurais été matrixé, la vérité. Mm -hmm. Mm -hmm. Il faut tout pour faire un monde, c'est tout. Vous avez vu ouais. son mépris à ce gars, c'est une dinguerie. Hein. Il a dit il faut bien des gogoles dans ce monde aussi. Il peut pas y avoir que des bah, gens je suis intelligents des gogoles. un gogol moi. moi aussi. Non mais attends, moi, moi j'ai un humour. Je comprends que les gens n'aiment pas mon humour. Voilà. En mode oui, bah ouais. Tu t'adores, oui, Sam. C'est ça le truc. Mais même même moi, moi mais, attendez, mais je veux dire, même moi je peux, je peux pas regarder mes vidéos, en fait. Même moi je peux pas regarder mes vidéos. Ah, ça C'est normal, ça. Je peux pas me regarder en... Je suis.. Mais non, mais c'est pas drôle ce que tu fais. Les gens... Euh... Si, Dites-lui qu'il est drôle, regarder, il est triste. Dites-lui qu'il est drôle. Non. Et je voulais, non, je voulais finir pas par. Ensuite. Non, mais ça, je le sais, mais. Euh... Eh ben, je sais plus ce que je voulais dire sur Taokan. Aucun... camp. Mais après, qui continue, qui continue <laughs> De toute façon, il a pas besoin de mon avis. Je fais, je fais des lives à 500 vues, moi. Oh bah. ah t'as été vexé parce que j'ai dit que ça faisait des vues, c'est ça Mais je suis pas vexé, je m'en bats les couilles. <laughs> moi, j'ai mon smic, je suis tranquille, je, je, je fais mes trucs de mon côté. Moi et... <laughs> pas. Oh, je Moi je suis l'homme le plus heureux du monde, c'est à dire que je fais mes lives de mon côté, j'ai un salaire qui tombe tous les mois. Euh, Qu'est-ce que je peux te demander de plus après C'est trop des problèmes après, mais je suis pas jaloux. Moi j'ai rien dit. Le mmh. chat fera son avis, ça dit, les mais, bonnes, mais après, est ah oui, mais c'est ça, c'est ça, je voulais dire et ça, ça, et ça fera aussi le lien avec la vidéo de, de Kerry James. Je pense qu'il y a aussi un truc Ou bien sûr, c'est générationnel, c'est à dire que. Moi, ça me fait penser aussi à des vidéos de TikTok et tout, où je ne, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas le succès, je ne comprends pas l'humour, je ne comprends pas le rythme, je ne comprends pas ce qui est drôle, je ne comprends pas ce qui intéresse les gens. Et, mais après, je suis pas en mode euh, les jeunes, c'est des cons. Je suis en mode, ouais, bah voilà, je suis vieux, voilà, écoutez, euh, moi, j'aime pas les. Plus... Attends, on a le âge, arrête. Ouais, mais euh, moi, j'ai vécu des choses. Donc, j'ai vieilli <laughs> plus que toi. Toi, tu essayes de faire jeune avec ta casquette. Euh... Ma casquette de Jones Et mes termes de Jones Non mais voilà Après Mais moi j'aime bien Me complaire là-dedans Je pense que toi Tu fais aussi l'effort Parfois d'aller T'intéresser à d'autres choses mais On va parler par exemple Avec Kerry James Moi je suis en mode Bah voilà J'aime pas ça Je vais pas me forcer Je reste sur mes trucs Et puis voilà Et par contre Là où je suis pas un boomer Les gens C'est que je suis pas en mode euh, Détester les jeunes Je suis en bon, mode bah, Un peu quand même Ah bah non ça, mais sais non, mais Je pas pense pas à de cause coup. de quoi C'est parce que T'as été surveillant ça et du coup, ça a créé une rupture entre toi et la jeunesse. Tu as passé trop de temps à les fliquer. Du coup, tu peux plus te réconcilier avec eux. Attends. Parce qu'il y a ma coloc. Euh, tu, vas tu, vas, tu vas faire la, les cibles là Ça recommence. Alors, faut faire vite. Euh, là, Attends, il n'y a plus la caméra là, je pense. Oh, t'inquiète, non Vas-y, tu peux y aller. Désolé, hein. Euh... voilà. Euh... J'ai qu'un 30 mètres carrés, vous m'excuserez. D'accord, les gens Moi, je suis pas, euh, pas Danny avec ses 60 mètres carrés ou Raz avec ses 90 mètres carrés. Moi, j'ai pas de. Hum. C'est bon Et euh, frotte bien, hein. Ouais, je suis un homme. Et vas-y, hein. Moi, je veux que ce soit propre. Je crie. Je hurle. <laughs> Regardez, il s'est fait disputer. C'est redevenu un enfant d'un coup. Il faisait le malin Et... en mode Tu laves, hein. Tu frottes, hein. Et après, il, fait... il crie. Cri, en fait, non mais, mais c'est parce que c'est moi qui domine. <laughs> colloque dans un 30 mètres carrés. Oui, moi je dors là. Je dors sur le canapé, les gens. Ah ouais ouais sur le canapé. Ouais. Je dors sur le canapé. Pareil, je dors sur le canapé. Tu peux répondre hein. Tu, as... tu pas... ah, vas, tu t'aimes pas. Vas-y, c'est bon. bon. alors. Alors, <laughs> Kerry James. <laughs> okay. Allez. Bon du coup, alors sans transition, Kerry James. Bon, faut regarder ouais. ça en gros euh, contexte. Et après l'interview. Contexte, tout le monde a rigolé de cette vidéo sur Twitter. Voilà contexte. Donc on veut voir la vidéo. Kéry, justement, quand vous écoutez le témoignage de Maël, l'investissement de JR, qu'est-ce que ça vous évoque vous Je rappelle, oui, vous avez créé une association en 2007. C'est quoi la vidéo de base On l'a pas. Apprendre, éclater, comprendre, entreprendre. C'est la meuf qui pleure. Moi, c'est une association qui existe depuis 2008. C'est pas le bon extrait qui nous envoyé. Pas le bon extrait, ça. C'est oh, pas la bonne. Je me fait baiser par le chat. C'est pas la bonne vidéo, ça, les gens. C'est pas la bonne vidéo. Je me suis fait baiser par ce chat de merde. Si c'est oui, le bon. Oui, c'est une étudiante qui pleure. Oh là là, c'est une étudiante qui pleure parce qu'elle a 100 balles par mois. Mais moi, je vivais avec 5 balles par mois. Mais vas-y. Avec 5 euros par mois. Ouais. Mais pourquoi tu mens Bah si. Et tu faisais attends, mais tu te nourrissais Bah Je vivais chez ma mère. <laughs> voilà. faut faire des choix dans la vie. Ouais, mais d'accord. J'avais 8 ans en fait. J'avais 5 euros d'argent de pause en fait. Ah oui, bah Donc oui, bah oui. à le survivre en fait. Ah bah oui, ouais, excusez-moi. Je me plaignais pas. Je me plaignais pas. Ok, Yomi Denzel, ça a dit. C'est ça la bonne vidéo. J'espère, hein, parce que. Pourquoi les masquer de le, la discussion Ah, voilà. Je comment je travaille Enfin, je galère à et faire ça des études. Sam va se moquer, un rappel. Je faisais mes courses, je payais mon loyer. Mais par contre, je ne pouvais pas aller chez le médecin. Et je sais que c'est un sujet qui vous tient beaucoup à cœur. Euh, c'est la précarité des jeunes, oui. la précarité des étudiants. Et c'est pour ça que ah je Maëlle qu l'année dernière dans une vidéo qui a été vue plus de 10 millions de fois, qui a ému mmh. toute la France. On l'a découverte, on la regarde. J'ai 20 ans, je suis étudiante à Sciences Po et je suis boursière. Ça fait 4 ans que chaque année. Il a rien à dire, Wissam oui, non, moi ça me rend triste. Ah bah ouais. après non, j'ai pas envie de passer pour un connard en fait. Vous avez... Dis ce très... que tu bah... penses ici, t'es libre. Ici ta parole ne sera pas euh, limitée comme Mais le fond. Elle des a, Testament. elle a. C'est quoi 100 euros C'est euh, le crouse C'est ça qui lui donne que 100 euros par mois Oui, je pense. Ça veut dire qu'elle est pas à un, élo... à un échelon très élevé quoi. Ouais ouais, elle a, ouais, elle a que dalle quoi. Ça veut dire que ça va quoi. C'est ça que tu sous-entends Oui ça, on est d'accord. Tu parles non, pas C'est euh, euh, la galère. Moi j'avais quoi J'avais. En dessous de l'échelon avait... 7, tu, tu, tu parles pas quoi. De quoi En dessous de l'échelon 7, tu parles pas. L'échelon 7, c'est Mais moi j'étais pas échelon. Je crois que j'étais échelon 4 ou un truc comme ça, 4 ou 5. Ah ouais, à la bourgeoisie presque. Ah bon Non, en vrai, non. Mais non, c'est juste qu'il y a des gens qui disent non, mais alors pour le premier degré, il y a des gens qui sont en mode oh, oui, euh, les échelons des bourgeois, etc. Alors que non. Euh... Et c'est combien l'échelon du bourgeois Bah tout sauf échelon 7 en gros pour ces gens-là. Ah d'accord. Ouais, non, moi j'avais 4-5. Mais. 4-5, t'as quoi T'as 450 euros par mois. Je crois que j'avais ça pense. ou 400... alors ah, en comme vrai, ça, avec ça, 450. tu vis pas. Non, tu... bah, je travaillais à côté. Oui, voilà, c'est ça. Je travaillais à côté. Et après, j'avais ma soeur aussi qui m'aidait un peu. Et voilà, quoi. Oui. On se débrouille. Et en fait, j'ai fait deux ans... Euh, j'ai habité deux ans... Euh, un an dans un crouset, après un an dans un petit studio. Et après, il euh, y a un pote qui me logeait gratuitement. Ouais, c'est ça. En fait, le plan, c'est... Souvent... quatre ans. Les plans logements, c'est ce qui change tout de la vie étudiante. Ouais, bah Parce oui. que tu as bah des oui. gens, tu sais, ils ont pas forcément des darons qui ont de la thune, oui, ils ont pas beaucoup de thune, mais genre, ils ont euh, la grand-mère qui vit dans Paname, du coup, ils vivent chez elle, ou euh, ils ont une tante, ou machin, tu vois, ou encore mieux, là, c'est les Bourges, par contre, leurs darons, tu sais, ils achètent un appart pour les études des enfants. Ouais. et t'as le studio dans Paris qui va servir aux 3-4 enfants les uns après les autres pendant qu'ils font leurs études et en fait bah, mmh. c'est enfin ça règle tout le problème parce que le problème bah, de sûr. venir étudier à Paname c'est le logement de toute façon mmh. en tout mmh. cas oui ça m'a dit moi j'étais échelon 4, j'avais pas d'argent j'ai pas fait de vidéo en pleurnichant donc bah, il a pas d'empathie pour elle quoi moi j'ai bossé en fait j'ai je me suis levé le cul j'ai pas fait une vidéo pour pleurer sur Internet je suis allé euh, surveiller des gosses en fait je suis allé leur torcher le cul voilà c'est toi qui torchais le cul des gosses au collège non, euh, là j'étais animateur. Ah oui, là oui. Ah oui, là tu torches un ouais. peu plus. Là. Oui, ouais, et j'avais les, les 3-6 ans. Et donc euh, 3 ans, euh, parfois t'en as. Est-ce que tu connais des chansons de colo Ah bah bien sûr. En oh, fais-nous une chanson de colo, Wissam. Oui, oui. Ah non, mais c'est la honte après. Allez. Un éléphant qui se baladait tout doucement dans la forêt. Il portait sur son dos un petit perroquet. Qui s'appelait Coco. Et qui buvait du lait. Oh lolofo fo. Coso Todo mo. folo. A so sodo. A poroco. Coso polo coco. Hein <laughs> Si, c'est le bon air. Nous, c'était comme ça. Ou sinon, il y avait... Euh, ce qu'ils aimaient bien, les petits, c'était... Euh, on paguait, on paguait. T'as mis la pagaie là-bas sous les cocotiers et les crocos ils l'ont mangé et on peut plus pagayer mais on peut faire plus fort. On oh, pagaye, on oh, pagaye. Et tu recommences. Attends, ils étaient déjà homophobes Pourquoi euh, c'est des quartiers ils sentaient déjà on n'est pas gay, on n'est pas gay. Ah bah oui, bah on était des indigènes. Hein oui, c'est bien ce que je dis. On était euh, les quartiers des quartiers radicalisés de la République. On a compris le séparatisme. Ça chante des Attends. chansons problématiques. Tu te pouette la voilà, la t'automobile. Tu te poète la voilà, mais qu'est-ce qu'elle fait là Jour mémorable de sa première sortie. Elle est entrée dans une pharmacie. Dans une pharmacie en oh, la méchante automobile. Ah et tu recommences. Ah la automobile, celle-là, c'est la seule que je connais. Ah tu la connais euh, de ça. toute ouais, celle-là, ouais. Et, et moi j'ai fait le centre d'aéré, moi. Non, j'étais pas animateur, j'étais animé, moi. Par les animateurs. Ah mais moi j'ai fait les deux et j'étais animateur dans le centre où j'étais animé. Oh ah ouais. Ouais. Oh ça doit être bizarre ça, ça va être rigolo. Ah, ah ouais ouais non mais en fait. Euh, et J'ai travaillé 10 ans la dernière fois que j'ai travaillé dans ce centre, c'était l'année dernière. L'été, il m'a pris parce que. Mais c'est un truc presque familial, tu vois, c'est les gars de quartier. Euh, c'est comme ça, ça marche comme ça depuis tout le temps. T'es animé, animé là-bas, si ça se passe bien, tu peux devenir animateur et tout. C'était trop bien. Les animations, les gens, c'était les, les meilleurs moments de ma vie. Animateur fait... et tout. Après, j'ai fait ça, j'étais jeune quand même. Et, et, et je n'ai pas été en colo à dos. Et je suis allé en colo une fois, j'avais 16 ans et les animateurs, ils me taxaient des clopes. c'était une expérience bizarre. Wow. C'était bizarre d'aller en colo à 16 ans. Et de tout, euh... Mais de fou. C'était des... en fait c'était une colo de d'adolescents pour faire euh, du vélo en montagne. En et difficulté tout. Un peu ouais. C'était un truc de casse. <laughs> Il y avait moi et que des Marseillais. <laughs> du coup c'était un peu voilà quoi. Bon on fumait du shit quoi en colo quoi. C'était un peu euh, voilà quoi. C'était une... une colo de bolos quoi. Mais c'était en vrai c'était trop bien. On faisait du vélo et tout. C'était trop cool. Ah mais c'est euh, non j'ai fait des moi j'ai fait des colos avec des ados et tout. C'est cool hein. Mais après, c'est cool aussi cool, pour les animateurs, tu peux plus te marrer, quoi. Genre, c'est moins à la police, quoi. Ouais, mais moi, après, j'ai beaucoup... pas eu beaucoup, beaucoup d'ados. Je crois que j'ai dû faire un an les ados. Moi, ce que j'ai beaucoup eu, c'est les 9-11 ans. Et ça, c'est l'âge parfait, 9-11 ans. Ouais. Trop bien. Parce qu'ils sont pas casse-couilles comme les ados. Ça reste encore des enfants, tu vois. Ils ont pas les problèmes d'ados, de, de, de rébellion à l'autorité ou que sais-je. Ouais. Et euh, c'est pas non plus Ils des bébés. Ouais, c'est le bon ah. entre-deux. Ils sont quand même disciplinés. Ah, ça veut ah. dire que toi, en ah. tant qu'autoritaire. Euh, ça allait quoi Moi je suis pas Mais je suis pas autoritaire euh, Moi Ça va vous étonner les gens Mais les gens euh, J'étais un bon anime J'étais un très très bon anime hein, Un très très bon anime Et même le surveillant euh, J'étais parmi ceux qui C'est le moins et tout Vous trompez sur moi Vous vous trompez T'étais le surveillant cool Et en plus je faisais des Ouais Et je faisais des... Bah j'étais le tranquille Avec les, les petits à les parler S'ils avaient des problèmes et tout Et euh, Avec animateur je, je faisais des trucs de malade hein. C'était trop bien moi, j'allais à fond, déguisement et tout. Et même <laughs> ah, maintenant, vous là. Ah, vous imaginez les gens qui ah, sketch avec les gamins oh, Ah, bon, bah, bien sûr, mais tu, on a fait des sketchs et tout, c'est trop. Mais tu t'amuses Mais en plus, les gens, les, les enfants, il n'y a rien de plus facile que d'engrainer des enfants, en fait, de les occuper. Et en fait, les enfants, ils sont, ils sont influençables. C'est-à-dire, quand ils voient les, les, les animateurs s'amuser, ils s'amusent. Moi, je me rappelle, il y avait des temps calmes, les gens. Les temps calmes, parfois, qu'on allait dans des parcs et tout, t'es obligé d'imposer un temps calme pendant une heure. Même toi, en tant qu'animateur, t'en as marre des enfants. Donc, tant calme, les gens. Et qu'est-ce qu'on faisait Pour et, euh, que les enfants soient calmes pendant euh, une heure, on les mettait assis, et spectateurs, et ils nous regardaient jouer au foot. Et il fallait qu'on soit à fond, mais tu sais, genre euh, vraiment dans la compétition, qu'on les fasse participer et tout, mais à partir du public. Et ça durait une heure. C'est-à-dire, avec les animateurs, on faisait notre match de foot, et eux, ils étaient là, autour du stade, et ouais, ouais, trop bien Et c'était. Euh... Et donc, t'avais une heure de calme. Non Mais non, mais parce génique. que. Mais bien sûr, mais attendez, les gens. Pour les, les enfants, quand ça fait des, des années, parce que là, je parle d'enfants, ça fait des années, on les a pas. Moi, il y a des petits de 3 à 11 ans, je les ai eu, tu vois, pendant 8 ah ans, oui, et on okay, était pas ouais. quasiment les mêmes équipes et tout. Ouais, du ça, coup, tu ça, les connais, ça, ça oui, ok ok Et eux, de voir les animateurs jouer entre eux et qu'il y ait une compétition de ouf, et que eux, et que toi, tu les engraines dans la compétition, même en tant que spectateur, ben, ça marche. Ça marche, tu peux les occuper 3-4 ouais, heures. Que comme ça. moi, j'allais dire le jeu du silence, nous, c'était ça la strat, quand on foutait ah bah, trop le sûr, bordel, c'était le jeu du silence. Ouais. Classique, Mais faut qu'il y ait un enjeu. Faut que... En vrai, c'est. Avec n'importe quel jeu, si t'es un bon animateur, tu peux, en... peux engraîner le gosse. Vous faisiez Balle aux prisonnier Oui. Sur des techs oui. aussi Oui, la tech, c'est trop bien. C'est trop bien, la tech. Mais ça, avec les 9-11 ans que tu joues, les petits, ils savent pas jouer, ça, ça pète les couilles. Ouais, de fou, c'est vrai, c'est vrai. Moi, j'aimais trop la Balle ouais, au prisonnier, j'étais trop euh... fort vu que je jouais au hand. L'ambassadeur, moi je connaissais plein plein de jeux. Là j'ai complètement perdu, mais je connaissais plein plein de jeux. Bah, Après il y a les classiques, le poule renard viper. Le poule renard viper euh, c'est de la frappe. Ça c'était les après-midi ouais, douce, le poule renard viper. En plus ouais, on pouvait aller fumer parce qu'il fallait se cacher, donc c'était trop bien. On était heureux. Oh là là. Ah oui, ah, mais bon, notre en tant qu'animé toi Ah oui, en tant qu'animé, Quand j'étais gosse ma vie, de mes 13 à mes le 16 ans. Le sagamore C'était cacher pour sagamore. Le sagamore, je connais pas, c'est quoi le sagamore Le sagamore, c'est une sorte de poule renard viper mais en plus développé. Dans chaque équipe, t'as des rôles. Et donc, euh, mais ça, il faut vraiment prendre une après-midi. Il faut avec des, 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 presque des ados et tout. Et c'est de la bombe de Saga Mort. Oh ouais. Ça a l'air compliqué. Hein. Ah, c'est trop bien. Et, et, et nous, et en colo, les cache-cache, les mais aussi les sardines. Tu as déjà joué à la sardine Non. La sardine, c'est le contraire du cache-cache. C'est -cache. qu'il y a quelqu'un qui se cache. Et ah, tout, tout le monde, monde doit le chercher. trouver. Et quand tu le trouves, tu te caches avec lui. Et, euh, ah et ouais, on a Le a joué qu'il ne reste plus qu'un seul. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Et la tu sardine, pour gagner, il y a Hein Comment tu fais pour gagner quand tu cherches Bah, juste t'as gagné quand tu le trouves, tu te caches avec lui, c'est tout. Hein. Mais les enfants, ils, après, au bout d'un moment, ils s'en foutent un peu de gagner, de perdre. Ça les amuse de chercher. Parce que nous, ouais. on les amenait dans la forêt. C'était tard, ils faisait nuit et tout. Donc, ils flippaient, ils avaient leurs lampe torche <laughs> et tout. Et c'est le délire, quoi. Le, de se cacher et tout, de flipper les fantômes et tout. C'était trop bien. La gamelle. Ah, mais la gamelle, c'était incroyable, la gamelle. Incroyable. Et tous ces jeux, les gens, ils sont nuls si vous n'avez pas des, bon, des bons animateurs. Oh, on a Vous pas que, que... t'étais un bon animateur. Non, mais final, non, tu mais fais le même travail parle... aujourd'hui sur Twitch, quoi. Bah voilà, j'anime, j'anime euh, chat. Et t'as déjà eu chat. un enfant qui est crevé ou quoi, ou qui s'est blessé de fou Jamais. Mais là, nous, euh, euh, les animateurs, il y avait un cauchemar. Je pense que les animateurs le connaîtront. C'est quand tu allais au parc d'attractions et c'est le, 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 le manège de la bouée. Le, le bouée là, euh, quand tu vas dans ah oui, pas oui, comme on a fait nous l'autre. Tu vois, vraiment, tu vas dans les dans les rives et tout, tu vois. Et ça, les animateurs, c'est notre cauchemar parce que c'est là où il y a eu le plus de morts dans les parcs d'attractions. Ils s'écrasent entre les bouées, genre Non, ils tombent de la bouée, ils tombent dans l'eau. Après, c'est la naturelle et la sélection. Ah ouais, non, mais. Si tu ah de ouais. la bouée, bon, euh, on ne peut plus rien pour toi, quoi. Mais, euh, mais trop bien, c'est ça. Vas-y, je vais au j'arrive par le leurre d'animation. Après, on regarde la petite ah, pleure, que oui, ça me déteste. Après, ma soeur, euh, ma soeur elle était. Euh, a... J'ai travaillé beaucoup avec ma sœur. Elle était animatrice. J'ai travaillé dans le même euh, centre d'animation et après, elle est devenue directrice. Et elle, les gens, elle a été dans, dans une colo où il y a eu un mort, mais ce n'était pas de sa colo à elle. Elle allait dans, dans une colo, ils allaient faire du rafting. Et elle, elle avait des ados, ils avaient entre 13 et 17 ans. Et ils ont fait du rafting et il y avait une autre colonie avec eux qui faisait aussi du rafting. Et euh, mais ça l'a choqué. Hein. Elle a appelé ma mère, elle était en larmes et tout. Mais ça, c'est le cauchemar, le cauchemar de tous les, les, les animateurs. Nous, il y a eu plusieurs fois, on a flippé euh, quand on allait dans des... Quand on sortit qu'il y a un enfant qu'on ne retrouvait pas. Moi, il y a, il y a un, un jour, j'étais allé en ville à Aix-en-Provence. On avait fait une anim animation en ville et pendant une heure, j'ai cherché un petit. Mais j'étais blanc. Mais j'étais blanc, un petit de 11 ans. Et il était dans une salle d'arcade. J'ai cru que j'allais le détruire. Mais le détruire en Provence. En Provence, pardon. En Provence, pardon. pardon. Mais... Pendant une heure, je le cherchais partout et le truc blanc. J'étais non, non, j'ai perdu un gamin. Je suis dans la merde. Qu'est-ce qui lui est arrivé Et après, je l'ai trouvé. Mais j'ai cru que j'allais le frapper. Le sentiment, vous savez, d'être oh là 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 là. t'es content mais vénère. Mais c'est ça, c'est exactement ça. Et il s'amuse, mais j'allais le tuer. Mais ça, vous vous rendez compte, la dinguerie. Vous êtes, vous êtes un parent. Vous laissez votre enfant au centre aéré. Vous vous promenez le soir, on vous dit il est mort. Waouh. Waouh 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 wow. Moi j'ose ouais. pas imaginer hein. enfin. J'ose pas imaginer. Oh là 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 là. Moi une fois c'est une, une meuf on faisait euh, des trucs de gymnastique là tu sais avec les agrès là. c'est les gros euh, genre les barres parallèles tu fallait les soulever pour les mettre sur roulette et quand tu les reposais ça 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 ça, ça tombait d'un coup et il y a une meuf qui a baissé le truc avec son pied nu en dessous et il y avait tous ses doigts de pied qui étaient plats et il y avait plein de sang. Et genre vraiment genre la meuf elle s'est fait elle s'est fait mettre tout le pied tous les doigts de pied et tout le pied qui était écrasé et les os broyés et je crois qu'elle a perdu ses doigts de pied et tout et ça c'est arrivé le, la personne qui s'occupait de nous quand c'est arrivé elle a été traumatisée genre wow, c'était un mais truc de fou. Écœurant. après oh. la meuf elle a mis ça peux ses... marcher encore bon bah, je sais pas j'en sais rien je l'ai jamais revu cette gauche m'en bats les couilles euh... mais genre tout ce que ah, je me tu rappelle bats les couilles des gens qui perdent leur pied bah non mais en, en fait à l'époque j'étais jeune du coup ça m'a fait rigoler c'est vraiment oh l'image de voir le pied mais tu l'as vu? Et, ah ouais, ouais je l'ai vu, ouais. Et en fait, euh, étonnamment, ça a pas coupé les doigts de pied, ce qu'on aurait pu croire. Ça a vraiment aplati. C'est-à-dire que c'était vraiment de la bouillie de chair et d'os, quoi. Tu vois? Vraiment, ouais, comme dans un cartoon, vraiment. Genre, je vous jure, c'était vraiment comme dans un cartoon. Et quand ça a, En fait, c'était aplati, elle avait le pied coincé. Et quand Mais ça elle a soulevé. Elle, elle a crié, non? Ah, elle hurlait à la mort. Elle hurlait à ah la bah mort, oui. de fou. Et quand ça a soulevé, c'était horrible parce que c'était un peu collé. Tu vois? Collé serré? Ouais, c'était collé à la barre qui avait écrasé. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que la, la barre et les bouts de peau, sais, ça faisait comme ça. Voilà. C'était horrible. Voilà. Et c'est. trop zoomé petit peu. sur ma caméra ou ça va? Non, c'est bon, je pense. Ça, ça, ça le fait. Comme tu veux, toi Oui, oui. Non, vas-y, t'inquiète, laisse zoomer. C'est pour euh, que ta coloc puisse passer, ah. c'est ça? Non. non. C'est pour qu'on me voie de plus près. Parce que ouah, je ouah, pense que ouah, je suis ouah, la charme euh, du live. <laughs> Ouais, alors la meuf qui pleure, Kerry James, on va y arriver un jour. quoi T'as dit quoi La meuf qui pleure, on va y arriver. Tu vas ah passer Ah, mais d'accord. Oh là là. Tu parles à 6 personnes en même temps aussi. Vas-y, passe. Pas alors, dépêche-toi, on attend que toi là. Là, il y a 3000 personnes et euh, Raz qui attendent. En fait. Dis-le avec la voix. Mais bon. eh oui, mais non, après, elle va me taper en fait. Elle n'aime pas quand je fais ma voix en fait. <laughs> elle me dit euh, je suis avec un bonhomme ou je suis avec un enfant on colloque, hein, on colloque. Euh... Allez. Allez ouais. Allez, euh, Allez. la vidéo, hein. Mmh, mmh Aham et 100 euros de bourse par mois et avec ça, je suis censé euh, vivre. Euh, payer mes courses, payer mon loyer qui est de 400 euros. <laughs> je travaille vraiment. Y a, ça fait deux ans que je travaille au moins 20 heures par semaine. C'est énorme à côté de ces études. Je suis censée, genre, payer ma vie comment Je travaille, en vrai, enfin, je pauvre. galère à faire des études. Et mais... je suis pas censée autant galérer juste parce que. Après, ah, ça, ça, euh, bah, par par ça, ça a toujours été notre, pas, quasiment notre quotidien. Hein. Mais ouais, c'est. Moi, bon, ça a toujours été scandaleux. Ce que je veux dire, c'est toujours scandaleux, mais c'est pas nouveau. Après, j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus qui galèrent, quoi. C'est ça le truc. Moi, je pense aussi que c'est des profils différents. Et après t'as l'inflation, t'as tout ça Ouais donc ça a, ça. Changé. Et ça et a en... changé Je pense que ce qui a changé ça aussi c'est qu'avant Les gosses qui étaient dans cette sauce là Ils s'y étaient préparés C'est à dire que quand ils ont commencé leurs études Ils savaient qu'ils auraient pas de thunes euh, Ils avaient ouais. probablement grandi dans une famille qui avait déjà pas trop de thunes Et qui était déjà dans la démerde Et tu sais qui arrivait arrivé euh, résigné tu vois Et que je pense ouais. que ce qui a changé C'est que t'as des gosses qui ont grandi dans des familles Où c'est pas que c'était friqué mais Genre tu te posais, genre c'est les gamins genre, Ils voyaient pas leurs parents se poser la question des courses ou des trucs comme ça, genre sans se dire qu'ils roulaient sur l'or. Et c'est quand eux, ils se sont retrouvés tout seuls à devoir vivre, qu'ils ont découvert la pauvreté un peu. Et du coup, ouais. je pense que c'est d'autant plus traumatisant, tu vois. Ouais, bien sûr. Et oui, j'ai vu aussi, là, les arènes, tu sais, ceux qui logent dans des campings et tout. Non, mais c'est une, ouais, une dinguerie Mais c'est ça, moi, je pense les gens, euh, 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 en soi, la situation n'a pas changé. Tu as toujours des étudiants qui sont obligés de bosser pour travailler. Mais le problème, je pense qu'avec l'inflation, avec, avec euh, euh, la précarité et tout, je veux dire... Eux, ils galèrent encore plus que nous. Genre, tu travailles 20 heures par semaine, ça allait. C'était ouais. la, la galère pour les études, mais financièrement, ça allait, tu vois. Et je pense que là, même ça, c'est pas possible. Tu pouvais pas faire le ouf, mais tu ouais. pouvais bouffer, quoi. Ouais, Genre, ouais. Oh, de fou, de fou. Ouais, c'est ça. Alors qu'aujourd'hui, c'est impossible, tu vois. Et ouais. en plus, moi, je pense aussi, je vois aussi pour les gens qui étaient un peu autour de moi... Euh, quand j'étais en Normandie et tout, t'avais beaucoup le rêve de la vie étudiante parisienne, tu vois. Ouais. Où c'était tu barrais faire des études à Paris, mais même des études de merde, tu vois, même aller en fac d'anglais, genre pas forcément un grand truc, mais le truc de la vie étudiante, rencontrer des gens, rencontrer des meufs, aller dans les bars à Paris. Bah il y avait un peu ça, la et tout, mais pas que. Franchement, c'était pas que ça non. Oui, bien sûr. Mais tu sais le truc un peu de c'est ouais, euh, presque le rêve American Pie qu'on avait quand j'étais jeune, tu vois, parce que ouais, nous ouais, on avait aussi ouais. l'image des États-Unis, un peu la vie de campus, tu vois. Est-ce qu'on s'est trompé Bah voilà, et ça ça a été une, une désillusion de fou pour plein de gens, à voir que déjà la fac française c'est pas les universités de Riquin où tu fais la fête euh, toute la toute la vie, etc. Et que surtout ouais. genre as surtout des problèmes d'argent, tu vois. Ah ouais. voilà. euh, on vous a vu sur cette vidéo, je le disais, c'était en novembre 2022. Euh, Aujourd'hui. Ça va bien mieux. Qu'est-ce le... Qu qui se passe dans votre tête au moment où vous, vous craquez en fait Quel était le déclic Au moment de la vidéo, ça fait deux ans et demi que je travaille entre 20 à 25 heures par semaine à des emplois payés 8 euros de l'heure. Donc mmh. euh, avec autant de travail, je m'en sortais à peine. C'est-à-dire ben ben -ce que, que je faisais mes courses. Fais... L'obligation d'assiduité pour les boursiers, mais moi à l'époque, je ne sais pas s'ils le font encore, mais à l'époque, je sais que les profs, ils n'étaient euh, pas trop regardants sur ça. Moi, je sais à l'époque, tu pouvais venir au premier cours et t'expliquer ta situation. Il disait, c'est bon, je vous mets tous les cours. C'était les TD, il fallait être là pour les TD. C'était les trucs obligatoires. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai l'impression que il euh, y a les gens malins qui le qu ouais, faisaient comme plus, toi, hein. et les gens un peu plus qui flippaient qui le faisaient pas. Et moi, je sais, à Paris 3, c'était facile dans les petits cours, mais les trucs d'amphi, souvent les profs qui faisaient des trucs d'amphi qui étaient des profs les plus amphi, vieux. Les amphis, c'est pas obligatoire. Euh... Ah si, nous, on avait des cours obligatoires en amphi, nous. On mais on pouvait pas, pas faire l'appel. Bah si, il y avait, une, ah bon euh, avait, avait un truc de liste ou je sais plus quoi. Hein. D'accord, parce que nous y a, les amphis c'était les skifs parce qu'il n'y avait pas d'appel quoi donc. Euh... Après moi j'ai jamais euh, loupé de cours donc. Euh... Ah ouais. Bah de toute façon j'avais pas de bourse. <laughs> voilà quoi, j'étais baisé. Raison de plus pour les louper. Ouais, exactement. <rire> <rire> <Je sais pas rire> non mais la vérité, moi j'ai dit <laughs> turbo. La vérité, moi j'ai, j'ai fierté encore. que j'ai passé un an à la fac, je suis allé en cours de fou. J'ai le droit d'avoir ma fierté quand même. Moi, tu sais que je m'étais, euh, mon premier TD, je m'étais fait virer comme si j'étais au collège. J'ai fait c'est choquant. Ah ouais, pourquoi Ouais, ouais, ouais. Moi, il y a eu deux. Il y a, il y a eu un prof de droit qui m'a dit ici, si, on n'est pas en banlieue. À moi. Mais vraiment, euh, un prof de droit de... de Lyon 3, les gens qui étaient venus faire des cours à Lyon 2, alors que toute la salle parlait. Et m'a dit à moi, euh, monsieur, nous sommes pas en banlieue ici. Mais je... en plus, je me regardais, et me dis mais putain, mais en plus, j'ai pas le, pas, un... regarde ma tête, je suis pas un banlieusard. En plus, tu vois, je veux dire, c'est si pour toi, je suis Lyon banlieusard, t'es pas prêt, frérot. Et il y en a une autre, elle voulait que. C'était une connasse aussi en droit. Parce que moi, j'avais un problème à Lyon 2. C'est que. Euh, euh, première licence, tu faisais double licence. Tu étais obligé de prendre deux trucs. Et donc, moi, j'avais pris socio parce que c'est ce qui m'intéressait. Et euh, j'avais pris droit. Mais pire erreur de ma vie parce que je me dis, bon, je vais faire autre chose, je vais faire droit. Ça me semblait logique de faire socio-droit. Et tous les profs de droit, c'était horrible, horrible. Mais j'ai fait qu'une année de droit, les gens. J'ai ouais. fait qu'une année de droit et j'ai jamais acheté le code civil. C'est-à-dire pour les examens, euh, je suis allé euh, à la BU et je suis allé emprunter le code civil pour, euh, pour le faire. Et j'ai eu 6 de moyenne en, en, en droit. Ouais, c'était tout, 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 ta mineure, ça Ouais, c'était ma mineure. Fac, ouais, ma mineure ouais. Ouais. Mais les gens, j'étais à Lyon 2, mais le prof de droit, il était de Lyon 3. Et toute ma fac, ce qui m'a sauvé, ce qui m'a permis d'avoir la moyenne, toute ma fac, ça a été le foot. J'étais inscrit au foot euh, à Lyon 2 et on avait grave du niveau, grave des bonnes notes. On était, on est allé loin, un championnat de France universitaire et tout. On est allé très loin. En plus, le prof me kiffait et tout, donc j'avais des bonnes notes et c'est ce qui m'a permis d'avoir la, la, la moyenne à plein de trucs. Mais non. Et donc, ça c'est incroyable. Venir. Je savais pas si ça existait ça. Bah bien sûr. Ah, oui, bien sûr. Et après, euh, moi, j'ai même été prof euh, de <laughs> de muscu, <laughs> mais j'étais comme ça. Et en fait, c'est juste que le prof m'aimait bien. Il m'a dit, tu as besoin de tunes Il fait, ouais. Il m'a dit, il euh, y a, tu sais, dans les dans les facs, il y a toujours une salle de sport. De muscu et tout. Il m'a dit tiens, prends les clés, tu viens euh, un mardi sur deux et euh, tu te fais euh, 40 euros la journée, euh, juste ouvre et tu fermes. Et voilà. Il y a des gens qui me demandaient <laughs> des conseils, j'étais mais gros, moi, je vais juste fermer, ouvrir en fait. <rire> <rire> incroyable Monsieur ah, Balas, si vous me voyez, euh, merci beaucoup. Vous en avez fait partie famille, euh, trop de bien, trop mieux vrai. souvenir. Ouais. Tu veux encore passer Mais ouais, ça passe, ça repasse. Euh, mais par contre, pour repasser des vêtements, il n'y a personne. Oh, oh, je... oh là là. Je me serais attendu à toutes les blagues sauf celle-là. Ça passe, ça repasse, mais pour les vêtements, il n'y a plus attends, personne. Attends. Il a dit. désolé. Désolé. C'est ah, hey. les gens, je ne sais pas, plus quoi dire. Pas, en pas fait. devant les copains, en fait. <laughs> Elle m'a pas tapé, hein. si tu, euh, on s'est fait un check. On s'est fait un check. <laughs> T'es pris une tarte, t'as t'es pris une tarte. Mais non, mais en fait, c'est un, un check bizarre qu'on a inventé avec elle et moi. Et en fait, <laughs> en fait pour délirer, c'est un truc qu'on a inventé pour délirer. Le check, au lieu de le faire main à main, en fait, elle elle garde la main, mais moi, j'ai la joue. <laughs> je... Et après, ça chie bon sur ta Oka, non C'est un bon check, quoi. C'est un bon check, quoi. Tu un check avec ta tête. Ouais, ouais effectivement, ouais. Voilà, la fac, c'était génial. Mais je disais, je disais pareil au handball quand je, mettais des, quand je mettais des coups de coude dans la tête des gens. Je disais, t'aurais pu éviter de frapper mon coude avec ta tête. Ça les énervait encore. Oh. Plus. oh, mais toi, t'es. <laughs> <laughs> c'était ah, du handball, pas mettre ta tête sur mon ah, coude tu t'as une tête à faire du handball. J'étais trop fort. Bon. ouais Moi, j'étais le seul gaucher, mais... donc ça donne des privilèges. Du coup, hey, a... Est-ce que, a... est que, comme le hand, il y a des fives pour le hand Comment tu veux faire des fives bah, non mais tu vois le five c'est-à-dire que tu loues un, un terrain pendant une heure pour ah, faire Ah oui un... oui mais moi je... non mais justement moi j'adorerais faire ça mais personne veut jouer au handball. Ah, ouais je, moi je veux bien j'aime bien le handball Mais je sais pas si ça existe parce que des terrains de handball à louer, je sais même pas si ça existe en fait. Ouais ben bah, faut louer un gymnase il y a chose quoi. que je te posais Je, 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 je te sais te pas posais, si en fait. ça existe. Je je, te, je je sais pas si ça, ça serait, existe. serait ça serait un concept. Ah ça serait trop bien. Ah ça serait ouais. trop bien. En plus tu peux vraiment martyriser des gens et tout, c'est trop cool ouais. parce que tu peux vraiment te taper au handball bref. On regarde la Ah vidéo. ouais non mais c'est violent Trop bien. Hein. Trop bien. Personne ne veut jouer au hand. Oui, bah oui, on a compris. Ah, bon, allez. Euh, son loyer, elle est pauvre, euh, blabla. Hein. Oui. Et mon loyer, mais par contre, je ne pouvais pas aller chez le médecin. L'électricité, si elle augmentait, c'était aussi compliqué. En bon fait, peu. tout ce qui était dépense d'argent, c'était une énorme raison de stress qui m'a aussi rendu très malade. J'ai eu, eu trois infections d'affilée aux amygdales qui sont liées au stress. J'ai eu une infection à l'estomac. Et je pouvais difficilement payer le médecin. Je pense que c'était un trop plein. Et dès que j'essayais de contacter le CRUS, on me disait en fait, là, il faut écrire une lettre au président. Bah, Ce n'est pas nous qui décidons euh, ah bon. qui reçoit quoi. Et vous avez fait les recours, on ne peut pas vous donner plus. Et donc, j'ai un peu fait cette vidéo. Je me suis dit en fait, c'est trop parce que je non, sais bah, que. Il y a encore, moi, je me rappelle, il y a une époque, j'étais grave endetté quand j'étais étudiant. Euh... Les crous, euh, j'avais plus de thunes et tout. Et en fait, j'avais quitté un appart et mes deux colocs étaient partis. Euh, euh, on était partis en mauvais terme, Et c'est moi, j'avais dû payer la taxe d'habitation. Euh, oh. Et c'était un oh, énorme appart. C'est tes colocs qui t'ont laissé dans la merde Ah ouais, ouais, ouais ils m'ont ah, laissé dans abusé, la merde. Ça. Ah ouais, vraiment. Et je les connaissais pas vraiment de ouf. Et donc, j'ai dû payer 1500 euros. Euh, Dites-vous, 1500 euros pour quand t'es étudiant à l'époque, c'était énorme. J'étais dans la merde. Oh, ouais. Et au crous, j'étais allé voir, euh, ils avaient des sortes d'assistantes sociaux un truc comme ça. Et il m'avait euh, permis, il m'avait donné une aide. Déjà, j'avais ai, le... Il y avait un peu comme les Restos du coeur, je pense qu'ils le font encore au Crous. Genre, tu avais un ticket. Tu avais des tickets pour aller chercher de la bouffe pendant 2-3 mois. Et donc, tu allais ah. un peu comme le réseau du coeur, ils te donnaient un peu de ah bouffe. Ouais. Et il m'avait fait une aide exceptionnelle et tout. Je sais pas si ça existe encore, ça. Pourquoi tu as que... payé la taxe d'habitation C'était un... É... Euh, le, le... Ils te retrouvent, les gens. Ouais, ouais. Et l'appart, le, 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 les gens, il était incroyable. Et je payais.. Je crois que je payais 400 euros et en gros l'appart il était à 1300 euros. C'était un truc à côté de la part ouais. Ah ouais, ouais ouais. Mais il était ouf. La mais part, ça le meilleur Ça c'est les plans ma colocs. Mais c'est là qu'il te fait baiser par des enfoirés qui te, te ouais, barrent ouais, et qui un, te, te laissent dans hein. la merde quoi. Surtout que ah, les ouais. deux cas ils étaient, ils gagnaient bien leur vie. Hein. Il y en a, il était. Mais euh, t'as pas, euh, pas essayé de les retrouver Tu les attrapes T'es trop gentil toi. Tu veux Même faire quoi À à Là tu l'attrapes. Il plus à. il est parti. répond plus Il répond plus à ton tel. Tu veux faire quoi tu sais pas où il est parti Bah, faut faire une enquête, ouais. Ouais, c'est vrai. Il ouais, euh... m'a convaincu. Il y a dix ans, hein, les gens. Là, de... à, un ouais, donné, à un moment donné, quoi. À un moment donné, euh, je suis pas... pas Sherlock comme ça. <laughs> c'est un gentil Wissam oui, de fou. Je suis pas seul, j'en suis sûr. Mais attendez les gens moi je voulais une vidéo où tout le monde s'est moqué de Kerry James. Ouais mais c'est après c'est à la fin ça la okay, fin. Okay, Et je me rappelle juste une anecdote, euh, je m'étais embrouillé avec la banquière parce qu'elle voit que j'ai moins euh, 1000 euros sur mon compte. Elle me fait euh, oui euh, monsieur euh, un, un euh, faudrait penser à mettre de l'argent sur ton sur votre compte hein. Bah, oui merci. Chienne va. Bah. <laughs> je ai... Es bah, es quand ouais, dit mais... ça es en mode mais tu crois non, mais... quoi que mais... j'ai envie d'être à moins 1000 euros Non mais tu eh, crois que j'en ai pas conscience mais j'ai écouté, je l'ai regardé, Je me mais c'est sérieux, genre, mais. Euh... Ah, d'accord, j'avais pas pensé à ça, de mettre de l'argent sur mon compte. Ah ouais, c'est une bonne en idée. En plus, tu sais, t'as les dingueries des agios et tout, là, mais. Ouais. Oh là là. Ah, c'est une dinguerie, non, mais c'est des chiens. C'est des chiens de fou. Après, ils t'ont appelé pour être gentil avec toi, dernière fois C'est des chiennes. Ah non, ils m'ont appelé pour me demander d'où ça venait, ch... il nous a jamais été gentil avec moi. Mais j'ai dû assister. Ils m'ont dit, oui, on le mettra dans une semaine. Euh, passé dix jours, j'ai toujours pas eu le, le chèque. Je les ai appelés, je fais, non, mais attendez. Euh... Euh, je, vous, je vous ai dit que c'était le chèque de, de mon employeur. Euh, là, j'ai pas d'argent en fait. Et c'était un gars, il était sympa, il a fait Ah, oh, bah attendez, je vous l'active. Ça a pris 10 secondes. Oh, ouais, ça a pris 10 secondes. J'ai vraiment. Non, mais c'est C'est vraiment le racisme. Un arabe reçoit de l'argent sur son compte suspect un en plus, peu. Je ne peux pas lui donner. Quoi. Deux cas et ça y est, ils sont. <laughs> j'étais isolée, j'étais en Allemagne. En fait, il y a eu un énorme écho et même jusqu'à aujourd'hui, j'ai encore des. Les témoignages de personnes qui viennent me dire ben, je m'en sors pas, est-ce que tu peux me donner des conseils J'essaie de, le, de les diriger vers les aides ponctuelles. J'essaie, moi aussi, il y avait des personnes qui avaient proposé de m'aider, mais comme moi j'ai eu, eu une aide à ce moment-là, j'ai mis en contact des personnes. Il y a ah, une cagnotte qui a été ouverte pour vous ça. aider il y a une cagnotte qui a été ouverte, donc moi j'ai ah ouais. ouais. un truc de cagnotte. Je... Ah ouais. Ouais, mais c'est bien ce qu'elle a fait. Apparemment, elle a aidé d'autres gens, mais moi c'est ça qui m'énerve. En fait, les cagnottes, les gens, ça, ça vient d'un sentiment de solidarité qui est totalement compréhensible. Mais à chaque fois, on a l'impression de... De... de faire un geste de malade, et en fait, on aide qu'une personne au final, et on donne une somme phénoménale à une seule personne, et on est content, et on oublie les trois les... autres personnes qui sont en train de galérer. Moi, ça... et à chaque fois, je regarde ça, je fais, c'est très bien pour elle. Mais il y en a d'autres, voilà quoi. Surtout pour rien quoi. Alors que nous, on fait des cagnottes. Mais on fait des streams en échange. Ouais, il y a un échange. On ouvre des wiki trucs. Des wiki trucs Ah oui, le wiki poli là. Ouais, le wiki J'ai compris la blague, j'ai compris la blague, t'inquiète. Bon, on veut voir Kerry James faire un slam là. Aujourd'hui, c'est vraiment top parce que je peux faire mes études beaucoup plus tranquillement. Kerry, si vous aviez quelque chose à dire à cette jeunesse là. Attends, c'est là, il va slam là Ouais. Attends, je respire parce que ouais, c'est très C'est Sur hein. le cringe, les gens. C'est est parti là. Aïe, aïe, non, non, aïe, aïe, aïe. mais j'ai regardé une fois. Moi, je, je déteste le cringe, les gens. C'est <laughs> parce que même le gars, même le gars d'un coup il cringe. Vous allez voir que même le gars il cringe. Même le gars il est en mode. Moi, je vois pas. Je le regarde pas. <laughs> Ça, <Je vois> <laughs> Ça n'existe pas ce qui est en train de se non, passer. Non, non. non, non allez, il va. Pas. Non, c'est fou. C'est il... cringe. C'est vraiment cringe. Non. À ce point-là, moi, j'ai pas vu, les gens. Je vous jure. Attends. Vas-y, c'est parti. Bon, les gens, on se ah, on, se, on fait le Genki Dama du cringe. Qu'est-ce que vous leur diriez Malgré les déceptions et les dépressions suite à la pression. Déjà, Déjà. <laughs> Malgré les déceptions et les dépressions, oui. malgré la pression. Alors, oh, oui. non, mais non Il Oh non, non c'est pas assez. Il a... Non Ouais, on ah, oui, et les 500. dépressions suite à la pression que chacun d'entre nous ressent malgré la répression et les oppressions les discriminations puis les arrestations malgré les provocations les incarcérations, le manque de compréhension les peurs et les pulsions leur désir de nous maintenir la tête sous l'eau transcende ma motivation nourrit mon, mon ambition, on n'est pas condamné à l'échec Voilà, merci voilà. beaucoup <laughs> Ah, mais c'est une catastrophe. Imagine, tu viens de parler du fait que tu vivais avec 100 euros par mois, que tu n'arrivais pas à manger, etc. Ah, mais moi, je préfère vivre avec 100 euros par mois que tu me fasses ça. Ah, ouais, il y a Kerry James qui te cite un de tes textes pour dire que, oui, malgré tout, l'ambition. quoi. En plus, c'est vraiment son discours à Kerry d'entrepreneuriat, machin, etc. La fin. un année à l'échec. Transcende ma motivation. Mais c'est pas issu d'un de text ça ah si, si, de... je pense que c'est euh, condamné à l'échec justement je sais pas mais ça me fait penser euh, mais juste une parenthèse que j'ai jamais pu encore pu regarder le, le aussi le slam de big Flo là c'est c'est trop difficile pour moi oui à TF1 vous avez pas vu le les gens je suis pas fou ils ont pas fait un slam à TF1 là ah ouais le freestyle, non. mais ouais, mais bref. Oh, ça, regardez euh... la tête de la gênance à la meuf! Oui, oui, ouais, bah oui. Oh la pauvre! Oh la pauvre! En fait, ce qui est horrible, c'est que t'as pas envie d'être en mode Ok, cringe. Genre, du coup, t'as un peu gêné. Oh les pauvres, j'ai trop d'empathie. Oui, mais je sais pas si s'est lancé tout seul, s'il avait prévu personne et tout. Après, avant que Cassandre arrive, là, on regarde l'interview. Avant que Cassandre arrive, est-ce que ça te dit qu'on regarde tous les deux euh, en transition euh, le, 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 le freestyle de Big Flo et Oli ah, à, oui, à TF1? Ah, oui, oui, oui après ah, Vas-y. Attends attends. Il est où non bon, je on peut là... Attends, je veux voir le freestyle. Oh, c'est ça. Tôt. Oh Oh là, oh je suis oh là là, je suis dans le bonheur là, c'est parti. Pourquoi le rap finalement euh, a pris cette place dans votre histoire Pourquoi le rap Le rap, c'était le seul moment où les autres m'écoutaient et c'est plus simple de dire je t'aime à travers un couplet. Moi le petit toulousain, très timide et pudique, j'ai posé dans mon jardin secret un bon public. Je... C'est moins pire que Kerry. Rentré du lycée, ouais, je il peux y avait pas, mon père je peux devant me quitter. Il me disait les gens sont fous et la société compliquée. Lui a pris quelques rides et regarde plus trop sa montre. Il me dit qu'il est inquiet, qu'il comprend mal le nouveau monde, j'aimerais le rassurer. Et porter le poids de sa peine. Lui dire que la génération d'avant disait pareil de la sienne. Mais dis-moi comment, ça la On promo les de mes zéniths, quand le Maroc vit un séisme, quand des familles fuient la d'un grid, Ilyès, qui est euh, le streamer rap euh, du lore, est fan de. Incompréhensible. Ah, Ilias, il est fan de, de, de bah... Dany Eraz. Il est fan <laughs> ah de BigFlo et Oli Oh le bâtard, il nous a confondus. Il est fan. Bah vous êtes tu un me... peu les. les da... Arrête, les, les arrête, Flo arrête. Et arrête, arrête. Oli Tout du ce que stream. tu veux, mais pas ça. Vous êtes un peu les BigFlo et Oli du stream. Et après, qui est BigFlo, qui est Oli Tu préfères être qui Fais un vote. Ah qui est Big Flow qui est Oli Ah non, arrête, arrête, arrête. Les gens, pour vous, qui est Big en enfin, fait, Big c'est lequel C'est lui. Est... Déjà, moi, oui, je ne pas lui. les différencier déjà. À l'écran, lui, c'est Oli, non C'est lui, Oli Mais pourquoi moi, c'est lui Parce qu'il a une casquette, je suis sûr, que ça va être ça, juste qu'il a une casquette. Raz, c'est Oli. Race, ah, Oli. mais non, euh, moi, je dirais, les gens, euh, Raz, c'est Big Flow. Hein. Parce qu'il a un côté un peu plus perturbateur que Oli. Oli, il est un peu plus sage comme euh, Dani. <laughs> et Big Flow, euh, c'est un peu le. Ah, c'est un peu la tête brûlée, le... quoi. Voilà, la tête brûlée du groupe, quoi. Attends, il rappe après, lui ah. Pour être honnête, j'ai beaucoup hésité à faire ce texte. J'avais peur des articles, des phrases sorties du contexte. De nos jours, wow. être artiste, c'est de plus en plus complexe. Mais oh, c'est ce wow, ça, le concept. Il y a toutes ces choses qui me concernent, ces sujets qui me concernent. Mais à la base, je suis là pour faire la promo de mes concerts. Donc je pourrais juste fermer ma gueule et prendre mes sous. Mais l'ancien si jeune rappeur que j'étais serait déçu. Ouais, il y a pas longtemps, un petit s'est fait tuer par un flic et depuis, je vois que c'est le bordel dans la ville. Ouais, ça m'a cassé wow. la journée, ça m'a foutu le spleen. Comment oh. partir en tournée quand ça le pays se Ça m'a cassé la journée. Oh là là, il est vraiment au niveau de. Oh il, de, se... pas oh, Naël, il est mort. Ça a gâché ma promo en fait. Et ça me fait penser à les inconnus là, le sketch. Euh... Ah, j'ai pas pu dormir. Euh... Pensant à la misère, j'ai pas pu dormir jusqu'à 8h du matin quoi. <laughs> c'est vraiment ça. Hein. C'est moi ce qui m'énerve. C'est le côté macroniste, le côté ah ils, ont, ouais. ils ont 25 ans, ils connaissent rien à la vie, ils veulent jouer les sages, on peut plus, ah ah on ouais. peut plus, peut ah plus. Ah ouais. Et les sages modérés là, ils sont très, ils sont très sages parce qu'ils sont très modérés. Merci beaucoup au show pour le raid de deux personnes. Merci Ocho le réacteur. Tu okay. connais Non. Il y a deux joueurs, t'as cru que je connaissais Comment ça se fait que deux lui, joueurs, peut être... toi Waouh wow. oh, Comment c'est méchant bah, Tu connais, connais pas du Moi, je pas. En fait, je te vois pas donc je sais pas ce que tu fais euh, Raz. <laughs> je t'applaudis, <'implodissais>, c'est t'inquiète. <laughs> C'était hyper méchant mais, mais ouais. Bon mais, mais, mais ouais. Non, mais ouais, je rigole. Ouais, ouais vas-y continue, continue, vas-y. C'est la vie frère qui veut ça. Pourquoi je fais du rap parce que je suis un banlieusard <laughs> En parlant trop de rapper, mais je sais pas rapper. Viens regarde Allez banlieusard 2 Regarde la bande-annonce. J'ai pas vu le premier, qui, mois. Pour ceux qui connaissent pas, Banlieues Arts, euh, c'est un film de Kerry James où en gros il y a la rue euh, qui empêche euh, les jeunes de banlieue de lire des livres et de devenir avocat, en gros. Et en ça, gros, le gros, 1, ouais, 1 c'est ça. En gros, dans le 1, tu as la famille, tu as le grand frère qui est un turbo-braqueur, tu as le frère du milieu qui est très malin, très intelligent, il pourrait être avocat. Et t'as le tout petit frère qui fait un peu le bandeur de la rue, du coup ça craint quoi. Et, euh, et toute l'histoire autour de ça. Euh, du et grand... c'est qui qui joue le frère le, avocat Le frère avocat, je euh... sais plus son nom. Et le grand frère de banlieue, le grand frère qui fait du business, c'est Kerry James justement. Ah ouais il, il joue le méchant Oui, il joue le méchant, ouais. Enfin, le méchant. Voilà. Et en gros, t'as toute une histoire avec le, le gamin qui veut devenir avocat, qui est un peu pris entre les histoires de son grand frère, de son petit frère, les histoires du quartier, tu vois et son, son émancipation possible dans l'école de la République. D'accord. Voilà, en gros. Après, c'est un peu caricatural parce que c'est pas ce qu'il dit exactement, Kerry. Il est pas aussi délu que ça. Mais il y a un peu de ça chez lui. Tu vois, il y a un peu un truc ouais, de. Ouais, bien sûr. Tu sais genre là dans le deux, le début du film, il y a le gamin qui tu sais, le jeune, il est encore au est lycée. Ouais, c'est la suite, ouais, c'est ça. Et euh, donc t'as le petit frère qui est encore au lycée, mais qui fait un peu des conneries. Il va dans les émeutes et tout. Mais il a une prof ouais. de français qui vient et qui lui donne à lire Martin Eden. Et en fait, oh Martin Eden, ça alors qu'il fait des vidéos YouTube catastrophiques, c'est bon, faut arrêter avec lui. Voici oh, la... Ouais, oh, j'ai mal. Tu connais, c'était une... une vanne, on est d'accord. De quoi C'était une blague. De quoi Bah, elle est nulle, la vidéo, tu l'as vu? Il s'est fait euh, remballer par un gars, un... un truc inconnu et tout. Euh... Laisse tomber. En plus, il n'ose pas montrer son visage, là, avec son. Ta pépé manga, là. Vaut mieux, vaut mieux, moi j'ai déjà vu sa tête, vaut mieux qu'il la montre pas, je te le dis. Ah ouais <laughs> Bref, ouais. Euh, mais Du coup, putain, tu m'as perturbé. J'ai essayé de résumer le film du Mais tu l'as bien résumé, je pense. Euh, mais du coup, voilà, il veut lire Martin Eden et la meuf fait eh, Martin Eden, il se bat pour les meufs, c'est un peu comme toi, et t'as le gamin qui la regarde en mode Ah d'accord, ok. Et voilà. Et du coup, c'est globalement la vie de Kerry James. T'aimes pas, euh, mais vrai que t'aimes pas les romans, toi Pourquoi je parle de romans avec toi, en fait Bah oui, j'aime pas. Après, Martin Eden, c'est basé, c'est la street un peu Martin Eden. Hein. Ouais, peut-être. Mmh, peut oui, il y a deux sortes de personnes qui font pas long feu. Surtout, regardez le jeu d'acteur exceptionnel. Donc, c'est lui qui est censé lire Martin Eden, mais il fait des bêtises, en fait. Donc, euh, il pourra pas le lire. mais bah, oui. Après, il est en prison, il aura le temps ouais. C'est ça, <laughs> exactement. L'ancien qui sous-estime la rapacité du jeune et le jeune qui sous-estime l'expérience de l'ancien. Wow. T'as compris Non comprends rien quand tu parles. Votre boîte, ah oui et dedans Kerry James il parle que en citation c'est qu'il fait ah ouais que des métaphores bizarres genre ce truc là tu vois genre oui l'ancien sous, 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 sous estime la rapacité du jeune et le jeune sous-estime l'expérience de l'ancien c'est sous-entendu mais... ah vous les jeunes vous avez les dents longues mais attention enfin tu vois genre mais ce que je comprends pas c'est que là et euh, tu m'as pas dit qu'il joint un dealer euh... alors là, là il, il c'est un dealer en gros il était dealer il a fait de la zone euh, accident on lui a tiré dessus du coup, il s'est déradicalisé et il a ouvert oh. une boîte où il fait du, de, du, tu sais, de, des travaux. Il a ouvert une des boîte travaux, de travaux où il fait des isolations. Ouais, c'est ça. Et en gros, la vanne, c'est que lui, c'est le patron de la boîte, mais il paye son pote euh, Gushla Blanc euh, pour faire croire que c'est lui le patron pour les rendez-vous. Oh là là Mais Parce oui, il bien y a sûr. Le racisme un peu. Mais quel, mais quel indigène, s'il est patron d'une boîte, va pas faire croire que c'est lui le patron de la boîte bah pour Alors pouvoir, là, bah le Alors entendu là, si on a bien, bien réussi de moi, faire ça pour les rendez-vous avec les blancs, tu vois. Ouais, ouais, oui, oui c'est un peu histoire. rigolo mais oui oui. Mais oui on comprend rien ça boit tout de vous devez faire un terra c'est incompréhensible je suis d'accord avec toi mais bref et surtout le problème de banlieue zéro 1 et 2 c'est le jeu des acteurs je sais pas si dans le, dans le trailer ils ont il y a des moments où c'est aléatoire de fou tu comprends rien genre sais dans les métiers du bâtiment et nous avons pris connaissance de votre bilan qui est assez impressionnant il nous faudra un terrain le mois prochain on peut le faire de quoi il parle en tera c'est ce que ouais. c'est toi dans le bâtiment en tera un terrain, je pense. Non, un tera. il parle en giga et en Terra, c'est ah, comme les tera. ordinateurs. Ouais, bien Sauf sûr, mais ça, c'est le... un truc de BTP. Je peux pas t'expliquer, c'est trop long. Tu connais pas, ouais, ouais, je vois, ouais, je vois, ouais, 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 ouais. bah oui, si en fait, je vois le truc de BTP, mais c'est trop long, donc mm -hmm. on peut pas expliquer. Je ça. vois très bien de quoi tu parles. Mais en fait. Je t'expliquerai après, t'inquiète. Ouais, après, avec Cassandre, vous allez parler de vos trucs de, de gauchistes et après, on parlera de euh... menuiserie. Je me réveille en pleine nuit et je tombe sur un live inouï. Malgré les déceptions et les dépressions suite à la pression que chacun d'entre nous ressent, malgré la répression et les oppressions, les discriminations. Oui, magnifique. Ah, c'est Dani <laughs> Oui, c'est Dani. Salut, Dani, coup, salut, 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 salut j'espère que ça va. Mais pour doute, t'as un de t as t as patron comme ça Tout à l'heure, tu fais que mal parler de lui. Tu comment courir parce qu'il est en Corée. Ouais. Pourquoi ouais. t'as pas fait une blague avec la chicorée Euh... Non mais c'est nul ça. <laughs> t'as dit c'est carré comme en Corée, tu te fous de ma gueule Non mais après je voulais le conseiller d'aller... Euh... Moi j'ai déjà dit en... dans mon live Dani mais va dans le nord. Bien bien dans le nord. <laughs> c'est le, le meilleur. Wow, wow, là il y, 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 wow. y a un endroit où je suis pro nord et je suis pas du tout pro sud, c'est là-bas. Wow, on a un level de van qui est... Euh, lol, tu vas aller en Corée du Nord ou pas <laughs> Moi, c'est pas une van. Si qu va... Est-ce est que tu veux qu'on fasse une vidéo Sam son voyage en Corée du Nord. Ah, mais moi, j'aimerais trop aller en Corée du on Nord. Te, on te met en photo et tout, là, on, on te fait faire le même voyage que Soral, alors. Ah ouais Il faut euh, que tu sois Ah, Regardez, il se pose les hôpitaux, il y a de la peinture et tout. Tu ah, l'as vu la vidéo Il y a pas d'un coup, il monte un super grand métro Oui. Escalier euh, Anti-atomique et tout Oui, oui. oui. Mais le le moment. Soral, c est, c est les le gens, mais de toute façon, c'est le même trajet pour tout le monde, la Corée du Nord. Oui. Mais le plus drôle, c'est qu'ils trouvent tout. En fait, ce qui est drôle dans la vidéo de Soral en Corée du Nord, c'est qu'ils trouvent tout incroyable, alors que c'est pas si ouf. Et oui, à chaque fois si il long. leur rajoute de fou tu sais, c'est des trucs genre il arrive dans un hôpital et t'as comme dans tous les comme dans tous les hôpitaux tu sais as des animaux moches dessinés au mur un peu en ouais, mode ouais. dessin animé en mode oh, regardez il n'y a plus ça en France il y a des jolis dessins sur les murs oh. des hôpitaux en Corée du Nord tu sais. et oui c'est là aussi réaliste il me semble oui, oui c'est ça l'art super euh, oui, nul mais même quoi, pas mais là c'est même pas ça c'est juste deux lions et une fête c'est c'est vraiment des comme dans les aussi, hôpitaux français, oui, oui, c'est ça. Et hum. puis, normalement, regardez, les femmes sont en tailleur, c'est un peu les. Et en fait, il a toute une thèse que la Corée du Nord, c'est la France des années 50, donc en fait, c'est basé. Oh et la tout, la. Enfin, non, mais après, moi, les gens, si ça m'intéresse, la Corée du Nord, c'est pas du tout par rapport à. Dans la même logique que Sora, c'est que ce pays, c'est un pays de ouf. C'est un pays de ouf, pas dans le sens. C'est dingue ce qui se passe là-bas. D'accord, c'est dingue ce qui se passe là-bas, mais par rapport à l'histoire par rapport, je pense que vous n'êtes pas au courant de, de ce qu'a subi la Corée du Nord par rapport au, au bombardement nord-américain nord ou pas, au bombardement américain et tout. Ça a, été des, des, ça a été un massacre. Et aussi, il faut se rendre compte que pourquoi, pourquoi la Corée du Sud, ça marche et pas la Corée du Nord Ce n'est pas juste communiste. C'est que la Corée... Il y a eu tout le camp occidental qui a tout fait, qui a favorisé de ouf la Corée du Sud pour que la Corée du Sud s'émancipe par rapport à la Corée du Nord. La Corée du Nord, mais c'est et c'est là où tu comprends l'anti-américanisme de la Corée du Nord est mode... en mode. Tu as vrai. choisi ce live pour défendre la Corée du Nord, oui Sam. Ça mais que je choisi. ne défends pas la Corée du Nord. Je dis qu'il faut avoir un regard critique sur la Corée du Nord. Vous aimez pas la Corée du Nord, bah critiquez ceux qui ont mis la Corée du Nord dans cet état. Et c'est d'abord l'impérialisme. Ah attends, euh... genre ouais, mais sauf que je veux dire, go sucer Cuba plutôt. Mais moi je suis pas... Attends, attends, mais moi je suis pas en train de que la Corée du Nord comme je suis récréateur. C'est le plus grand pays du monde. Non, euh, la taille elle est pas ouf. Mais euh, non, mais je veux dire, l'histoire est incroyable. L'histoire est incroyable et, et c'est tout. Quoi. Arrêtez d'être méchant avec la Corée du Nord. Pour... Bon, attends, enfin, si tu veux qu'on parle de la Corée du Nord, il y a plein de trucs à dire. Genre par exemple sur l'arme nucléaire. Moi j'arrive à comprendre pourquoi la Corée du Nord, ils veulent l'arme nucléaire. S'il y a bien une le re... leçon qu'ont retenu, qu retenu les Nord-Coréens à tout l'impérialisme occidental, c'est qu'il y a un truc qui les tient en, 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 en respect les, les, les occidentaux, c'est l'arme nucléaire. Sinon, ils vont faire comme dans tous les pays du monde. L'Irak, tout ça, allez, on bombarde, on bombarde, on bombarde. Voilà. Mais et, ça ne veut pas dire... Ça ne veut pas dire... Ah, je suis trop de heureux, je te laisse dans ta sauce. Ça. <laughs> hey, je suis en train de... Non, mais après, je ne suis pas du tout la dans une sauce. Le Tim Cook... Le Tim Cook... Qui ne veut pas dire que je suis en train de dire que le modèle nord-coréen est incroyable. Mais ce que je veux dire, que pour comprendre la Corée du Nord et la trajectoire de la Corée du Nord, et pour remettre en contexte, il faut voir toute l'histoire de la Corée du Nord. C'est tout. C'est tout. Moi, c'est trop facile de dire c'est des dictateurs. Bien sûr, c'est des dictateurs. Mais comment ça se fait que c'est devenu un régime dictatorial C'est que l'Occident, il a tout fait pour ça. C'est réel. Les gens là-bas, ils sont massacrés par les États-Unis, mais c'est pas pour rien. C'est qu'il y a eu des vrais traumatismes. C'est vrai. Et puis, il y a eu des bails avec les Japonais aussi. Bah oui. Non, mais c'est pour ça. Je veux dire. Et après, maintenant, bah ils jouent avec... Euh... Non, mais après, moi, euh, je pense que pour le moins du monde, je rêverais de vivre en Corée du Nord. Être... C'est horrible ce qu'il y a là-bas. Mais euh, moi, je trouve qu'on est trop... Euh, J'aime pas les, les Occidentaux qui viennent faire la leçon à la Corée du Nord quand c'est les Occidentaux qui ont provoqué cette situation et qui ont tout fait pour que la Corée du Sud... Il faut savoir les aides incroyables que, la, que, que les États-Unis, que le camp occidental ont, ont accordées à la Corée du Sud pour qu'il se développe en opposition à la Corée du Nord. Et qu'ils ont tout fait pour que la Corée du Nord, il soit dans la merde. Tu vois Non, qui, mais oui, qui, non, qui mais, bien, sûr. Non, mais bien sûr. Et après, non, on mais... est là, hein, la Corée du Nord... bah oui, C'est facile de nouvel, se moquer, ça. je suis d'accord avec ouais. toi. Mais le problème, c'est que dans l'imaginaire collectif, c'est trop compliqué à expliquer. Parce qu'il y a bien un pays sur lequel euh, les gens sont globalement euh, matrixés, c'est la Corée du Nord. Tu sais, as vraiment l'image d'un pays, c'est la turbo-dictature ah oui, avec les vides, les peuples affamés, etc. Et je suis d'accord avec toi qu'il y a sûrement de la propagande et que c'est plus compliqué de ça. La mais c'est compliqué les... à expliquer. quoi. Mais justement, et même genre tout le pays tient sur ça, sur tout ce que tu expliques, sur tout le discours anti-impérialiste. Et surtout, ce mmh. que les, les États-Unis ont fait, euh, justement, tu regardes dans la, dans la vidéo de Soral, mais pas que dans les docus qu'il sur la Corée du Nord, tous les monuments qu'ils ont, c'est à la gloire de la lutte contre les États-Unis, contre même les Japonais aussi, je crois. Enfin, c'est. Il euh, y a vraiment des, familles en, des famines en Corée du Nord Mais personne n'a dit voilà. bah bien sûr. Mais bah les bien gens il y a eu des famines gens, en Corée du sûr. Nord Il y a eu des famines euh, à Cuba Il y a eu des famines en URSS C'est pas pour ça que tu fais pas le bilan mesuré du pays Par exemple les gauchistes tu... C'est facile pour vous de dire regardez Cuba euh, ils ont été sous blocus, euh, sous embargo états-unien toute leur vie, euh, au moment où l'URSS, qui était leur principal euh, pourvoyeur de bouffe, a chuté. Évidemment qu'il y a eu une famine historique dans le pays. Vous êtes capable de comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça. Bah, la Corée du Nord, il y a des phénomènes comme ça aussi qui fait qu'il garantit le pouvoir. Et justement, ce qui est intéressant, moi j'ai beaucoup lu à une époque sur la Corée du Nord, et même il y a un truc, un journaliste qui était un peu basé sur le sujet, c'est plus son, qui expliquait que les Occidentaux comprenaient pas la Corée du Nord parce qu'ils y allaient pour voir un peuple. Opprimés qui voulaient oui, se libérer. Ouais. Et que, en fait, ouais. notamment, euh, quand ils vont euh, voir des cérémonies euh, en hommage à Kim Jong-un ou à machin, ils se rendent compte que les gens sont sincèrement admiratifs et sont matrixés de le voir. Mmh. Ça veut dire mmh. qu'ils ont des larmes de joie sincère de le voir et il disait mais ça les journalistes ils n'arrivent pas à analyser ça de, de dire c'est pas pour dire que les gens ils sont heureux ou qu'il n'y a pas de problème dans le pays c'est de comprendre même le tir de matrixage dans lequel ils sont c'est pas l'image d'un peuple qui se tait en voulant se libérer et qui a conscience de l'oppression qu'il subit c'est que c'est tellement structurel là-bas le mode de vie euh, la, la position du pouvoir, le truc, que plus personne se pose la question ouais. et qui sont vraiment en mode euh, notre, euh, notre dirigeant éclairé euh, qui, qui nous protège secte. Mais c'est plus compliqué qu'une secte, les gens, même s'il y a de ça. Mais, mais bien sûr. Plus compliqué. Et, et ça rejoint, euh, et, et là on peut faire le parallèle avec euh, l'Iran, nous, ce qu'on arrête pas de dire, mais si vous voulez vraiment l'émancipation de, de la population nord-coréenne, il faut arrêter, faut arrêter cette politique agressive à l'égard de la Corée du Nord par le boycott économique. Euh, par la stigmatisation et tout. Pourquoi Parce que le pouvoir lui-même joue sur ça pour unifier la population. Ça. Nous, ce qu'on n'arrête pas de dire sur l'Iran, c'est que mais les gros, c'est normal qu'il y ait une partie de la population en Iran qui soutient les réactionnaires, qui joue sur l'anti-occidentalisme pour gagner du pouvoir, parce que, objectivement, le, le, le boycott de l'Occident, il, il y a eu plein de mesures qui font que eh ben, ça, ça, ça rend la population dans la merde. Et la population, comme elle est dans la merde, elle va, elle va se fâcher et elle va euh, rejoindre des réactionnaires qui, qui, qui dénoncent ces pouvoirs-là. C'est pareil pour les, pour les Nord-Coréens. Ouais. Comment voulez-vous euh, dire Et il y a un truc tout simple. Vous dire, et encore une fois, prenez, vous dire, regardez l'histoire regardez l'histoire géopolitique de ces 50 dernières années. Comment voulez-vous pas que les Nord-Coréens, le pouvoir nord-coréen, joue sur toutes les interventions euh, états-uniennes partout dans le monde, la destruction de plein de populations Et euh, pas seulement euh, là euh, les États-Unis, euh, parlons de la France. Regardez la Libye. Regardez la Libye. Et qui, et qui prennent ces exemples-là pour dire, vous avez vu, il faut qu'on se défende, il faut qu'on soit unis, il faut qu'on fasse, qu euh, fasse la purge des ennemis de l'intérieur parce qu'après, on va finir comme la Libye. C'est tout. C'est tout. Bah ouais. Voilà. Et ce qui est vrai, c'est que la Libye, par exemple, moi, je me rappelle qu'à l'époque, la gauche, pour être contre l'intervention libyenne en Libye, il euh, y avait des gens à gauche qui étaient censés être solides sur les questions d'anti-impérialisme, etc., qui, arrivaient, qui se disaient ah, quand même... Euh, Kadhafi, c'est chaud, quoi. Genre, quand même, Kadhafi, quoi. Bah oui. euh, genre, il comprenait bah oui. pas que c'était déstabiliser le pays et que ça allait forcément mal finir. Même, c'est tu sais, d'un point de vue ouais. cynique. Genre, tu sais, même d'un point de vue occidental, centré, cynique, civilisateur, au final, c'est un con de son -camp même, d'avoir fait ça. Mmh, mmh. Genre, euh, genre, genre, moi, je trouve que c'est même des mauvais impérialistes, entre guillemets, tu vois. Parce qu'au final, genre, ça, ça, ça rend le truc encore plus ingérable, quoi. Alors, bon. Il ne devrait pas y avoir besoin de ça pour être convaincu de ne pas y aller, mais à la gauche à l'époque, ils... alors que c'était Sarko qui y allait. Ouais, Et ils étaient euh... gênés de condamner ça, quoi. Parce que eux, façon, ils avaient l'impression été... de défendre Kadhafi, quoi. Hum. De toute façon, ça n'a jamais été une solution. Hein. Toutes ouais, les ouais. interventions militaires pour, euh, soi-disant, sauver la population, euh, ça s'est toujours soldé par un échec. Toujours, toujours. Ah, oui. Et ce qui n'empêche pas, je le répète encore une fois, que le régime nord-coréen, les gens, nous. On... Moi, je rigole un peu dessus, mais c'est évident. C'est évident que c'est euh, à l'opposé de mes idées. Et voilà, ça me fait bander là, de vivre en Corée du Nord, bien sûr que non. Mais euh, faut toujours regarder ça du point de vue qui est le nôtre de, de, de ce ouais, T'inquiète, Dany, dans... on parle, de, on parle ça... des communistes, là, on ne parle pas de la Corée du Sud, t'inquiète. Go... Bah, oui, vous allez tout dire. Vous <laughs> allez parler de la Corée du Nord. La Corée du Nord. <laughs> en plus, moi, je rien à dire sur la Corée du Sud, ça m'intéresse pas. Bah, si, puis... justement, moi, je pense que ce qui est intéressant, c'est ah, avec Daniel, ouais. on va pouvoir parler de l'empreinte américaine ouais. sur la Corée du Sud. Et je pense que ça se voit de fou justement dans le pays. Que l'opposition entre la Corée du Nord turbo détachée de ça et la Corée du Sud turbo euh, américanisée. Tu vois. Mais on en reparlera avec Dan. Mais bref, ouais. Et aussi par intérêt, tu vois. Je, je suis en mode, je comprends que les Sud-Coréens, par choix stratégique, ont choisi de rejoindre le cours occidental qui leur permettait euh, bah, 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 euh, le succès qu'ils connaissent maintenant. Genre. Ah oui, c'est ça. ça. Ouais, Mais vas-y, euh, Kerry James. Bon, en tout cas, euh, on mate l'interview bah, Après, en vrai, il reste 15 minutes avant que il arrive, hein, donc bon... Euh, on, on peut regarder un peu l'interview quand même. Au <laughs> final, on a parlé de plein de trucs, on s'en est battu les couilles. Typical. Hein. typical ouais. hein. Et la prochaine fois, on parlera des mangas. Voilà, on fera un peu, ouais, parce qu'on euh, on parlera. Euh, on va me convaincre de, de, de regarder des mangas, les gens. 15 exactement. minutes, hein. Euh... C'est vrai, 15, voilà, 15 minutes cent... de... bah, dis, Non, mais dis pour de vrai. Dis pour de, dis 15 pour 15 de vrai, cent... de vrai ça, Arrête ça... de mentir, en fait. Là, euh, mentir, là où on, fait. Dit, on est en train de travailler, en fait. Oui, voilà, exactement. Il y a cru, on rigolait, en fait. Il n'y a pas de lol. Mais tu sais que oui, Wissam, à cause de toi, dès que j'entends quelqu'un dire en fait. J'ai la voix dans la tête maintenant. Pour moi, c'est en fait, en fait, voilà quoi. Bah oui. oui, en fait. Et genre, ça, bah ça m'a rendu fou. Je ne peux plus réfléchir sans cette voix maintenant. <laughs> c'est insupportable. À qui ça fait Mais ça Mais les fait gens pour ça, le, en fait. La même. Ah. Les gens, c'est une dinguerie. Qui s'est mis à parler comme ça en fait Qui s'est mis à dire <laughs> des trucs comme ça en fait Dites les gens. Soyez sincères. Qui s'est mis à parler comme ça Et moi, bah, j'aurais une question. Moi. Tu peux poser ah, une autre question une à côté Vas-y, vas-y. Qui s'est mis à parler comme Taokan ah, bon. oh mais... C'est très méchant, en fait. En fait, après, il va plus nous aimer. Personne, ai envie de dire personne. C'était quelqu'un connu qui était gentil avec nous, en fait. Et maintenant... Euh... Je, rigole, peu, je rigole, je rigole. Eh, Taokan, je rigole, hein. En vrai, je rigole. Hein. Je joue le troll. Me... C'est Taokan ah, Bah non, je rigole pas, alors. <laughs> je je dis Taokan à cause de toi. Ah, mais c'est Taokan D'accord. Non, mais je rigole, Taokan. C'est très, très bien. Euh, il fait un travail de malade. En vite. En Bon, je crois qu'on a le temps, Cassandre, il n'arrive pas tout de suite. On a le temps de regarder allez, un go. peu l'interview. Allez, vas-y. Tes nouveaux plateaux de est Parce que, toi. attends, du coup, on est d'accord que toi, t'es fan de Kerry James. Euh, moi, j'ai... Alors, je suis pas... Il énormément... a bégayé. Non, mais parce que... Je suis pas énormément fan de Kerry James, moi, j'ai pas trop trop... J'étais pas à fond Kerry James, mais j'ai beaucoup écouté quand même. Quand j'ai réfléchi, j'ai beaucoup écouté, mais j'ai écouté ses classiques, euh... tu vois. Et il euh, y avait aussi l'époque de comment ça s'appelle, euh, là où il était homophobe. idéalgie Idéalgi. Mais était euh, pour moi, les gens, euh, euh, c'est là où ça m'intriguait, je vois tout le monde se moquer de Kerry James euh, sur Twitter. Moi, je fais partie d'une époque où personne ne se moquait de Kerry James, en fait. Me dire, Kerry James, c'était le sage du rap. Genre, c'était la figure respectée de tout le monde. Euh, on ne se moque pas de Kerry James, c'est le papa. Et là, je vois les gens se moquer de Kerry James en mode, euh, en fait, il y a plus de respect, en fait. En fait les jeunes ça, il est devenu un peu vieux et vous avez décidé de le descendre. Donc on va on va parler de ça, on va parler des jeunes qui ne respectent plus les figures de euh, comme lui. Comme Oxmo, par contre, j'étais ultra fan de Oxmo Puccino. C'était mon dire, rappeur alors. préféré. Hein? Ça veut dire que tu n'étais pas fan de Kerry James qui était le mec quand même sérieux du rap français. À l'époque, tu étais fan de Oxmo Puccino, le gars un peu rigolo, c'est-à-dire que c'était pas MC Solar mais presque quoi. Qui, Oxmo Puccino Ouais. Au bah, son Puccino, moi ce que j'aimais pas chez Kerry James, c'était son côté CPE. Moi, il y a un moment donné, ça me saoulait. Tu le grand sage et tout, là, qui donne des leçons. Je suis en mode, c'est bon, comme toi frérot. On a compris. Mais en plus, il y a un côté. Euh... En fait, tu as des gens, ils sont sages en, en étant sages. Moi, ce qui m'énervait chez lui, même depuis petit, c'est qu'il le dit. Tu vois, c'est genre, euh, je suis un sage. Et c'était arrête, un sage, il dit pas qu'il est sage, arrête, euh, sois sage et puis c'est tout. Alors qu'Oxmo, il, il s'en fout, il faisait juste de la musique, euh, voilà quoi. Après, comparé à comparé Oxmo, c'est pas non plus. c'est ça, ça a été un peu après Oxmo. Mais euh, bon. Après, Kerry bon. James, c'est quand même. Dans l'histoire du rap français, c'est indéniable que c'est un mec important, quoi. Euh, mais après, il moi j'ai l'impression qu'il a toujours eu cette image-là, euh, même par rapport à Roth par rapport au reste ah bah de la Mafia Cafri, par rapport à 113, etc. Ça a toujours été le gars un peu donneur de leçons, machin. Euh. Mais il Mais y a eu un changement quand même. Idéalgi, ça a été tellement important que ouais. pendant un moment, c'était dur de se moquer de lui, tu vois. Mais quand tu revois l'histoire, moi j'avais fait une vidéo avec, euh, comment il s'appelle, euh, dans euh, c'est l'un des moins connus de la Mafia Cafri. Euh, je sais plus son nom. J'avais fait une vidéo avec lui, je le retrouverai après. Ah, le mec du PC, je pense. Euh, comment il s'appelle Le mec du PC Oui, il est militant au PC, je pense. Euh... Non, 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 pas Manuquet. Manuquet, si, si, Manuquet. Si, c'est Manuquet, bah c'est pas avec lui Manuqué. alors. Parce qu qu'il y en a un autre qui est au parti communiste de la mafia Cafri. Ah bon Ouais. Qui euh... J'ai oublié son nom. T'es sûr qu'il y en a un qui est au parti communiste Je te jure que oui. Carlito Non, mais non. Dra, il n'est pas au parti communiste. Non, 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 non. Mokobe Non. Mok Mokobé. Mokobé, il est au PCF. Ouais, il était au PCF, Mokobé Je te jure, c'est vrai. Ah bon. Il a même été élu PCF, je crois, dans une mairie. Ah bon Je te jure, c'est vrai. PCF un ouais. Attendez, c'est PCF ou ouais, un autre Attendez. Vous Moi, allez dans le chat ils vont, ça... nous, ils vont nous, ils vont nous, ils vont nous redire. Vous nous redirez-vous au PCF. Moi, je le seul que que Il était pu militant. Voir élu. Il est peut-être pas au PCF, mais il a milité dans des orgas de gauche. Je vous, vous jure c'est bah, vrai Parce que, que moi vrai. le plus politisé du, 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 De la de, de Pour moi c'était euh, Demon One Ah ouais Ah oui Le plus oui, politisé tu... Ouais bah, Après Il avait fait une vidéo d'ailleurs euh, Président et tout Mais il avait les textes Du, du, du pseudo rappeur conscient Mais c'était Gaze. C'était Demon One Qui s'était présenté Ça se trouve je confonds avec euh... Demon One Il avait fait une fausse vidéo De présentation De Président de la République Votez pour moi Ça s'appelle Je la connaissais la musique Votez pour moi Elle est dégueulasse Elle pue la merde Eh et ben il s'est fait refaire les dents Desmond Wayne les gens Vous n'êtes pas à l'actu hein. Desmond il s'est fait refaire les dents. Mais j'aime beaucoup Desmond Wayne, j'ai une compassion j'ai une empathie pour Desmond Wayne, ça fait pas Pour moi ça fait partie déjà, il a la tête du grand frère. Genre la tête du grand frère du quartier que tu dois respecter et voilà, il fait partie de l'histoire du rap. Malgré tout, il a un flou un peu particulier. Il y a certaines musiques elles sont pas mal mais Ah ouais. Elle est pas incroyable, beaucoup mieux avec la chape URSS. <laughs> mais mais ça, il doit avoir des bails sombres. Ils vont avoir des <laughs> bails sombres. Oui, oui, comme je, ça. Pense aussi. je pense aussi. Ouais, ouais. Mais ça, c'est Ivry, Vitry. Ivry, Vitry, Kremlin ouais, ouais. et tout. Genre, euh, les maires PCF, ils ont toujours été un peu reliés aux gars comme ça. Mais il y a un peu de clientélisme ouais. là-dedans aussi. Genre, euh, voilà. Mais ouais. Mais là, je pense que ça doit être parce qu'en plus, oui, ça s'est arrangé euh... parce que lui aussi, je crois qu'il a, il avait des bails de business, associations. Oui, je pense qu'il a, du... mais force il à lui... avoir des accords de resto ou trucs comme ça. Il a eu raison, force à lui. Hein. Ah bien sûr, non, non, mais je suis pas hein. en mode euh... tant qu'à faire. En plus, c'est les communistes. Y a... Ah ouais, si y y y a... a mieux, bah, s'il a plus gratté, franchement, force à lui. Mais mais après, ouais, genre et puis c'était surtout en fait aussi, euh, faut comprendre que le rap français, le un peu le berceau du rap français, c'est le 94. Et justement, Kerry James, lui, il rappait, Je fais mon, mon miloose du rap. Euh, Kerry James, justement, lui, il a rappé. Il avait 12 ans, 13 ans. Il commençait à rapper hyper jeune dans des groupes ouais. euh, du 94. Et c'était l'un des seuls endroits où. Mais ça, je te parle, c'est dans les années 80, vraiment. Ouais, ben, euh, sûr. Tu forces un peu. Non, mais bon, euh, allez voir l'interview que j'ai fait avec euh, Manuquet, c'est vrai, il en parlait. Mais Justement, ah. je te dis qu'il y a eu un changement voilà. parce qu'il avait, avait un rap un peu hardcore à l'époque. Et euh, je sais qu'il y a eu un, la mort qui, qui l'avait beaucoup touché, la mort d'un ami ou d'un truc comme ça. Et, il et donc à l'époque, il s'appelait Kerry James. Et il s'est converti. Il je sais pas s'il si s'est converti ou s'est mis à fond dans l'islam. Et ça l'a changé. Et même les gens ont vu que ça l'avait changé. Et que là, il a eu sa, son truc un peu plus de sage, tu vois. Mm -hmm. L'as. Ouais, l'as voilà. Genre, quand même, c'est intéressant d'avoir ce profil-là. Même Le discours, moi je trouve que Kerry James, tu vois, là où je le trouve des fois un peu moralisateur, c'est quand il fait le truc de arrêter d'être dans le business, le ouais. côté euh, soyez des entrepreneurs. Mais quand il parle de spiritualité, c'est sympa un peu quand même. Après, euh, veut dire quand il faisait et oui, DJ Meddy, c'est plus tard, les gens. 4 euh, oui, murs, 4 planches, comment ça s'appelle ça C'est quand même un classique, tu vois, mais c'est son côté moralisateur, oui, oui. arrêter le business. Mais ouais. oui, je suis d'accord, je suis d'accord. Et parce que tu en as d'autres qui étaient comme ça, par exemple, je sais pas si toi tu vois la rumeur un peu genre l'album euh, bah tu vois la je suis rumeur pas moi, fan je de te... la rumeur mais ouais ah pour moi c'est un peu les anti carry James dans le sens où ils sont arrivés l'ombre sur la mesure euh, le coffre fort euh, ne précédera mmh. pas le corbillard là genre mmh. euh, justement eux <coughs> ils étaient dans un truc de prévenir sur l'illusion euh, du business etc mais en étant jamais dans la morale justement ouais mais c'est pas les plus moi j'ai l'impression que c'est les plus gauchistes ah oui par contre, oui. Parce que mine de rien, ça, est vrai, euh, ça, est ouais, il n'est ouais, pas vrai. vraiment gauchiste dans le sens euh, politisé de gauche, euh, Kerry James. Euh, c'est vrai. Le sage indigène, quoi. Il se dit, tu vois. Euh, c'est vrai. La sagesse un peu profane comme ça, d'un coup. Ouais, ouais. Il ouais. bah, bah, y a un des mecs de La Rumeur, je ne sais plus si c'est Kwe ou l'autre, qui a fait et science. Ils ne nous ont jamais aimés. Genre, euh, voilà. La Rumeur Ouais, ils nous ont jamais aimés. Ah ouais, pourquoi ouais, Ça, ouais, c'est leur côté gauchistes. universaliste libé, ça. Oui, oui. Lui, il sortait avec une journaliste et tout, machin. Ouais, ça ne m'étonne pas qu'ils ne vous aient pas. Ouais est ce qui est dommage, parce qu'en vrai de vrai, euh, leur discours, euh, ils étaient plus proches de vous euh, que... Ouais, que mais toi, à l'époque, euh, c'était en plus... À l'époque, vous vous rendez pas compte, les gens, mais le début, les années 2000, on parlait pas de race. On parlait pas de blanc, c'est quoi ça, de parler de blanc Ça m'étonne pas. Eh, la Scred connexion je sais pas si je peux le dire, mais il y a un rappeur, il m'écoute. De la ah, Scred. Je t'avais envoyé le mail. c'est lequel c'est, les gens, c'est incroyable. Bah, moi, je peux te le dire, moi, je me rappelle très bien. c'était qui Tu veux que je le dise Ouais, vas-y. C'est mocles. C'est Moclès, oui, c'est Moclès gens, En fait, j'avais envoyé un mail à Moclès, je voulais l'inviter et Les tout. C'est pas une et, dinguerie, ça Et il m'a répondu, euh, tu me connais pas, mais moi, je te connais. Je, je regarde un peu ce que vous faites avec Parle d'honneur, c'est très, très bien et tout. Et après, j'ai voulu lui répondre, lui répondre, lui dire merci beaucoup, euh, ça fait trop plaisir, mais sa boîte mail est pleine <laughs> Sa boîte mail est pleine, <rire> je <rire> peux plus lui répondre. Donc Moclès, si quelqu'un connaît que, que Moclès... Euh, ah, bah oui, dans mon chat Dans le Moclès. chat de Dani Eras, ouais, il y a sûrement les potes de Moclès, ouais, bien sûr. Ouais. Non, mais oui, oui, ou alors oui, des bah gens oui. qui connaissent. Si vous êtes encore dans le 18ème euh, avec ouais, Moclès, ouais, là Bref, envoyez un mail à Moclès. <laughs> euh, Dites-lui, Moclès, ça fait trop plaisir. Merci beaucoup. Euh, J'espère que tu continues à suivre le travail de parole d'honneur. Euh, bon, là, je suis pas chez eux, là, je suis... Je des... t'expliquerai plus tard. Euh, euh, bref, euh, contacte-moi, envoie-moi un mail si tu veux qu'on ah, refasse pour te réinviter et tout. J'ai rien à voilà. dire, vas-y, bref. T'allais dire quoi Non, des trucs que je peux pas dire, je peux pas faire de blagues dessus, donc j'ai rien à dire. C'était quoi En tout cas, t'aimes bien euh, embrouiller -moi les rappeurs. Dis-moi sur Discord, c'était quoi voilà. Ça m'intrigue, Moi, je suis un parano. Ouais, t'aimes bien embrouiller les rappeurs, t'inquiète. Ouais, Embrouillé. Ah, oui ah oui, ah oui. <laughs> Allez, on continue. Euh, Kelly James, du coup. Ah ouais, on va y arriver, <laughs> on va y arriver. Non, mais important quand même dans l'histoire de la musique et surtout. Ça a été un mec qui a réussi à faire de la politique et à être respecté. Ça veut dire qu'à l'époque, il ne se faisait pas enfermer dans le truc de rappeur conscient. Tu sais, parce qu'aujourd'hui, les rappeurs qui font chier avec la politique, tout le monde les méprise un peu. Ah bah attends, est-ce que je peux t'envoyer un truc <laughs> Vas-y, vas-y, euh, vas-y. Sur Kerry James. Attends, je vais t'envoyer le lien. Vas-y, commence le truc si tu veux. Non, non, vas-y, vas-y, va envoie le lien, ah, j'attends. Parce que, que je pense le que les lien. gens ne sont pas au courant. Euh... Mais... Euh... Alors... Je t'envoie sur Discord Ouais, vas-y, envoie-moi par MP. Ouais. Ouais, sur Discord, sur M... Je t'envoie sur Zawa. Ouais, vas-y, ouais, où tu veux. Alors... Tiens, je vais l'ouvrir. Vas-y, tu peux l'ouvrir pour tout le monde. Je pense que les gens sont pas au courant. ouais je... je savais pas. J'ai juré que je savais pas. Bah oui. Oh là 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 <laughs> Parole d'honneur, Kerry James, pourquoi il a décidé d'agir bah, incroyable Mais euh, c'était le parrain Mais non ouais, C'était ouais. le parrain de parole d'honneur euh... Mais moi je savais pas, je savais pas du tout. Depuis quelques années, j'ai une critique acerbe des médias. Et ouais, les gens. Et euh, plutôt que d'être euh, dans la réaction uniquement, euh, j'ai voulu être dans l'action en faisant ce site d'information qui s'appelle lebonlieuzard.fr. Après, c'est pas, ouais, pas intéressant. Euh, Là, répondre à, à un manque pour moi de la façon dont on parle des, des banlieues arts en, en, en général ou les sujets qui nous, nous intéressent et qui nous touchent. Donc, quand on a parlé de cette émission, bah, il se trouve que j'ai trouvé déjà euh, intéressant qu'au même moment, d'autres personnes se disent euh, il faut faire une émission, il faut avoir, il faut porter cette, euh, cette, euh, peu, cette hein. parole. Et euh, bizarre, si, je je trouve il faut qu'on soit capable. Quel est quoi elle est super prête de lui. Elle est comme ça en mode. Hein. Bah, ouais. tu sais que ça, ça s'appelle une position d'écoute active, Wissam. Tu connais pas ça, toi, l'écoute active. Non. Ça veut dire que tu montres à la personne que t'es engagé dans ce qu'il est en train de te dire. C'est à peu près ah. l'inverse de toi avec tout le monde tout le temps, quoi. ou Toi, t'es dans l'inécoute ouais. active, toi. Bah, moi, je suis active. Ouais. Ouais, mais oui, non, mais pas attendez, passif, les gens, toi, on ça. les gens, quand il y a Kerry James qui fait un truc comme ça. Tu, tu décroches pas, toi, Raz. Moi, j'ai du mal à, à me concentrer. Rien ce qu'il a dit Ouais, <laughs> c voilà. Il en, y y en plus il y avait les sous-titres. Il y avait ouais, ouais. les sous-titres en plus. Voilà, en euh, tout cas, oui, donc pour par qu'on qu soit cap euh, capable ah. pour lesquels on repousse. Bon bah félicitations. Mais bon, il était parrain, mais ça a duré quoi, un mois. Après, je pense qu'on était trop effrayant. Il a arrêté nous. Ah ouais Après, c'est s'est Ouais, 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 ouais. Bon, il a juste prêté son image. Après, il voulait plus répondre. Je pense que. Voilà, voilà C'était avant le comité Adama, avant tout ça. Là, c'était euh, ça s'appelait La Colonie, le bar. Je ne sais pas si vous connaissez La Colonie. C'était La Colonie Bar, et, et donc on faisait nos émissions dans La Colonie. C'était un bar extraordinaire, euh, à Gare du Nord, incroyable. Et euh, voilà, c'était trop bien. <laughs> ah, je suis mort. Et qui vous a pas cancel, en fait C'est une dinguerie. Mais Tout le monde nous a cancel, tout le monde. Même des gens pas connus nous ont cancel. c'est vous Même des gens dont tout le monde se fout ont bien montré qu'ils vous avaient quand même si tout le monde s'en fout quoi. Tu sais que tu peux retrouver des images de Keri, de alors il y a une époque ils ont été proches de Médine, il y a une époque ils ont été aussi proches de Kenyarkana Tu une image de Kenyarkana avec un, un bandeau du pire. <laughs> Et euh, je pense que euh, voilà quoi. Tu sais ça c'était ah, un euh... une catastrophe. Ouais, wow, à l'époque, c'était il y a 10 ans, quoi. Ouais, aujourd'hui, elle a pété un pont, Kenny Arcana, ah, je sais pas si ça vu. Ah mais ça fait un petit moment qu'elle elle est, est venue en mode euh... full anti-vax bizarre. Ouais, euh... mais elle, est consp... elle a toujours été conspire. Moi, je me rappelle, elle faisait des chansons sur 2012, elle y croyait. <laughs> elle était sur les légendes AK et tout, elle était à fond. Euh, genre, ça y est, euh, 2012, euh, salam alaikum tout le monde. Ouais, c'est ouais, fini, ouais, quoi, ouais. on est baisé quoi. Ah ouais. Et vous, vous avez ramené ça au pire, après, tu m'étonnes. Mais non, c'est elle qui s'était pris en photo avec un truc du pire. A l'époque, on n'avait pas assez de médias euh, là. Ça date de quand En 2017, bah, c'est le début. C'est la première émission de Parole d'Honneur, ça 2017. Donc ça a 6 ans là. Ah ouais. J'étais pas encore, j'étais pas encore. Ah quoi, ouais, voilà. toi, c'est pas ta faute, du coup, ça va. Ouais, ouais. Ouais, ouais. t'as rien fait. Non. Vous êtes cancel par Medine, bah ouais les gens, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise Non, on n'est pas cancel par Medine, tu peux pas dire ça, arrête. <laughs> Jusqu'à <laughs> preuve du contraire. Jusqu'à preuve du contraire. <laughs> ah, <Médine>. Non, mais... <laughs> <laughs> stop 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 stop. Euh... Non mais bon voilà quoi. Non mais après la vérité les gens moi je pense que ça, là ça commence à changer en vérité et que je pense oui, oui, que vous pouvez euh, vous pouvez espérer avoir ça et je pense qu'en fait c'est plutôt les gens qui vous connaissent de l'époque et qui connaissent euh, ceux qui vous aiment pas qui veulent pas vous parler de tu sais. Oui, bien Genre sûr. Non non mais nous on euh... les couilles quoi, c'est ça que je veux dire quoi. Et puis en fait, le problème, c'est qu'à l'époque, vu que tout le monde nous boycottait, vu que c'était difficile, on était obligé de compter sur euh, des gens connus pour se faire connaître. Maintenant, le, le, le point positif qu'on a actuellement, et notamment grâce à vous, bref, euh, c'est qu'on peut faire nos trucs de notre côté sans forcément de gros invités. On aura quand même un petit un public, tu vois. Ouais. ouais. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, mais bon, après, voilà quoi. Mais après, moi, je suis désolé, Kerry James. C'est quand même une déception qu'il ait aussi mal vieilli. Parce que moi, bah, je suis d'accord qu'il faut lui rendre un peu honneur, etc. Et euh, bien sûr qu'il est un peu ridicule quand il fait ses slams bizarres et que ses films sont éclatés. Mais euh, à une époque, il était, était, genre, on n'a plus de figure comme lui dans le rap. C'est ouais. la figure un peu... Bah, James, on a est, vu Chloé Oli. Bah mais en vérité, c'est presque dans les gens les plus connus, c'est ceux qui prennent le plus position sur des trucs. c'est ouais, t'enlève ouais. Médine de l'équation et surtout Medine, il a pas la stature qu'a euh, Kerry James. Que l'intérêt de ouais. Kerry James à l'époque, c'est qu'il était considéré comme euh, un ancien un rappeur hyper important, un rappeur qui était cité par des gens qui n'étaient pas politisés. Et en même temps, il était ouais. c'était une parole politique qui était considérée. Tu vois. Après, ça. Mais il était écoutée. Bah c'est ça. Alors qu'aujourd'hui, quel rappeur pourrait se prévaloir de cette position qu'avait Kerry à l'époque, tu vois il eh, euh, y a, y a beaucoup rappeler. de gens qui me parlent de Kazé, les gens, mais Kazé, ça fait partie de, de, de ça, ça fait partie des gens que... C'est les gauchistes qui écoutent Kazé, je suis désolé. Moi, il y, y, y a beaucoup de respect pour Kazé, mais personne, à part les gauchistes, connaît Kazé, les gens. Réveillez-vous. Il arrêtez de... Quand on parle Après... d'un rappeur à inviter, vous nous dites Kazé, d'accord, ok, mais voilà. Après, c'est pareil, Kazé à une époque c'était pas le cas Wissam. ouais elle était plus connue à une époque à une époque elle était écoutée par les bah fans elle a pas de eu pera. un gros succès non plus de elle a pas eu un gros succès mais elle était écoutée par les fans de pera underground les gens qui écoutaient ouais. justement même genre les trucs genre Cherio et tout tu vois genre ouais. euh, tous ces, tous ces gens là où c'est vraiment c'est pas les gauchistes qui écoutent ou tu vois c'est les, les fans justement c'est plus les gens en mode St straight connection mais à l'époque tu vois avant euh, le moment où, euh, où globalement les babs tous sont mis à écouter ça lol mais, euh, mais après, pff, après, là où je suis d'accord aujourd'hui, c'est que ça s'est fait récupérer euh, par mes. Après, Kazé, s'il savait qu'elle euh, fait de la musique avec euh, le groupe Noir de Noir Désir, euh, je pense qu'il la recancelerait du coup. Donc bon. Ah ouais, elle fait de, de la musique avec ouais, cool. ouais, elle a un groupe avec eux, ouais. Elle a un groupe, euh, ah ouais. ça s'appelle Zone Libre, je crois, un truc comme ça. Ah ouais Et En fait, c'est tout le là, groupe actuellement... de Noir Désir sans Bertrand Cantat ouais. ouais. Ah, les, ils ont remplacé Bertrand Cantat par Kazé Ouais, c'est ça. <laughs> en <'est> gros, euh... <laughs> ouais, ils se sont rattrapés, on va dire. Ouais, c'est ça. C'est fini, après c'est peut-être fini euh, la zone libre, mais après il y a des morceaux pas mal. Hein. Genre euh... Kana Kazé, toutes ces générations ils étaient trop politisés, ils se sont fait niquer par l'industrie. Après Kana, je sais pas, mais Kazé, l'a jamais voulu se mélanger. C'est aussi ça, Kerry James, là où il s'est fait baiser, c'est que lui il voulait pas rester dans la posture justement un peu de Kazé, de ce truc fou l'indé, de jamais se mélanger. C'est aussi ce qui lui a fait faire des erreurs, c'est-à-dire aller soutenir ses Golden royals par exemple. Ouais. Des trucs comme ça. Après 2007, c'était l'époque. Hein. 2007, ah ouais. t'étais de gauche, tu soutenais Ségolène Royal. Faut ah c'était oui, ça les gens ça. à l'époque. T'étais de gauche. Moi, je me rappelle que les gens. Regarde, ceux qui soutiennent maintenant Mélenchon, comme euh, celui qui faisait Caméra Café, là, comment il s'appelle euh... Bref. Ah oui, il vend le Bollock. Il vend le Bollock. Ça soutenait euh, Ségolène Royal parce qu'il ouais. y avait pas d'autres truc. Hein. Et maintenant, il soutient Et... Mélenchon, lui. Ouais. Il est tout le temps et avec ouais. et tout. Ouais. Et, ouais. et Arcana, moi je suis pas d'accord, les gens, que c'est l'industrie qui l'a détruite. Déjà, arrêtez de croire que Kina Arcana, euh, quand bien même, elle a des textes engagés, elle était grave dans l'industrie. Et ce qui l'a tué, c'est que c'est devenu pas ouf. Ouais. C'est tout. Hein. Mais des gens... Ça, c'est ce que disait Dani. Le problème des Kenny Arcana, mais même casé dans une certaine mesure, euh, Kerry, etc., c'est qu'ils n'ont pas évolué au niveau de leur musique. Mais oui, quand voilà. qu ils ont évolué, c'est un peu éclaté. Kerry James, il essaye aujourd'hui. Là, il a bah, fait rough. un morceau sur une prod à la Joule. Il a essayé de faire de la trappe. Et tu sais, ça marche pas très bien. Et c'est bah, un le... truc à Medin qu'on peut lui reconnaître. C'est que lui, au niveau musical, il a réussi à plus évoluer que les autres. Ah, bien sûr, il y en a un autre. Il y a un exemple. Alors, il y a beaucoup qui de Bouba. Mais moi, je trouve qu'il y a un exemple que beaucoup oublient. C'est Rimka. Hein. Ah, Rimka, mais lui, c'est. mine de rien, il fait son truc. Euh, il a évolué. Il est toujours là. Le tonton, il est toujours là. Hein. Et... et il a toujours le statut de tonton. Hein. De fou. Et surtout. De tous ces gens-là, parce que même des médines ou des gens qui ont réussi à faire des morceaux un peu actuels sympas, mais un qui a des tubes de fou, c'est Rimka. Il a fait un fit ouais. avec Nino et Air Max, là. C'est un ouais. tube de fou euh, qui a turbo marché. Et surtout, euh, Rimka, aujourd'hui, il pose avec des gens. Euh, du rap qui sont encore l'underground du rap français aujourd'hui, qui sont des gens que personne connaît, etc. Comme il pose avec Nino, euh, il fait des morceaux sur des prods un peu hyper modernes et tout machin. Euh... Ouais, c'est très... que... Je trouve qu'il est sous côté euh, Rimka. Ouais, sous côté de fou. Ouais. Sous côté. Il est trop fort. Rimka, c'est le tonton, c'est le meilleur. Dici, a super bien évolué. Ouais, 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 ouais. Mais après Rimka, les gens euh... après Dici, je trouve que c'est un public un peu. Bobo du rap, je dirais. Ouais. Encore, euh, Rimka, euh, le talent, c'est qu'il est qu a encore écouté par les, les quartiers et tout, hein, c'est ça le fou. C'est qu'il fait vrai. des succès de malade. Hein. C'est vrai. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. C'est 22h, on n'a pas regardé une minute de l'interview. C'est pas grave, on laisse tomber l'interview, tant pis, c'est bon. Ouais. On discute mère euh, le RR. On parle, on parle du rap français et de la politisation. Mais même, toi, est-ce que tu y crois avec le truc de se politiser par le rap français crois à ce truc là toi parce que tu sais les gens qui disent ouais moi c'est Medine qui m'a rendu de gauche moi c'est Caris qui m'a rendu de gauche caris je sais pas qui m'a rendu de gauche etc. politisé je sais pas je sais pas euh, c'est pas eux qui m'ont donné les bails politiques mais après il euh, y a des chansons euh, genre moi il y a des musiques de Ayam et tout la fin de leur monde euh, ou ouais. euh, Demain ».« la fin de leur monde moi le clip il m'avait matrixé ouais, ouais. et c'est pas genre qui m'a ouais. politisé mais c'est ce qui m'avait donné euh, la motivation de me... Tu sais, je me disais, mais quand t'es petit, à 10 ans, t'écoutes ça, et j'étais en mode, ah, je vais faire des études, et je vais devenir politicien, et je vais ah. changer les choses, parce que c'est pas normal ce qui se passe. Et toi, je regardais la vidéo, et parfois, je vous jure, les gens, euh, quand j'étais <coughs> au collège et tout, que j'avais pas la motivation, je regardais la vidéo, ils me disaient, non, non, il faut que je fasse des études pour changer les choses. Tu vois Donc, Donc on ça, est d'accord. Euh, je sais pas que... si tu peux dire ça politisé. Mais moi, je suis d'accord avec toi. C'est que moi, je trouve le rap, souvent, ça a plus un rapport individuel. Euh, de déter et après ça dépend ce que toi t'en fais tu vois ouais, parce voilà. qu'il y a des gens qui vont te dire avoir écouté Booba ça m'a déter à faire un business et ils sont pas politisés en fait c'est presque plus du développement personnel tu vois et moi, je suis d'accord avec toi, j'ai l'impression que le rap, c'est plus de la déterre perso, de trucs qui te conscientisent dans le fait que soit t'as pas les mêmes chances, du coup, va falloir que tu te déterres plus, euh, genre te prendre conscience de trucs, mais c'est pas un truc ouais. où tu te dis, ah, je vais devenir militant et ça y est, j'ai des idées bah politiques non. par le rap. C'est plus des trucs individuels. Ouais, c'est ça. Oui, et comme dit Dany, ça conscientise. Je sais que moi, c'est en voyant le clip de la fin de leur monde que je suis allé me renseigner sur plein de trucs, tu vois. C'est ça. Ça m'a fait prendre. Mais en même temps, quand tu, euh, moi, je lisais pas. Euh, je regardais à la télé, je regardais des trucs. Chanch, c'est vrai que les seuls sujets de société que, que je, qui pouvaient m'atteindre, c'était à travers le rap. Au final, mmh, tu vois. Mmh. Mais que après, quand, euh, quand même. Et euh, aujourd'hui, obligé, forcé de reconnaître que ça, ça a un peu fini dans le peu Ça existe mmh. plus trop. Est-ce que, est-ce est que notre ayamano, c'est pas euh... Regarde, quand t'as as des gens qui ont des textes un peu. Euh entre guillemets politique qui dénonce des choses entre guillemets avec mille guillemets mais qui amène les gens à se dire euh, mais pourquoi il a dit ça c'est qui lui regarde c'est frisk corléone tu regardes toutes ses ah, ouais, refs ouais, 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 après euh, je dis pas à les gens que c'est ouf hein je dis pas ah, que c'est oui, ouf oui, et non, tout. mais, mais euh, de il a un côté dénonciation gens. bon après euh, <laughs> voilà dans, dans le mauvais sens on va dire pour certains trucs ouais, mais ouais, t'as les gens qui qui vont aller voir pourquoi il a dit ça c'est qui lui et tout bah, après c'est centré mmh. sur la pédophilie quoi beaucoup mais... <laughs> Euh, ouais, mais ça fait ça. Même après sur ces vieux albums, il y a aussi des trucs un peu euh, sur la France-Afrique, la colonisation, etc. Ouais, voilà. Mais euh, même PJZ c'est intéressant ce qu'il dit. Je sais pas si on peut appeler ça de la politisation, euh, même si c'est grave politique. Voir des Noirs debout sans s'excuser, ça m'a toujours matrixé. Et là, je parle de trappeurs, driller pas des pas conscients, machin. Ouais, genre c'est-à-dire ouais. même quand tu vois euh, Chief Kif euh, ou euh, je sais pas à qui être en mode, euh, être en mode, vas-y, je fais mon bail. Euh, déjà, mais ça, c'est le là, truc je... de la représentation. Toi, t'aimes pas mmh. trop, Wissam mais qui a l'air réel chez des gens quand même, la voilà Après, moi, je pense que j'ai je suis, je suis, grandi dans une époque où, euh, quand je regardais des clips à la télé et tout, tu avais des, des Arabes. Et je pense que c'est peut-être pour ça que ça m'a pas plus marqué que ça. Peut-être que pour une époque, pour ceux qui étaient dans les années 80 et tout, où tu pas du tout de Noirs et d'Arabes qui faisaient les mu leur musique à eux, avec leurs clips à eux et tout, ça a été une révolution de les voir, euh, de les voir euh, à la télé et tout moi là, ça, je crois, jamais... ça parle même pas des années 80 moi je pense ouais. qu'il parle de trucs même plus des années 2010 ah oh, moi euh, ouais je sais pas ouais mais pas, regarde dans pas. les années 90 mais... les rappeurs que tu voyais à la télé c'était les gentils si tu voyais MC Solar qui venait parce qu'il avait des textes littéraires tu voyais ce qui venait pour dire qu'il fallait pas faire des meutes dans les banlieues etc ouais tu mais vois. après je... c'était les interviews tu veux dire là ouais bah en tout cas ce qui était moi, accessible le grand public plus... oui moi je te parlais moi je regardais les clips Ouais. Je ne sais pas si les gens savent, mais il y a une époque, euh, notre M6 activité clip. préférée à la télé, c'était de regarder euh, MTV et de regarder le top 50. Bien sûr. Tu avais les clips. Moi, je regardais, regardais m 6 Music Black pour voir le rap et le RB. <laughs> oui tu te Il y avait Trace TV aussi. Ouais, de fou, de fou. Mais là, là où il s'est fait niquer Kerry James par rapport à d'autres, c'est que, et, et pour revenir un peu sur les gens qui disent des noirs debout et tout, et c'est le mois où j'ai jamais été vraiment convaincu par Kerry James et où je suis d'accord avec une take de Kemi Seba. <laughs> <laughs> Une tech de Kemi Seba sur Kerry James, c'est la critique que fait Kerry James à euh, de Kemi Seba à Kerry James, c'est dire il joue le radical, il joue le Black Panther, parce qu'il a toujours eu cette image là, un peu Kerry James, il a joué sur l'image Black Panther et tout, mais en fait, il, il assume pas jusqu'au bout. C'est à dire que ça reste sur la musique, ça reste sur les paroles, et encore, les paroles sont pas ouf, mais il va jamais rien tenter, tu vois, il a, il a jamais pris de risque ni rien. Alors que les autres rappeurs, tu vois, des. Euh, donc, déjà, des Fris Corleone dans ces textes, que tu penses que ce soit bien ou pas bien, ils risquent des choses, tu vois, ils tentent, même si c'est pas ouf. Mmh, et t'en mmh. as d'autres, ils se prennent pas pour des rapports politiques. Il dépasse ils dépassent jamais la limite, quoi, c'est ça que tu veux dire. Voilà, ils font du rap, parfois ils dénoncent, mais voilà, alors que Kerry James, il a toujours eu la figure, il a joué à fond sur la figure du noir, fier, Black Panther et tout mais il y a rien derrière frérot derrière tu ne fais pas grand chose les black panthers bah, c'était de la radicalité si répo... de malade. lui je pense qu'il te répondrait que oui par rapport à son assaut d'entrepreneurs pour aider des jeunes de banlieue à entreprendre ouais, mais euh, pas... quand il gratte de la thune pour filer de la thune à des jeunes étudiants pour finir leurs études etc parce que lui il est matrixé par son logiciel d'émancipation etc tu vois justement euh, ça cite euh, dans son film ça cite fanon à un moment sur euh, c'est euh, quoi c'est euh, maîtriser la langue du dominant permet de voir euh, où est caché le mal, mmh. un truc comme ça, c'est mmh. une station C'est lui, il est très là-dedans. De si, ouais, faut que vous facile études. Que... Oui, oui, oui lui, ça, je suis d'accord. Il n'a pas le fond idéologique de la personne, c'est juste qu'il la D'accord, je suis d'accord. Met... Assimilationniste, non, je pense pas. Je pense pas qu'il soit assimilationniste. Je pense plus qu'il est dans un truc... Intégrationniste. De... Euh, il est plus dans, moi, de ce que je comprends de son discours. Il est en mode, si vous voulez pouvoir rester vous-même, justement, et notamment euh, rester tel que vous êtes avec votre culture, euh, votre religion, etc., il faut, vous, faut que vous soyez dans le business, il faut que vous fassiez des études, faut que vous maîtrisiez tout leur code pour pouvoir les détourner, tu vois, et pour pouvoir créer ta boîte à toi, où tu pourras engager des sorvoilés, où tu pourras, tu sais, lui, il est très ouais, là-dedans, tu vois. C'est presque un black peu business. black business, muslim business, un peu, tu vois. Je pense ouais, que c'est plus ça lui que assimilation. Ce qui est un peu différent, qu'une une solution capitaliste. On est d'accord, mais c'est pas exactement. Tu vois, pour moi, c'est pas exactement le même truc euh, que full assimilation. Tu vois. Même s'il y a Sachant ça. Que bien ça, bien ça les, les gens, après, vous êtes euh, critiques sur euh, l'émancipation par le par le business, mais dans, euh, je pense que vous n'êtes pas au courant que dans des mouvements antiracistes, ça a été porté par des radicaux bah, et oui. qui euh, qui avaient une grosse aura et que tu comprends aussi leur point de vue, hein, surtout ah, moi, aux États-Unis. Et, et, et en plus, ça allait loin, c'était pas en mode juste, euh, t'as deux trois qui s'émancipent par le business. Il y avait une certaine logique. C'est, euh, on s les noirs s'émancipent par le business et ils engagent que des noirs. Mmh. On, on engage que des noirs, on vend que pour des noirs, euh, voilà entre nous. Et c'était toujours dans une logique soir. où euh, ils sont exclus de tout le marché de travail. Donc euh, moi, j'arrive à aussi comprendre. C'est le truc de, de toute façon, euh, bah, comme dit Okam, il y a pas le choix de faire du bif C'est ça aussi, c'est qu'il y a aussi, euh, genre euh, à un moment donné, le côté de l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et si on veut pouvoir ouais. être le plus libre possible, va bien falloir qu'on fasse de la maille à un moment donné. Ouais. Et qu'est-ce que tu veux dire à ça Genre, à un moment donné, tu peux pas. Enfin, moi, je trouve que c'est logique. Je Et peux... notamment aux États-Unis, où, genre, ah, vraiment, ouais. si tu as réussi à te faire ton trou dans un business avec de la thune, tu vas te garantir un peu une place au soleil pour de vrai, tu vois. Mm. C'est Youssoufa donc, qui disait euh, Comment je peux aider les, les pauvres si je reste pauvre moi-même Ah <laughs> Elle est pas mal, elle est pas mal, elle est pas bah, mal. C'est un peu vrai, tu vois. Genre même nous, euh, nous avec Dani, c'est aussi notre réflexion un peu hein. Le fait euh, de ne pas avoir peur euh, de monter un business pour garantir notre indépendance. Euh. Après nous, c'est même pas forcément à prétention d'aider les autres, euh, même si euh, on peut le faire en partie. C'est même juste, c'est d'un point de vue individuel, tu vois, ouais. de dire, euh, de dire bah, à un moment donné, euh, si je veux m'émanciper et que euh, je ne veux pas attendre pour les autres, le discours d'entrepreneur de Kerry James, c'est aussi de dire bien sûr. On va pas prendre vos CV, faites une boîte où vous aurez pas besoin de faire de CV. Tu sais, c'est un peu ça cette réflexion. Mais comment, mmh. comment tu peux blâmer le truc, tu vois mmh. Ouais, non, oui, oui, non, mais ça c'est sûr. Après, moi c'est plus sur les, ça, ça je peux le comprendre, mais c'est plus sur le discours politique, quoi. Au final, euh, ça reste très intégrationniste. Au final, lui, oui, oui, t'as oui. l'impression que, en fait, c'est ça, c'est que la République, c'est ça la différence avec les antiracistes libéraux. La République, elle est pas foncièrement raciste pour eux. C'est juste qu'il y a des dysfonctionnements. Tu vois mm. il y a eu des dysfonctionnements qu'il faut régler par-ci par-là et, qu par par et qu'en en fait en faisant notre business en montrant que nous aussi on peut euh, jouer le jeu nous aussi on peut euh, bah, grandir en respectant les règles du, du, du régime républicain et en faisant pas trop de bruit mais juste en faisant nos bails de notre côté et ben petit à petit on va euh, gagner leur respect et ils vont nous accepter et on va s'intégrer ça c'est pas bien, exactement quoi. le black business ça par exemple Black business, c'est plutôt. Oui, de... là je parle de Kerry James. Hein. Ah, moi j'ai l'impression qu'il est plus black business que ce que tu dis. Moi j'ai l'impression, ah ouais. moi là où je lui reconnais un truc, c'est que je pense qu'il n'attend plus vraiment d'être considéré comme jouant avec les règles du jeu, que c'est plutôt en mode tu te fais ton espace D'entrepreneuriat, où tu te libères justement de ceux qui de toute façon te donneront pas la chance et t'intonneront jamais à leur milieu quoi. Moi j'ai l'impression que c'est plus ça qu'il dit. Après peut-être que je suis délu. Et que ouais, je suis mais... trop gentil avec lui. Mais là où tu as raison, c'est que moi j'ai même l'impression qu'en France, c'est plus ce modèle-là qui existe par rapport au modèle états-unien justement, qui est plus un modèle de baiser pour baiser, on va faire les trucs de notre côté. Moi j'ai l'impression ouais, aussi qu'en France, c'est une, mati... une manière de dire regardez, on fait du business, tu montes pas de blanche, en fait. Bah, euh, en fait, pourquoi je dis ça C'est que je trouve qu'il a toujours eu l'image du sage, quoi. Je veux dire, à partir du moment où, pour euh, le pouvoir, pour les blancs, je veux dire, les blancs. Euh, Classe moyenne et tout, tu représentes le gentil le gentil rappeur, c'est que. C'est qu'il y a un problème. Tu vois ce que je veux dire C'est que ah ouais. tu, tu déranges pas tant que ça, tu vois. Le black business, t'en as à certains endroits où vraiment ça dérangeait les gens parce qu'il y avait vraiment un côté presque séparatiste en mode vous voulez pas nous, bah c'est pas grave, on va faire notre vie entre nous, tu vois. Alors que lui, il n'y a pas ça. Il y a presque. presque il y a un intérêt pour le pouvoir chez Kerry James, c'est que c'est un peu comme les réseaux du Cœur et tout. Il va combler à son niveau oui, les manquements suis... de l'État. Moi, je suis d'accord avec toi sur cette critique-là qui comble à son niveau les manquements de l'État. Ça, c'est réel. Mais en même temps, en France, est-ce que par rapport aux États-Unis en France, si tu arrivais avec un discours, on va dire, euh, je vais le dire comme ça, exprès communautaire sur la question du business, avec un truc vraiment de dire, nous, il n'y a aucune place pour nous dans leur business à eux. Donc on monte nos business pour nous, par nous et pour nous où on n'engage que des gens de banlieue, où on n'engage ouais, que des bah, trucs, ouais. et que ça, c'est baiser. Et moi, j'ai l'impression, lui, que c'est un peu ce qu'il préconise, mais sans pouvoir le dire un peu. Tu ouais vois mais il ne l'assume pas. ouais mais est-ce qu'il pourrait, est qu pourrait continuer à avoir une asso qui, je pense, touche peut-être des subventions, et peut-être en bise avec certaines institutions, peut-être, je ne sais pas, tu vois, des ouais, centres après, de formation. Mais c'est ça, mais après, il faut faire des choix, quoi. Tu es, es obligé de te compromettre, en fait. C'est ça qui est... Moi, je suis d'accord je n'ai pas mais c'est ça, mais après, euh, en fait, ce qui m'énerve, c'est qu'il joue sur tous les tableaux, quoi. Euh, radical, mais modéré, euh, Black Panther, séparatiste, mais et intégrationniste. Et... Ouais. Et tu sais... Mais après, je pense qu'il n'a pas non plus euh, une culture politique radicale de ouf, tu vois. J'ai l'impression, comme je te dis, il marche à citation. Euh, une... J'ai l'impression, le travers, l'originalité de Kerry, c'est son côté Sartre. Allez, vas-y, je lis pas la suite. C'est son côté Sartre a critiqué la mauvaise foi des indigènes qui se dépassent pas. Oui ça, mais plus Beauvoirien à lui dire. Il y a aussi une situation, Kerry, en fait, en fait. Il y a une situation, en fait. Ah, ah j'ai cru qu'il qu allait critiquer Sartre. J'ai pas voulu continuer, Non, mais en justement, c'est que Kerry, il est Sartre, il est Sartrien dans son côté condamné à être libre, la mauvaise foi des indigènes qui veulent pas non. se déterrer à entreprendre face à Beauvoir qui lui dit t'es bien gentil, Sartre, mais tu oublies la situation de base, quoi. En mmh. fait. Mmh. Ben oui, en fait. Ben bah oui, en fait, sinon, euh, euh, rien ne va à l'eau que la fin, elle se brise. Ah, rien ne va à l'eau. On hein. vit. On J'ai compris. Ben oui, mais oui. Compris, mais ouais. après, euh, Kerry James, très gentil, très sage, très, très doux. Euh, après, euh, voilà, maintenant il est devenu vieux. Il faut le laisser être devenu, euh, une figure associative. Et puis voilà, moi je pense que c'est le mieux qu'il qu fasse ça. C'est ça, moi je pense qu'est-ce qu'on peut... A... Mais en fait, le problème, c'est donc on en revient à ce truc de où est le nouveau Kerry James Genre, c'est sûr mais y a que c'est pas mieux. nouveau le Kerry James, ça, c'est un ancien, là. Oui, mais il en faudrait un nouveau. Ah, d'accord, je croyais que tu voulais dire qu'il se renouvelle. Non, non, euh... justement, un nouveau Kerry James, quelqu'un qui, qui ouais, saurait remplacer en faisant mieux, tu vois. Il y a qui comme. Bah, Medine. Mais Medine, ouais, il est ça, trop est radicalisé à gauche. notre époque. En vrai, est-ce que les jeunes, ils écoutent Medine Non, je pense. Les jeunes gauchistes, non, non. ouais. Sinon, non. Ouais, sinon, attends. Ouais, dans... J'ai pas l'impression que beaucoup de gens écoutent Medine. Kalash criminel, c'est vrai que Kalash criminel, mais Kalash criminel, il est plus radical que Kerry James. Hein. Déjà, Kalash ouais. criminel, il a un côté que n'a pas Kerry James, c'est le panafricanisme, c'est l'anti-impérialisme, qui est totale totalement absent du discours de Kerry James. Il n'y a pratiquement rien sur ça. Mmh. Mais Kalash, euh, Oyoki, Quoi, qu il dit ça en mode euh, méchant. Euh, Danny non, non, il est fan justement. je n'écoute du caisse. Oyoki, c'est un album anti-impérialiste justement. Ah d'accord, oui. Euh... Non, mais je croyais que le pfff, ça me fait. Euh, pff, non, c'est en mode quel banger. Oh, pff, ah, d'accord. Tu, tu, tu parles bien, le Danny. Eh bien sûr, mais ça va, euh, je sais le traduire. Et c'est vrai que Fraze, il est beaucoup black, plus, plus black business que Kerry James. Hein. Ouais. C'est vrai que si pour moi, tu as un exemple du black business, c'est euh, Friz Corleone. Merci, et Tomatoes. Oui. Euh, mais après, j'ai l'impression qu'il n'intervient il, il pas beaucoup euh, au calage criminel. J'ai pas vu beaucoup d'interviews de lui ou. Euh... Il, il en parle vite médicaux. fait, mais c'est un peu de loin, tu vois. Mais euh, moi, j'aimerais que ça soit plus. Et le problème de. Le problème le de. Le... Le, le problème, de... Le problème, tu vois, d'un freeze, c'est qu'il est trop trixma par des vidéos de Nation of Islam sur Internet. Et qu'il est. En fait, il n'est pas politisé en réalité. Ah, bah oui. Tu vois, ah bah c'est oui. vraiment. Il ressort euh, vraiment les takes. Euh, des vidéos, tu vois, ouais, vraiment, Nation of Islam, les trucs comme ça. Euh, y... Je suis sûr il écoute du Kémy Seba Ah oui, certes, ah hein. bien sûr. Sur il l'a même cité hein, dans des textes, référent... Kémy Seba Ah bah voilà, c'est sa référence, Kémy Séba. Kémy Seba trucs comme ça, c'est tout. Et même mais le discours d'Alpha 520 sur le rap, tu vois. Le côté, euh, le rap euh, est noyauté par les LGBT, euh, tous les DA, les mecs de la belle, c'est des LGBT, euh, donc euh, faut pas euh, y euh... aller en tant que noir, etc., tu vois, tout ce truc-là, un peu... Euh... Justement, et même euh, Alpha 520, lui, il a été inspiré par le black business, notamment, ouais. parce que lui, il a commencé à vendre euh, les CD comme il faisait euh, chez les RIC. C'est-à-dire que les mecs qui n'arrivaient pas à accepter au label de blanc aux États-Unis. Ils auto-éditaient leurs CD eux-mêmes et ils faisaient comme Fine. la France des... Ils foutaient ça dans leur coffre de voiture et ils allaient vendre les CD euh, main à main, tu vois. Et ben Alpha 520, il a, il, a, il a appliqué ça et il est aussi matrixé par tout le discours qu'il y a aux États-Unis sur la mainmise des Blancs sur le marché de la musique. Où c'est vrai que pendant longtemps, n'importe quel rappeur, à la fin de la chaîne, tu avais toujours un Babtou qui possédait le label jusqu'à plus récemment avec les DJ Prix. Et il disait pas que comme hein. ça. Oui, oui. oui. C'est beaucoup les juifs aussi. Ouais. Moi, je me rappelle de la, de la ah musique oui. de Ice Cube, non Bah oui, parce que c'est Jerry oui, Seagull. C'est euh, ouais, voilà. euh, avec NW. Ouais, il y a encore plus cette punchline dans le. Ouais, je crois qu'elle y est. Et dans la coup, musique. Deux... Je crois que... Et en fait, pourquoi, que... pourquoi ça a arrivé c est arrivé C'est parce qu'il y avait beaucoup euh, de producteurs juifs qui ont produit du jazz, en fait. Parce ouais. qu'en réalité, contrairement à ce qu'ils croit le lobby, c'est plutôt que tu as, un... as toujours eu un lien entre euh, la diaspora juive et, euh, et les Noirs américains, notamment culturellement, euh, où il euh, y avait un peu une alliance de fait, où ça a fait partie d'être les premiers blancs euh, qu'acceptaient euh, qu les Noirs américains, tu vois. Et du coup, il ouais, y a ce truc-là, et du coup, c'est devenu, vu que tu avais beaucoup de juifs dans la musique, et notamment lié à la musique noire en production, c'est devenu, les juifs ont volé la musique noire états-unienne, etc. C'est dont euh, ils sont revenus après, depuis, tu vois. Parce que je vois Kilexi euh, qui lexique, il dit « Il est légitime, ce discours rase. » Je pense qu'il faut que tu précises, quoi. Parce que là, on est en train de dire... Euh, il est en train de dire un autre discours, quoi. Non, mais en fait, oui. Non, mais il y a une vraie question sur euh, le, la, la possession euh, des, des moyens de production de la musique aux États-Unis. Mais t'as pas besoin de le lier à un discours antisémite. Bah oui, bien et et d'ailleurs, là ah où... Non mais ça, ça fait partie de tous les discours antisémites. En mode... Euh, ils, ils, ont, ils, ils sont euh, surreprésentés dans ces, dans ces milieux-là. Et t'es en mode... Mais à votre avis, pourquoi ils sont... Ah oui, S'il y a une surreprésentation, comment ça se fait Voilà. C'est ça. On, on les parle dans des, certains domaines et après on... Oula hein C'est ça, exactement. C'est ça. Et surtout... Là où il faut être à un moment donné euh, anticapitaliste, c'est que quand euh, des Noirs américains ont commencé à reprendre le biz, ils ont fait pareil. C'est que tu regardes justement euh, Birdman euh, qui a fait euh, Young Money Records, donc euh, Lil Wayne. Euh, plein de gens, les ouais. Gucci, etc. Lui, euh, il a commencé à bosser, il a traité ses rappeurs comme des prostituées. Lui, ça veut dire qu'avant, c'était un macro qui donnait de l'héroïne à ses filles pour les garder sous son contrôle. Il a fait pareil avec ses rappeurs. Lil Wayne, jusqu'à ses 40 balais, il a touché à peine 1% de ce qu'il gagnait de sa musique. Il lui a acheté une ah voiture oui de... Ouais. En fait, il faisait vivre Lil Wayne dans un, camion... Dans un gros camion. Il lui ramenait de la drogue, des meufs, il lui filait une liasse de billets de temps en temps, euh, il lui achetait une bagnole de temps en temps et il le tenait sous son contrôle comme ça. Et surtout au début de sa carrière, Burnman, il, il donnait de la drogue à ses rappeurs pour les tenir accros, pour les tenir sous son contrôle, etc. Genre lui, genre, c'est le mec, l'un des mecs les plus bressons. Euh, tu, euh, tu regardes pareil avec Shoot Night, euh, euh, avec... Euh, avec... Ah ouais, euh, mais ça... Avec Back. Dr. Dre, euh, Tupac, etc. C'est pareil, le mec, il... à la base, c'était un, un porte-couteau des rappeurs qui ouais. faisaient leur sécurité. Et c'est pareil, lui, il a une gestion pour voler les contrats, pour voler de la thune aux rappeurs, etc. Et en fait, trouver un producteur éthique dans l'industrie musicale, c'est ça qui était compliqué, bien plus que de trouver, euh, comme il disait, euh, être produit par un juif encore. Non, le problème, c'était d'être produit par quelqu'un qui ne te baisait pas la gueule. Quoi. Et Jay Prince, lui, c'est l'un des moins pires, mais parce que lui, il avait déjà fait beaucoup d'argent dans la rue avant. Donc euh, voilà quoi, mais bref, je vais pas faire l'histoire de tout le rap. Easy, c'est fait rincer par Jerry Seagull. Mais en fait, ce qui est horrible, c'est que t'avais Jerry Seagull qui était en haut de l'échelle, qui prenait de la thune à Easy, et Easy qui prenait de la thune à tout NWA. Genre, c'est là que tu vois que les gens, quand ils font du business, ça devient sale en fait. Faut revenir à cette vérité là pour de vrai, quoi. Et... qui s'appelle le capitalisme. Et Jerry Heller, comprenez... oui, pardon, je dis Seagull, je sais et donc, pas pourquoi que... c'est C'est un et autre Jerry et... Seagull, ça existe, mais je sais plus d'où c'est. Vous avez entendu ce qu'il a dit Le problème des producteurs et quand il y a de l'argent, ça devient sale. Maintenant, euh, revoyez les vidéos que j'ai faites sur la Zawa Prod. <laughs> ah, J'en dirai pas plus parce que je risque. Euh, j'ai vu que Sush Knight avait tué euh, Tupac, euh, voilà quoi. On va pas en dire plus. Ouais, ça il va ramène euh... des parcs d'attractions. Voilà. Attends, c'est comme Lil Wayne. On te met sous perfusion de parcs d'attractions une fois par an. Et après, hop, tu te plappes. pas. on verra ce que c'est le parc d'attraction l'année prochaine. <laughs> on verra. On euh... ce que ah ouais, j'ai confondu avec Benny Seagull de Rock Café, là, exactement. Voilà, désolé. Mais. Euh... Mais, ouais, Mais t'écoutes beaucoup de... de rap US Moi ah ouais. bah, Moi, j'écoute presque que du rap US, moi. Mais actuel Ouais, bah, actuel, ancien, tout. Un peu tout. De quoi T'as dit quoi Tu m'as parlé qu'il a là, regardez, il pète un câble. Hein? D'un et, 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 coup, euh, elle parle? Ouais. Tu parles toute seule? Et t'as dit quoi? Quoi, c'est moi? Hein On veut bien être intégré à la conversation, hein non, mais je sais pas d'à quoi elle parle et elle est toute seule dans sa chambre. Est-ce qu'on est, dit, qu est euh, sûr bah, qu'il qu y a quelqu'un dans cet appartement Il n'est pas devenu foyer juste Il parle à quelqu'un qui n'existe pas des fois Ah non, euh, foyer c'est un YouTuber. Très drôle, oui, Sam à nouveau. pas de book, il n'y a pas de coloc il, a pas de coloc il parle tout seul. Oui, il y a grave moyen. Imaginez. Imaginez. J'ai inventé le personnage. Ça prouverait que je suis un... quelqu'un de plus drôle que Taokan. <laughs> ça recommence. Je, je, je dis pourquoi ça, je dis rien. Tu es en concurrence avec Taokan c'est vous qui m'avez aimé en concurrence avec Taocan. Je vous ai dit, je vous ai juste dit, j'aime pas son humour. Vous avez dit, vous êtes, jaloux. Bah je suis rentré dans ce rôle. Je suis rentré dans le rôle du, du jaloux de Taocan. C'est tout. Ouais, ouais 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 Mais pourquoi tu veux qu'on regarde l'interview Il y a Cassandra, il arrive dans 5 minutes là. Ah bah vas-y, mais... on finit. Et pourquoi t'as demandé si j'écoutais du rap américain Évidemment. Je suis un peu euh... rap. Et tu regardes de, de l'ancien. Moi j'aime bien de l'underground, mais un peu, euh, un peu ancien, genre euh, Jada Mind. Ah ouais oui, oui oui bah oui euh, toi écoutes oui. vraiment tu sais que ça c'était vraiment les blancs geeks les plus insupportables qui écoutaient ça ah ouais Jedi Mind ah, ouais, de ah ouais bah attends euh, putain il y avait un groupe euh, comment ça s'appelle euh, Inside Clone Pos je crois que c'est ça les, les noms je les euh, tu connais ouais ouais on dit Posi hein possi, bah je sais pas <laughs> moi voilà, euh, c'est pour ça que j'écoute bon <laughs> de... ah, j'écoute de ouf mais les noms euh, je sais pas comment on les prononce <laughs> ça aussi c'est un truc de blanc hein, je pense Ouais, mais après euh, aux États-Unis, non Ah, attends, aux États-Unis, c'est pas un truc de bouffe. Moi, j'ai toujours oui, cru que c'était oui, les ça White oui, Trash. Ça oui, ça oui, oui, ça oui, 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 oui. ICP oui. Mais et, je veux dire le rap, et... ender, le rap underground, un peu comme ça, pas forcément, tu vois. Mais en France, oui, de fou. Mais bah, bien sûr, ICP j'écoute. Mais Common, les gens, c'est assez connu, Common. Mais quelqu'un que je trouve incroyable aux États-Unis, un rappeur, tec, déjà techniquement, techniquement, je le trouve, c'est pour moi l'un des celui qui m'a le plus impressionné de ma vie. Euh, J'aime bien ses textes. J'aime bien ses musiques, même si c'est spécial. Et surtout, moi, ce qui m'impressionne, c'est son côté. Euh, il s'est construit lui-même et maintenant, il a, une, euh, il a une maison de disques euh, à lui et tout. C'est euh, Tech Nine. Oh non. non T'aimes pas Tech Nine T'aimes pas Tech Nine Non, mais moi, en fait, j'ai. En gros, Tech Nine, c'est rap. Pour les gens qui connaissent pas, c'est rap turbo-bandeur, turbo-intello. Tech Nine. C'est vraiment... C'est le, le, le Kerry James, arrête, le Kerry arrête, James arrête, du rap arrête, américain. Arrête, arrête. Et moi, arrête, je me suis construit arrête, contre arrête, ça. Moi, j'ai commencé à écouter arrête. du rap avec le rap du Sud, avec Tris X Mafia, où ils étaient insultés de dumb rappeurs, de gros débiles, de... Comment ils s'appellent le... Donc, le moi, je suis là, à l'inverse de ces mecs-là. Genre, moi, tous les trucs, genre Tech ah, 9 même, genre Hakim tous ces trucs là non moi, ça mais casse tu des peux des pas coups. comparer Tech 9 et Rakim c'est pas vraiment la même bah, chose c'est pas la même époque mais arrête, pour moi c'est pas la arrête. même époque mais parce que Rakim c'est vraiment pratiquement que le texte, euh, Tech 9 techniquement et tout c'est autre chose ouais, ouais, arrête ouais, ouais, ouais. arrête des gens à écouter Tech 9 écoutez le pas ouais, et ouais, comment ouais. il s'appelle le, 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 le groupe avec le nain là il y a euh, ouais, euh, Ghetto Boys Geto Boys bah ça c'est plus ma culture ça Geto Boys je aussi Ghetto Boys parce que ça c'est les mecs du sud ça Ghetto Boys voilà, et euh, j'aime bien le, le rap un peu go, -go le, Ah bah voilà, ça, c'est moi, ça, c'est ce que j'aime, ça. Tout le truc de Lil Jon et tout. Ah bah voilà, j ai, j ai, j ai voilà, la Dirty Sauce. Comment il s'appelait le, le groupe avec lequel il faisait Get low. Comment Get il s'appelait le groupe je sais, plus, ouais. je sais plus qui c'est quoi le truc, euh, Get Low. Avec et, et, ah, donc, hein Hein C'est pas, pas d'Oda Chris Non, non, c'était un groupe... Euh, non, non. Headside euh, euh, Boys, oui, c'est ça. Merci, Broly. C'est les It ah Boys. Oui, oui, okay, Merci oui, beaucoup. Oui. Merci. Ludacris, les gens c'est trop connu pour Wissam je pense. M non, mais j'aime bien Ludacris. Ah. Non, mais après c'est vrai que j'écoute des trucs pas très connus. Mais en fait, c'est <laughs> connu pour toi genre Linguist tu vois oh là, des trucs oh comme là, ça. Là, 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 là. Vous, vous rendez compte qu'il écoute un truc qui s'appelle les cunilinguistes Mais c'est marrant, c'est drôle, c'est c'est ça les gens, c'est des trucs de bandeurs de hey technique où ils rap vite quoi. Oh, bizarre tu sais Ah ouais mais non, de, parce que, en fait, tu mans, Driver, tu mans, Tu mens Tu mens parce que Là tu fais croire Que j'écoute que les trucs Comme ça et tout euh, J'écoute le rapport Le plus chelou C'est bizarre 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 Je connais pas bizarre Tu connais pas bizarre Je connais pas bizarre D12 Tu connais D12 Oui bah bien sûr C'est les potes d'Eminem ça Et le gros Il s'appelle comment ah, c'est Bizarre de D12. Bizarre, et il fait des musiques lui-même. Bizarre, il fait des musiques qui sont super chelous. En plus, lui, c'est du rap de Gogol. Il rappe doucement, c'est n'importe quoi. Euh, il a même pas un bon flow. Et euh, il a surtout King Gordy. Euh, mais euh, Bizarre King Gordy, et c'est incroyable. Euh... Et King Gordy, c'est aussi un obèse qui est avec lui. <laughs> mais oui, ils... Ils euh, être... ça, sont gros, ça t'amuse, c'est ça la vérité. Ouais, non, mais c'est ça. Non, mais c'est incroyable, c'est incroyable. Il est en train de dire qu'il veut tuer Justin Bieber là. Elle est trop bien cette musique. J'avais écouté Bizarre euh, tout seul. Moi j'aime pas King trop Bizarre aussi donc. Euh... Mais non, mais c'est marrant, euh, Bizarre c'est marrant. Et King Gordy, son pote, euh, qui a toujours des problèmes de santé de ouf et tout, mais qui est incroyable. Il rappe trop bien en fait. Il rappe trop bien. Donc écoute Bizarre et... Okay. et King Gordy. Je vais lui apprendre un peu le rap US, inquiétez-vous pas les gens, ouais, je suis ouais. là pour l'éduquer. Ouais, ouais 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 Dites web c'est incroyable, arrêtez, ils sont gaz un peu, désolé hein. Mais... Dites web t'as des c'est marrant, c'est marrant, t'as des trucs marrants. C'est bon euh, Cassandre Bah tu. Il est arrivé Ouais oh, ouais c'est bon il est là. Vas-y. Et eh bah ben, Cassandre euh, je te laisse euh, le lead. Et... On a regardé une on a pas regardé de vidéo au final. Je vais le faire glisser, mais oui mais c'est bien on a discuté, c'est bien. On reparlera, on reparlera rap euh, chez toi euh. Ah, faut... On fera on un truc rap. Et euh, je pense les prochaines fois, il y a moyen avec Wissam qu'on essaye de parler un peu, notamment des mouvements autonomes, de la question de la violence en politique, etc. Le terrorisme à gauche Voilà, à la, la question du terrorisme à gauche, des actions violentes, qu'on fasse un stream un peu sur le sujet. Donc si vous voulez envoyer des vidéos autour de ce sujet-là euh, dans le Discord, n'hésitez pas. Euh, on verra, et puis au pire, ah, s'il n'y a pas de vidéo, on en parlera un peu en général. Qu'est-ce qu'il a Wissam c'est toi qui as la musique ou c'est moi qui oui, ai la musique Oui c'est moi, c'est moi, c'est moi. Ah d'accord, j'étais en mode mais j'arrive pas à l'arrêter. <laughs> non t'inquiète, en fait, je vais l'arrêter, t'inquiète. Bah vas-y euh, les gens, euh, moi je reprends en stream demain vers 17h euh, pour parler euh, islam euh, voilà. Merci beaucoup moi, de m'avoir suivi. Euh, c'était euh, Wissam Xelka, un streamer beaucoup plus marrant que Tokan. Euh, ouais. Salut. Ciao les, ciao, Wissam, à la prochaine. Hop. Maintenant, il faut Bonjour. que je récupère Cassandre. Faut que je le rende mieux et rende pas muet. Allô Oui, allô Allo, vas-y, parle pour que je vois oui. quel niveau. Je parle, je continue de parler. Bonjour les gens, comment ça va Je remplace euh, Wissam, euh, voilà. Parce que, voilà, j'étais chez mes parents. Et j'ai récupéré des bouquins. Alors attendez, j'ai récupéré des super bouquins. J'ai récupéré. Tort du protestantisme oh, non, de jean beau, Bobéro. Oh, non, mais non, mais c'est une dinguerie Merci, Cassé Kake, Merci, faites le train de là, je vous en supplie j'ai récupéré l'histoire des faire... protestants de France, non mais une euh, de Charles Bost. Non euh, mais euh, voilà. Mais... Et... J'ai récupéré Lire Élul Introduction à la pensée de Jacques Ellul. C'est vachement bien. Euh, Parce que souvent, je, je vous parle de Jacques Ellul, mais je, je sais pas exactement comment vous l'expliquer. Voilà, mais vous avez bien. inventé le capitalisme. J'ai même découvert que vous aviez inventé le sionisme. Faut arrêter un jour les protestants. On va faire vous cancel un jour. Je suis désolé. C'est vrai qu'on a inventé le sionisme. Vous saviez ça, les gens, que c'est eux qui ont inventé le sionisme Et j'ai un bouquin euh, qui s'appelle euh, 100 jours qui ébranlèrent le monde aussi, euh, sur la révolution russe et tout, et Lénine et tout. Voilà, c'est cool. Et d'autres trucs aussi, mais. Il est pas orthodoxe, bouquins, Cassandre. Il est baptisé orthodoxe, mais protestant après. Oui, c'est pas clair. Parce ah, qu'en fait, le clair. en gros, il m'a dit non, mais c'est pratique, le baptême orthodoxe, il est reconnu par tous les autres. Oui en fait les orthodoxes ils reconnaissent pas les autres baptêmes alors que les, tous les autres ils reconnaissent le baptême orthodoxe Du coup c'est plus pratique si tu sais pas de quelle confession tu veux faire ton gosse Tu le fais orthodoxe et comme ça bah, au pire il a pas à se rebaptiser C'est de l'économie ça mais ça c'est la pensée protestante derrière le, derrière le truc C'est qu'au final on a quand même économisé du coup on a été protestant dans notre baptême orthodoxe quoi C'est grave hein. euh, Pourquoi ta caméra elle est dégueulasse par contre S'il te plaît euh, Je sais pas c'est ta faute ça Donnez de l'argent les gens s'il vous plaît je sais pas pourquoi ma caméra elle est dégueulasse, c'est la même que d'habitude. On est d'accord qu'elle est chelou sa cam, non bon, elle, est est dire... moche, hein. est elle est totalement moche. On est d'accord qu'elle est chelou. Le truc les gens, et après merci Pseudono, merci beaucoup. Euh, et après on regarde, on regarde le vieux les gens, parce qu'apparemment il a été ultra basé. Ah ouais Bah ouais, apparemment elle est trop bien son interview France Inter là. Moi j'ai vu des gauchistes merci qui étaient en mode. Il dit c'est le peuple contre l'oligarchie, c'est pas marxiste. Bon, Donc on voilà, j'ai vu ça. des gens qui chalaient sur Twitter. Ça, on s'en bat les couilles. Ouais, pas, euh... pas du ring là. Oh, Raz, pas assez pas fort. C'est faux. Je vois que je tape à moins 10. et Cassandre Oui, Raz est Arrêtez beaucoup trop fort. Arrêtez de mytho en voilà. fait. Raz, c'est le meilleur. Arrived in Montier, on va dire qu'il est pas fort. Euh, J'ai dit que t'étais fort. Oui, je suis très fort en fait Oui, t'es très fort. Il a tabassé Salamé mais apparemment. Bah voilà, on va oh, prendre beaucoup de go. plaisir, go. les gens. Mais oh, d'abord, le train de la hype. Je vais leur faire le train de la hype là. Entraîne-toi pour ton stream parce que tu sais pas le faire. Quoi Mais attends, mais j'ai eu le train de live niveau 6 et tout, et 7 hier. Hein. Euh, le... Alors, on va faire le train de live, chers amis. Allez. Et un don de plus. Et un... Euh... Un beats. Là, ça va tomber, la beats. Non. Euh... Des abonnements offerts. Allez, putain, je suis trop fort. Merci, Pablito. Let's go. Oui, je suis trop, trop fort. Regardez. J'arrive à manifester, I'm manifesting. I'm manifesting. Euh, des abonnements quoi. Merci Caridas, merci pour l'1,20€ let's go. J'ai plus envie de donner. Mais non, Riflam, c'est si, t'inquiète pas. Tu vas donner et comme ça, je vais pas... je vais pas parler. Et je vais juste être en mode. Ah, merci et tout. Ouais, D'accord, c'est le pire en Merci Eclipse, merci pour l'abonnement therapitique. Non, c'est faux. Il euh, y a eu 5 abonnements offerts. Ensuite, il y a Eclipse qui vient de, de faire des abonnements. J'ai été très utile. Voilà, 111 bits de Prince de Lu. Voilà. C'est bien, non La zava presque quasi com complète. Bah ouais, de fou. Merci quoi, faire guillotineur Merci pour la voix faire Alexa, let's go. Et oui. Incroyable. Oui, mais c'est vrai qu'on qu est presque complet, là, on a fait le... le, le... Bah oui, ouais. parce que oui, parce qu'il a un foutu de, de faire un stream tout seul, hein, bien sûr. Eh oh, bien sûr que je si dis, je peux faire un stream tout seul, c'est quoi ça C'est juste que je préfère être avec toi. Oui, c'est vrai. Pardon. Ah voilà, tu wow. vois. Ah, Rondine, Dani, en fait, attends, tiens, t'inquiète. Je dois accéder à ta requête. Hop! Oh, on est bientôt au niveau 5, les gens! 95%, c'est incroyable! Allez! Il ne faut pas grand chose pour passer au niveau 5. Bah ouais, oui, du coup, vous coup vous il n'a pas suffis. détruit Wisa, euh, Kerry ou Sam euh, au final? Bah, c'était putain de clic. Euh... Ouais. Oh là là. C'est malhonnête ça. C'est vraiment pas des putaclic. procédés. Euh... Que, je que Merci Papy Milo. Ouais. Milo, merci Bing08. Merci Papy Milo, merci Bing, merci Benji Funky, let's go. Voilà, à la fin de ce niveau-là, on commence la vidéo. Donc, si vous voulez qu'elle commence ouais. vite, vous savez ce qu'il vous reste à faire. À la fin du niveau 5, on commence. Mais là, le livre du vieux, faut l'acheter, les gens, on va en parler, je pense. Ouais, Donc, de on fou. peut pas l'avoir gratuitement, fou. nous. Ah merde, j'ai oublié. Moi, je demanderai demain. C'est une dinguerie, ça. Ouais, tu veux horrible. pas donner de l'argent pour la cause Ah C'est pas la cause, c'est pour sa poche. Tu veux pas financer sa, sa campagne de 2027 Bah, ça va financer sa campagne, ça. Non, je sais pas. Bah, voilà pourquoi tu mens. Il est déjà assez riche comme ouais. ça, le vieux. Il peut m'offrir un livre pour tous les électeurs que je lui ai C'est vrai. C'est vrai. Il même le dédicacer. Hein. C'est une dinguerie, ça. Hein. Oui, bah, alors, euh, t'avais qu'à pas, hein Ouais, ouais. Merci Mopolopi, ouais. merci les gens. Merci Mopolopi, let's go. Les 5 abonnements incroyables. Merci Lilou, la distance. Avec le Danistérix. Bah oui. Merci Lilou, la distance. Merci les gens. T'avais qu'à voter pour lui, oui, c'est ça. Bandermag, à demain soir, les gens. Oui, mag. Demain, Bandermag à 20h. Alors que j'aurais pu aller voir le Avec... jeu, mais bref. Ouais. C'est pas grave. Ouais. Non, mais ouais. demain, euh, Bandermag à 20h, les gens, ça va être incroyable. On va parler manga, ça va être cool. Ça oui, va ça être va être cool. Euh, Déjà, chouette. De fou. Allez, enfin, finissez ce qu niveau-là qu'on passe, euh, qu passe à la vidéo du vieux. Je veux savoir ce qu'il a dit, le vieux, à quel point il a été basé. Oui, s'il vous plaît. Vous, vous vous rendez compte, vous nous empêchez de regarder le vieux. En fait, vous faites vous êtes, vous êtes contre-révolutionnaire à Exactement. pas donner sur ce travail. C'est du sabotage. Exactement. Vous allez être traduit devant le tribunal. Euh, merci Pablito Let's go Les 5 abonnements Let's go Merci Pablito Allez, on est Incroyable Ouais, let's go l'élection présidentielle, il publie merci faites Prince mieux !» de d'exclamation, sous-titre Vers la révolution citoyenne, aux éditions Robert Lafonce, est en librairie aujourd'hui. Question... Merci Bataya, merci Azap Trotsky. Très bon merci pseudo, oui. à, 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 à Très oui. bon pseudo. Très rigolo. Euh, voilà. Réaction à auditeurs, auditeur à auditrice au 01 45 24 7000 et sur l'application de France Inter. Jean-Luc Mélenchon, bonjour. 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 Et bienvenue à ce bonjour micro. Bonjour. On a bien sûr des sujets. Oh, il a son costume de campagne là. Regardez. Bonjour. Moi, mon seul réacte, les gens, je vous le dis tout de suite, ça va, ça va être de chercher tous les signes qui prouvent qu'il sera candidat euh, la prochaine fois. Moi, je ne dirais rien. On est d'accord que là, il a un costard qui dit ⁇ Je reviens en 2027 ⁇ Il a un beau costard. Il ah. a un costard de, de débat d'entre deux tours. Ah, on est d'accord sujet d'actualité à aborder avec vous tout à l'heure mais d'abord ce livre de théorie politique dites-vous qui montre à votre euh, à vos lecteurs pardon le juste chemin à vos yeux pour euh, sortir d'un monde tourmenté et bon, inc... déjà euh, France Inter il parle de son bouquin parce qu'on a regardé toi tu as regardé euh, son interview là qu'il a regardez fait regardez sur, TF, de... hein. sur TF1 genre il avait un, ah oui vous vendez ce bouquin etc. il a posé que des ça. questions d'actualité sur et la Nupes, pense et à la fin sa question c'était du coup faites mieux à avec ou sans Mélenchon en 2027, lol, il est en Ça va pas parler pas oh. du bouquin une seule seconde. Ouais, oh, c'était l'enfer. On enfin, peut leur hein. reconnaître que ça a l'air d'aller sur le sujet, donc ça fait plaisir. Oui, là, je pense que ça va parler de, du, du fond, et franchement, c'est cool, hein. on peut leur reconnaître ça. Hein. C'est ça. Allez, Anas Gourny Anas Gourny Merci Anna Scourney, Anna Scourney. Go les abonnements. beaucoup, les 10 subs, let's go Le train de live oh. qui continue. Pardon, le juste chemin à vos yeux pour sortir d'un monde tourmenté et inquiétant. Vous prenez de la hauteur, vous maniez des concepts comme la noosphère, l'hyper-individu, l'anthropocène, la créolisation. Vos références vont de Mad Max à Théard de Chardin en passant par Robespierre. Il oui, Mad Max voilà. dans le <laughs> Oui. Oh là là, oh là, là Théard de Chardin. Incroyable. Non, franchement, ça va Attends, être. Je suis pas. Attends. Il a fait comme s'il connaissait. Vous avez vu ça, c'est Sciences Po. Vous avez... Les gens, vous l'avez vu passer. Regardez, faire crari comme si t'es à Sciences Po. Tu dis le nom en mode. Euh, transporté. Non, mais il a une tête comme il a une, si une tête de vieil Il a une tête de vieil Il s'appelle teillard oui. avec un H de Chardin. Hoover. Genre, ça fait une tête d'intello un bizarre, tu vois. C'est comme moi quand je parle de Jacques Ellul, tu vois. Les gens, ils devraient. Euh, en fait, voilà. Donc, Askip, c'est un euh, prêtre jésuite français, chercheur, paléontologue, théologien, théologien pardon, et philosophe. Ah, c'est lui la noosphère! Le Christ cosmique et le point oméga, quoi? Attends, Christ cosmique, c'est pas euh, l'autre, là? Euh... Alors, la théorie de l'évolution de Charles Darwin, la biosphère de Vernatsky et la théodicée chrétienne sont unifiées par Théard de Chardin en une approche holiste. Pour lui, le phénomène humain doit être pensé comme constituant une étape de l'évolution qui conduit au déploiement de la noosphère. Euh, et donc, c'est la sphère de la pensée humaine à laquelle prépare l'avènement de la figure dite du Christ cosmique. ah! ah. C'est Sylvain Durif! Le point oméga représente le pôle de convergence de l'évolution. Le Christ cosmique manifeste l'avènement d'une ère d'harmonisation des consciences fondée sur le principe de coalescence des centres. Ok, d'accord. En fait, lui, il est en mode. Parce que la noosphère, c'est la sphère de, de de la pensée humaine, etc. Et en gros, Mélenchon, il est en mode. Bah, en fait, l'Internet, c'est la noosphère parce qu'en en fait, t'as la pensée qui se met en commun, etc. Et t'as l'accès au savoir, l'accès à la pensée, etc. Bla, bla, bla. Et, et du coup, okay, en gros, Taylor de Chardin, il dit. Internet, en gros, le Christ, le Christ cosmique, c'est la mise en commun de toutes les de toutes les consciences et de toutes les de, de toutes Donc les Internet. pensées et euh, voilà. Donc le vieux a dit Internet, c'est le Christ cosmique, c'est ça son prochain livre. C'est ça. Mais comment on va faire pour dire qu'on n'est pas dans une secte après ça Non, mais après, à ce qu'il qu a expliqué, qu'il prenait terre de Chardin, mais pour utiliser un autre gars qui avait, qui avait parlé de Noosphère et qui n'était pas aussi ch'tarbé que lui. Ah uh -huh, ouais. Ah uh -huh, ouais. On Attends. peut lire des analyses. Non, rien sur la nuit, la mer, l'espace et les réseaux, comme en fait, une description bien. très précise de l'émergence des révolutions citoyennes à, à l'horizon de cette théorie politique. Il y a donc la révolution, et vous assumez, Jean-Luc Mélenchon, ce qui va avec la radicalité et une certaine dureté. C'est une théorie politique tranchante. Ah. <laughs> Ça va. il a fini son truc, c'est une théorie Oh là, il a tremblé oh, à la fin. Arrête, oh non, c'est son c'est déniveur habituel. Vous oui, voyez les insoumis oui, direct. Après moi, il me fait rire. De Demorant... tremble devant non. Mélenchon, elle pâdrait, elle réfait Le ouais, prêtre mais est fait... non, de notre Non, c'est juste, que... juste que très gentiment et très objectivement, il me fait quand même vachement rire de Morand. J'adore comment il parle. Il est un peu, il est un peu clownesque. En fait, il a loupé une une, une carrière de de, de comédien, je trouve. C'est un peu euh, à la... Euh, putain, le mec qui a joué tapis. Ah, euh, euh, oui. Lafitte. Tu vois Oui, un peu à, la, à, la, à la Laurent Lafitte. Ouais, c'est méchant pour Laurent Lafitte, je trouve. Oui, c'est vrai. Ouais, T'es juste dans ta secte du vieux, quoi. Mais bon... <laughs> Écoutez, merci pour la description que vous venez de faire, qui me permet d'éviter de dire que sur 350 pages, il y a beaucoup de sujets. Je propose un cadre global pour penser le, le, le monde présent et regarder le futur. C'est une merci théorie, Jérémie. pas un dogme. Euh, ça veut dire qu'elle va être confrontée aux faits, et que j'espère que euh, des contributions viendront la corriger. C'est certainement le texte le plus avancé sur la description des révolutions citoyennes qui ont lieu dans le monde. Bon, mais nous sommes à un moment fascinant de bascule. À l'instant, Pierraski euh, vient de présenter quelque chose de très juste, qui la bascule de l'ordre géopolitique du monde. Je l'évoque oui. et j'essaye de. Et je fais mieux de l'évoquer puisque je décris une stratégie internationale alternative. Euh, mais surtout, je, je pose la question de éviter à chaque fois comment on éviterait les risques le risque par exemple nous sommes 8 milliards bon alors, alors ça c'est intéressant, ah, intéressant puisque dès les, les premières ouais. lignes effectivement vous avez des accents Malthusiens où vous vous inquiétez euh, du fait que attends ça veut dire quoi des accents Malthusiens en gros Malthus euh, c'était un qui disait en gros un quoi, que c'était quoi Roddy c'était quoi non c'était un anglican c'est pas pareil voilà, c'est un Brit les roast beef c'est pas pareil euh, donc, c'était un, euh, un, oui, un pasteur, ouais. <coughs> euh, et en oh. gros, il disait, euh, en gros, il disait que euh, les gens, ils sont trop nombreux et que les pauvres, ils font trop de gosses. Du coup, faut interdire aux pauvres de faire des gosses. Ah bon Et oui. que les pauvres, mais pourquoi Que les pauvres oui, parce qu'il était en mode, les pauvres, euh, ils sont pauvres euh, par la main de Dieu, donc euh, quitte à ce qu'il y ait moins de gens, autant qu'il y ait moins de pauvres, parce que les riches, ils sont faits pour rester riches, parce qu'ils ont été choisis par Dieu, je crois que c'était un, dé un délire comme ça. Est-ce que vous avez déjà eu une idée qui n'est pas un truc de fils de pute, les protestants Entre le capitalisme, le sionisme, la fin de la reproduction des pauvres, mais chacune de vos idées est une catastrophe en fait. Mais non, mais il y en a quand il dépensait des bien. Genre Jacques Ellul et tout, il avait une pensée euh, euh, écologiste euh, de fou et tout. Oui, euh, genre, Jacques Ellul, ouais, euh... ouais, ouais, bref. On est trop nombreux sur la aussi. planète. Mélenchon. Philippe Mélenchon. Je connais pas Philippe Mélenchon. Mélenchon oui, c'est un des réform... réformateurs protestants. Ouais, d'accord, <laughs> ok, allez, allez. Je me suis même demandé si. Depuis quand le sionisme. Alors, El Namir, on a Alors... eu un cours de Youssef Boussouma lui-même qui nous a dit figurez-vous que euh, les gens qui ont ah, inventé le projet sioniste étaient un protestant brit, j'ai oublié son ouais. nom déjà, et c'est lui qui a soufflé euh, l'idée, notamment William euh, Echler. Enfin, William Echler, écoutez, pas confondre avec William c'est William Echler, un truc comme ça. Euh... Il est pendant 20 ans un ami et conseiller de Theodor Herzl, euh, donc le fondateur du sionisme. Et, voilà. euh, et donc, alors en 1884, il écrit un petit traité intitulé The Restoration of the Jews to Palestine, la restauration des Juifs en Palestine, dans lequel il écrit entre autres Il est tout de devoir de tout chrétien d'aimer les Juifs, et donc au nom de ça, de vouloir qu'ils qu qu retournent tous chez eux, quoi, globalement. Voilà. Euh, contrairement à d'autres, en fait, à l'époque, t'avais des gens qui étaient en mode Bon, les Juifs, bon, euh, mais s'ils se convertissent au christianisme, ça va, ils seront sauvés. Et lui, et, et du coup, ils pourront retourner en, en Palestine pour la parousie. En gros, la parousie, c'est en gros que tous les juifs retournent en Palestine et du coup, c'est le retour du Messie sur Terre, bla. et puis c'est la fin des temps, euh, je sais pas quoi. Euh, du coup, contrairement à d'autres, Echelard ne croit pas que la conversion des juifs au christianisme est une condition sine qua non pour leur retour en Palestine et la parousie. Donc, il est en mode, non, non, ça sert à rien de sauver leur âme, il euh, faut qu'ils restent juifs et qu'ils qu retournent là-bas, quoi. Et en gros, il avait euh, il a, à skip, euh, il démarchait euh, tous les rabbins possibles et imaginables qui lui disaient c'est de la merde ton truc. Et euh, c'est que quand il a rencontré Herzl que du coup Herzl a, a été convaincu. Voilà, donc voilà. tout ça, c'est de la faute des protestants à nouveau, comme tout le reste. On continue. Si, euh, vous, vous en appelez à faire moins d'enfants par exemple Pas du tout, je ne suis nullement malthusien et si vous me lisez, vous vous apercevrez que je dis le contraire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas reprocher aux gens, et je ne le ferai certainement jamais, d'avoir des enfants. Par contre, ce qui est sûr, c'est que la question du fonctionnement du capitalisme met à l'ordre du jour la survie de l'humanité. Parce que en fait, ça, à oui, milliards mais qui non, vont non, être 10 milliards... Que, mal, tu, tu fais peu. Malthus il est en mode euh, pour qu'on pour qu ait de la prospérité faut faire moins de gosses parce qu'on est trop nombreux et lui il est en mode non Pour ait, euh, on fait des gosses c'est normal donc pour ça il faut changer le système quoi. c'est à dire que Malthus il est en mode à système égal il euh, faut faire moins de gosses et Mélenchon il dit mmh. bah non pas à système bah, égal en fait du coup, Malthus il est pour la préservation du système par une politique de natalité qui réduirait les naissances alors que Mélenchon est il est en mode on est baisé on se reproduit comme des lapins on va être trop nombreux go faire bélec et trouver un autre moyen de faire quoi c'est ça, Bas go vivre mieux ou euh, go organiser mieux la société quoi. parce que le capitalisme c'est pas fait pour être nombreux Ouais, ouais. ouais le capitalisme elle, crève de ça comme, Oui dire, et bien sûr les gosses des pauvres Comme quoi, par sûr. exemple sur les questions de la, des migrants climatiques moi j'ai l'impression ouais. qu'aujourd'hui le discours c'est plus de dire comment on va faire pour empêcher qu'il y ait de la migration climatique là on en est à un point où continuer à essayer d'empêcher les conditions euh, du dérèglement bien sûr mais aussi organiser les moyens euh, de survie de l'humanité face à ça et notamment les moyens d'accueil de tous les migrants climatiques qui vont devoir bouger mais même euh, mais ça, de manière ouais. internationale mais même de manière nationale par exemple tu vois genre imaginons il euh, y a une partie des côtes françaises qui se fait envahir par la flotte va falloir trouver un moyen de reloger les gens qui doivent bouger et va falloir trouver un moyen de faire ça pour les gens à l'intérieur du pays comme pour ceux qui viennent d'autres pays euh, etc quoi donc il faudrait mmh. faire les deux en même mais... temps quoi en fait, ce discours euh, démographique et tout, c'est un vieux discours euh, réactionnaire aussi, parce que moi, je me... ce que je te rappelle, au début des années 2000, euh, les bails de. Enfin, euh, euh, de, les, dans dans les, dans, les dans, dans la presse, les magazines, les trucs, on parlait de la bombe démographique africaine. En mmh. mode, bah, parce que tu sais, t'avais Ça recoule encore là-dessus, ouais. là bah oui, ouais. bah voilà. Mais ça, c'est un truc qui date du, du milieu des années 2000, tu vois. En mode, parce que t'avais le truc de. Tu sais, c'est le truc que t'apprends euh, quand, quand t'es en histoire géo au collège. Tu sais, c'est la transition démographique. C'est le truc de. En gros, t'as une première phase où t'as forte mortalité infantile et forte natalité. Donc, du coup, globalement, tu fais pas beaucoup de gosses parce qu'ils qu crèvent tous. Ouais. Ensuite, à un moment où, du coup, la, la mortalité infantile baisse parce qu'il commence à y avoir une augmentation du niveau de vie, mais les gens, ils continuent de faire des gosses. Et puis après, le nombre d'enfants que tu fais, il baisse. Et après, arrives à un, un niveau de naissance basse, etc. Ouais. Et les gens étaient en mode. Euh, il faut. Euh, euh, il faut forcer euh, la clôture de cette euh, de cette transition démographique, euh, genre euh, à, for à marche forcée, parce que sinon, parce que du coup, dans cette transition démographique, tu fais plein de gosses. Genre, t'en as plein qui ne pas et qui continuent de naître. Et du coup, t'avais plein plein d'observateurs, euh, comment dire, euh, néocolonialistes, qui étaient en mode, euh, ok, ils ont commencé à faire la transition démographique, du coup, c'est la bombe démographique. Du coup, faut forcer les femmes à arrêter de faire des gosses, parce que euh, pour ouais. réduire au maximum et pour qu'on arrête ouais, ce truc. Ouais. Et ouais, puis ils pourraient, ils pourraient avoir du pouvoir en plus. Ça veut dire que leur base démographique oui. pourrait faire qu'ils inverseraient le rapport de force avec nous qui les, qui les colonisons. Quoi. Ah, ah. Et voilà ce que je dis. Je dis qu'il a fallu 390 000 ans pour arriver au premier milliard. Ensuite, il a fallu 100 ans. Moi, je suis né dans un monde à 2 milliards et demi. Nous sommes 8 milliards. Je suis la dernière génération, Inchallah, hein, qui verra un double non mais c'est trop là. <laughs> regardez comment il était heureux de le dire. Regardez, c'était trop mignon. Il était trop heureux de le balancer, regardez le vieux. Oui. <laughs> il dit je suis la dernière génération, Inch'Allah. Regardez, il est tout content. <laughs> oui. Non mais aïe, 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 aïe. Oh, C'est le meilleur. Il retourne en, fait, en campagne. 吧，喂，喂，啊？ verra un doublement de la population humaine parce que sinon ça veut dire 16 milliards et 32 milliards. 32 milliards plus le capitalisme, ouais, c'est le suicide. Vous parlez, c'est ce que vous dites, vous dites la prodigieuse augmentation accélérée de la population, doublée au capitalisme triomphant, fait un risque de collapse de la civilisation absolument, humaine. Absolument. Vous craignez cela ah ben, D'ailleurs il est en route le collapse, dans un instant peut-être en parlera-t-on mais On en parler. ce que je veux surtout montrer c'est que l'explosion du nombre des êtres humains nous demande de nous adapter à notre nombre et pas de de, se, de continuer avec le cycle qui est typique du capitalisme, c'est-à-dire accumuler pour produire, produire pour accumuler, etc. Sans fin. Dans ces conditions, ça vous donne des, des situations effroyables, un choc des cycles. Celui que je prends, je prends des exemples pour montrer euh, concrètement ce que veut dire le choc des rythmes. Il vous faut une seconde pour produire un sac en plastique, il vous faut quatre siècles pour le dissoudre. Nous produisons alors même que nous n'avons pas besoin. Prenons un exemple, vos habits, ce dont vous êtes vêtu à cet instant. Oui. Figurez-vous que l'industrie du vêtement produit 30% de vêtements qui ne sont jamais utilisés. Ils sont ensuite directement brûlés. Et tout ça se fait au prix de beaucoup d'eau dépensée, beaucoup de chimie, beaucoup de transport, beaucoup de CO2. Donc, il faut choisir. Euh, ou bien vrai nous vrai. acceptons, on trouve que c'est un suicide joyeux, hein, le capitalisme, ou bien on change le modèle de civilisation. On ne peut pas reprocher aux gens leur nombre. Un nous, nous pouvons livre... nous reprocher d'avoir un mode de vie absurde. C'est un livre aux grandes ambitions. Vous écrivez, il ne s'agit pas ici d'un programme au sens électoral du terme. Non. Ça, c'est l'appui théorique qui va permettre de faire son programme derrière pour quand il va être candidat, ça. C'est ça qu'Assandre en général qui fait. Oui. il fait un livre théorico-théorique in la Attends, synthèse là, il, euh... pour faire campagne t'es sympa de dire qu'il a, qu a un livre tu sais il reste encore 4 ans ah oui donc là il reste encore au moins 2 bouquins il va écrire d'autres hein. et un, en fait là il y avoir 3 bouquins théorico-théoriques in la synthèse pour faire campagne c'est ça je <laughs> sais pas, pas quels sont ses plans mais en tout cas voilà euh, bon, globalement le vieux là il est en période je gratte des bouquins là Ouais, 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 ouais. Il s'agit d'un programme au sens historique du terme et vous revendiquez on veut changer le monde, on oui. ne vous cachera pas que nous les insoumis on veut changer la France et on veut changer le monde. oui euh, grandes ambitions, là Oui, bah, il vaut mieux avoir de grandes ambitions, en tout cas des ambitions à l'échelle du problème posé. Si je disais aux, aux gens qui m'écoutent, écoutez, on va tout changer en France, et puis après, après quoi Tout le monde a parfaitement compris que le changement climatique est un phénomène qui concerne toute la planète, que ce qu'évoquait euh, à l'instant, que vous évoquiez à l'instant, c'est-à-dire la fin de la civilisation humaine... Euh, Comment ça se passerait un phénomène pareil ben C'est par dislocation progressive. Prenons un exemple, pour un, pour un parmi des milliers que je pourrais citer. L'Australie décide de vendre son eau à une compagnie canadienne, éclate des incendies, la compagnie dit nous on ne donne pas de l'eau pour la balancer comme ça, on la vend. Hein. Et que se passe-t-il Il brûle une surface équivalente à celle de la Belgique. Ça c'est du collapse. Que se passe-t-il si ça se passe en France Ce qui est basé c'est qu'ils ne donne que des exemples du marché aussi. C'est ouais. ça qui est bien, ce qui permet de revenir au problème qui est euh, dans la merde qu'on est. Si en plus on reste avec un système de marché ultra capitaliste, ça va nous baiser. Mm -hmm. Parce que quand on va y avoir les problèmes qu'on a créés, genre ok déjà il y a les problèmes qu'on a créés auxquels on va devoir faire face. Et le pire moyen de faire face au dérèglement climatique, c'est d'être des capitalistes. C'est ça. c'est est, c est ça en mode, c'est pas nous qui sommes inadaptés, c'est le capitalisme qui est inadapté à nous. C'est ça. et Qui est inadapté, c'est que il y a la merde qu'il a créée. Bon, faisons un mmh. constat. Euh, Peut-être et... on va être obligé d'encaisser euh, ces trucs-là, mais il va falloir les encaisser de notre matière. Quoi. Et, et c'est là que c'est un bon retournement, c'est <laughs> quand il parle du coup d'effondrement de la civilisation, euh, on voit très bien qu'il n'en parle pas de façon droitarde, en mode la civilisation judéo-chrétienne de mes couilles, tu vois. C'est on voit qu'il en parle au sens de, enfin euh, voilà quoi. Ouais, ouais. Bien, vous avez des centaines de kilomètres de voies électriques qui sont abattues, de voies ferrées, et donc vous n'avez plus le moyen de communiquer. Vous dites qu'il faut une rupture. Il oui, oui. Oui, allez-y. Il y a une catastrophe, un incendie. Ah ben, on se dit, formidable, on a un système d'alerte géant. Sauf que tous les poteaux sont tombés, impossible de communiquer. Que font les gens Ils se jettent à la mer. Mais pour ça, vous, vous, vous prenez une rupture Total, ça, un toi, un toi, radicalisme toi. total, un changement de logiciel total, cette rupture avec le capitalisme, clairement, que vous appelez dans ce livre, et avec le productivisme, vous fait-elle assumer, Jean-Luc Mélenchon, une décroissance totale Est-ce que vous nous dites ce matin, il faut changer à ce point que d'être totalement et assumer une décroissance totale je, je dans la consommation, non, dans tout. Pour faire comprendre ma démarche, euh, ça n'est pas celle du 19e et du 20e siècle à laquelle j'ai adhéré. C'est-à-dire, un jour, vous avez la révolution, là, à l'époque, ça a été socialiste, et puis le lendemain, commence un nouveau régime, un nouveau mode de vie. Ce n'est pas possible. Nous sommes obligés de trouver à la fois la rupture et... La gestion de cette rupture. C'est pourquoi le premier, j'ai introduit dans le vocabulaire politique en France la planification écologique, mmh. pour dire on va faire non pas une transition mais une bifurcation. Bah, Emmanuel Macron, vous assurez, oui. il, euh, il, a, il, il a présenté a sa, mot, grande, mais... <laughs> oui, oui. Bah, sa grande transition écologique. Vous oui, en avez pensé oui. quoi de cette planification bah, ouais. Je pense qu'il n'a pas bien compris le mot, il l'a pris mais il n'a pas compris. Ah. La, 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 la planification écologique, ce n'est pas de la gestion prévisionnelle des entreprises, c'est un changement dans les modes de production et dans les modes d'échange. Donc, ce dont je, si je devais être très honnête avec ce que je dis, je prône plutôt en quelque sorte ce que j'appellerais un réformisme radical. Parce que vous ne pouvez pas, par exemple, passer du nucléaire à pas de nucléaire en appuyant sur un bouton. Il vous faut 10 ans, il vous faut 15 ans... Ah oh. 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 Oh, déjà, ça parle d'écologie, ça me fatigue. Mais bah... Ben c'est important l'écologie. Oui, non, mais si c'est important l'écologie, on a compris la transformation du système, des moyens de production. Mais le nucléaire, c'est bien quand même pour avoir internet et l'électricité. Bah oui, mais comme c'est une longue transition, ah. on va vite se rendre compte que ce qu'on met en place en renouvelable, ça suffit pas et qu'il faut se garder un peu de nucléaire sous le coude. Ah toi t'es donc toi t'es pro nucléaire par nécessité. Toi t'es en mode oui dites pour d'être anti-nucléaire. Non moi Là, je en dis en vrai on va rester dans le nucléaire vous dis, inquiétez pas. Je dis que si la nécessité appelle le nucléaire dans ce cas euh, à la nécessité euh, nous serons obligés de nous plier puisque c'est le principe de la planification quoi. Mmh, ça m'appelle pas pas clair ton histoire. C'est la meilleure posture pour le moment. Ouais mais t'as dit posture ça veut dire que c'est une posture. Mais je veux la fibre. Cassandre qui s'arrange comme un militant porte-à-porte -porte quand elle suit pas la ligne. Bah. Si y a un tremblement de terre sous une centrale, on crève tous. Oh mais arrête. Y a des non, c'est pas tant le tremblement de terre sous une centrale, etc. Parce que c'est très peu sismique, hein, la France. Euh, mais c'est plutôt ah. le, 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 le réchauffement des, euh, des cours d'eau. Euh, C'est-à-dire qu'en en fait l'eau elle est utilisée pour refroidir les, les, les circuits en fait euh, et pour, euh, pour comme truc de refroidissement dans des centrales quoi. Le problème c'est que si l'eau est trop chaude tu refroidis rien. Et en fait l'angoisse c'est que euh, si l'eau qui coule dans les dans, dans les cours d'eau et les fleuves devient trop chaude à cause du réchauffement climatique, on risque d'avoir plus de mal à refroidir les centrales attends, attends, et là pour attends. le coup c'était dans la merde. On peut pas mettre des glaçons Il <laughs> oui, faut, faut de l'électricité pour faire. Je sais, on peut pas me faire un bain d'azote liquide Autour de la centrale Alors c'est trop froid pour le coup. Et ben on met de l'azote liquide chaud. Non, mais... On met de l'azote liquide moins froid. Mais c'est pas de l'azote liquide alors Et on met de l'azote liquide, on met de l'eau, on met le noyau nucléaire, on le met dans un bac d'eau et on met de l'azote liquide autour du bac d'eau qui refroidit l'eau. Mais ça arrive au même truc de comment tu crées l'azote liquide sans électricité Mais il ben, y a la centrale ah oui, mais du coup, ça veut dire avec la centrale, tu produis l'énergie pour... Comment tu refroidis l'énergie que tu utilises pour produire... Je... Eh ben, je sais. On met euh, des éoliennes pour fabriquer l'électricité, pour fabriquer les glaçons pour la centrale pour le reste de la France. Mais si les éoliennes, elles fonctionnent. Du coup, pourquoi pas l'utiliser pour autre chose Parce que faire des glaçons, c'est moins compliqué que faire un pays entier. Bah, je pense qu'il y a moins besoin d'électricité pour les glaçons de la centrale que pour le reste du monde. Alors ah, c'est gros une centrale quand même. Hein. C'est la prise électrique branchée sur elle-même. Oui, RAS, il, il branche des, des prises, euh, il branche des prises sur elle-même en pensant que ça va faire. Raz a trouvé hein. les glitch, énergie infinie. Mais les gens, moi je suis sûr que notre rôle, il y a peut-être un moyen qu'on connaît pas de entretenir une centrale grâce à de l'électricité verte. C'est pas loin d'être ça les prévisions de mix énergétique. Je suis sûr que ça va être des trucs comme je dis un peu. J'en suis persuadé que pour garantir la sécurité du système nucléaire, s'il faut de l'électricité pour le faire, bah on produit de l'électricité pour produire du nucléaire. Et comme ça, on est dans un cercle vertueux. Ah, ah ouais. Ça bon, à la suite ou... Pff, non mais vas-y, vous, vous voulez pas être... En fait, vous voulez pas être imaginatif. Y a, en tout cas, il a quelqu'un qui a dit qu'on faisait ça. Voilà. pour mettre en place un nouveau mode de production d'énergie, car nous aurons besoin d'énergie... Ah, vous avez changé d'avis sur le nucléaire. Je suis pour l'arrêter. Oui, mais vous, vous disiez on le fera en une décennie, pendant la campagne présidentielle en 2030, oui, on fera bah, sortir du décennie. L'image que je voulais mettre en avant, mmh. c'est que ce n'est pas en appuyant sur un bouton, ni une nuit en faisant un oui, coup d'État, ouais. comme dans une révolution, qu'on va changer ça. Il nous faut dix ans. Moi, je pense que si nous le voulons, nous pouvons aller très vite. J'ai toujours dit où était la source d'énergie la plus importante, je ne vais pas trouver tout seul, hein. c'est celle qui vient des mouvements spontanés de la mer, il y a 360 fois ce dont on a besoin à terre. Donc... Les Français, c'est rien du tout pour eux de fabriquer ces machines. Ça prendra du temps. Il faut arrêter les, les centrales. Il faut les démonter. On a besoin du personnel qui est dedans pour nous expliquer comment faire tout ça. Bon, bref, voilà tout ça pour oui, vous bon dire, Madame. N'imaginez pas la passe, la révolution à citoy... les petites machines à clapot. C'est quoi les, les clapots C'est quoi les clapots bah, C'est les C'est des, cla des clapots dans l'eau qui font comme ça. Et parce que les marées, elles bougent. Et du coup, ça fait bouger les clapots, quoi. Je crois. Je sais pas. Et les clapots, ça fait de l'électricité Oui. Et on peut tous clapoter assez pour la France là. Ouais bah il dit 360 fois plus qu'on les... que... Qu a besoin. Attends, on a 300. Des clapots, on en a autant là Non, on a de quoi faire clapoter 360 fois plus qu'on a besoin. Bah pourquoi on fait pas les clapots alors Bah c'est ce qu'il dit, il dit faut faire les clapots. Il dit globalement faut clapoter dans la mer. Et comme ça on a suffisamment de trucs. Ça a l'air bien les clapots. Bah, c'est stylé avec la peau, hein. Et donc en gros, en gros, on met des tuyaux dans la flotte, l'eau elle passe ouais. dedans et ça fait faire. Ah, des clapots Non, non, c'est tu, 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 mets des trucs et en fait comme les, comme les marées elles bougent, bah du coup ça fait bouger des trucs et en fait du coup c'est relié à un truc qui fait de l'énergie et comme ça bouge un peu et ça bouge beaucoup, etc. Et du coup ça fait, euh, ça fait de l'énergie quand ça fait bouger la mer et comme la mer elle bouge tout le temps parce qu'en fait la mer, elle bouge parce que c'est la lune. C'est la lune qui fait les marées. Donc la lune, elle est va pas mourir. C'est pas une Urbaine, ça. Non c'est vrai ah, okay. Et donc oui. La lune elle fait les marées Et du coup comme la lune t'en as pour toujours euh, Et en plus t'es sûr que c'est très régulier La lune euh, Bah du coup euh, voilà quoi Tu fais des clapots et c'est parfait C'est impossible en termes d'ordre de grandeur Qu'est-ce qui est -ce qu impossible de clapoter Ou de clapoter 360 fois De clapoter apparemment La fille s'est fait scam par un start peur Y a moyen que ça soit un scam du clapot hein On est sûr attends. de notre histoire de clapot là Attends attends Énergie marée motrice euh, bla, bla bla, Principe, principe, phénomène de marée Blablabla bla bla. Attends t'as trouvé les clapots Mout C'est ça les clapots Bah attends mais c'est hyper moche On va mettre ça où Partout sur On les côtes même. Bah à certains endroits des côtes ouais T'es pas obligé de le faire sur toutes les côtes non plus, vous aussi pouvoir pêcher. Attends En fait, ça fait comme ça, et comme les, les, les vagues elles bougent, du coup ça fait bouger des trucs et ça crée de l'énergie. Ah je crois. Alors les sites adaptés au captage de l'énergie marémotrice, motrice, euh, c'est la baie du Mont Saint-Michel. Euh, quoi La baie de Vous Chardy. voulez mettre ça dans la baie du Mont-Saint-Michel <laughs> Mais non mais à... quoi mais pas tout en haut, pas derrière le, le Mont-Saint-Michel. Mais c'est euh... dingue Mais il bah, y a f... beaucoup de... <laughs> Mais quoi bah, <laughs> Parce qu'on sent dans des régions où, du fait notamment des conditions hydrodynamiques, l'amplitude de l'onde de marée euh, est amplifiée. C'est notamment le cas en France, à la baie du Mont-Saint-Michel, près de laquelle se trouve l'usine de la Rance, Rance ouais, est estuaire de la Rance, baie de Saint-Malo, et au Canada, dans la baie de Fundy, où le marnage déba... dépasse 10 mètres, ce qui génère des courants de marée intenses pouvant dépasser 5 nœuds, soit près de 10 km heure. Après, faut le faire de façon à ce que ça nique pas les équilibres de la mer dans le coin, tu vois. Mais il y a des endroits, quoi. On a, on a plein de trucs, quoi. Et les équilibres de la beauté de la baie du Mont-Saint-Michel, tu as pensé à mettre ton godmiché géant, là Oui, mais ça va être derrière, tu vas pas le voir. cest à que tu vas pas le mettre à l'endroit où les touristes ils se baladent. Bah, on fait tout le tour. en balade. Mais t'as. Attends. Ah non, tu vas pas fact-checker ça quand même. Il y a déjà. Il y a déjà une usine sur la baie du Mont-Saint-Michel. Il y a déjà une usine marémotrice là-bas. Ah ouais. U usine marémotrice de l'Arance, ouais. Ah ouais. Ça Attends, à je, te l Attends je te l'envoie. Attends, je l'envoie. Mets dans le chat. Je te dans le chat. Hop. C'est ça. C'est juste ça, quoi. Ça ressemble à un barrage, quoi. C'est le pont là. Ouais. Ouais, c'est le pont. ouais. Le barrage sert également de pont aussi ouais. entre Saint-Malo et Saint-Michel. Là, on le voit même pas. Pas bah, le côté, la baie du, du Mont-Saint-Michel Mont c'est pas que le Mont-Saint-Michel c'est grand la baie du Mont-Saint-Michel Ah ouais t'as raison Bon oh, ça va alors en fait Ça va on peut mettre les petites bites dans la mer On peut mettre les clapots <laughs> Ça va, on peut continuer c'est un, un, un principe où, en une nuit, on change de monde. Mais ça veut dire le pouvoir citoyen par-dessus tout. Et nous, les Français, on est vraiment très mal partis, avec euh, à nouveau des 49-3. On est le seul pays au monde où on vote deux ans de plus de travail sans voter. Euh, là, c'est les budgets, un derrière l'autre. Je vous signale qu'on a fait plusieurs révolutions dans notre histoire à cause de cette histoire de vote de budget, notamment la révolution de 89. Le droit de veto du roi à l'époque, ça ne s'appliquait pas au budget. C'est pour vous dire que nous sommes très mal partis, nous, les Français, euh, dans cette perspective de l'intervention populaire sur tous les sujets les plus brûlants. Jean-Luc Mélenchon, dans cette théorie politique, vous assumez que la politique précisément est affaire de bien et de mal. Le bien euh, serait la transition écologique et sociale, le mal la production et la ah. finance. Ça, ça va énerver des gens, ça. Ça va énerver des gens, mais en même temps, c'est oui, c'est parce... un truc qui disait récemment là aussi le truc de c'est une affaire de morale. Ouais, c'est marrant bah... qu'ils partent là-dedans maintenant. Bah, en fait, c'est pour revenir à euh, à la question du choix politique. En gros, le fait de dire, c'est pas en mode. Euh, euh, ouais, en mode genre, l'origine de la politique, c'est de la morale. C'est de savoir qu'est-ce qu'il faut pour la société. Au fond, le capitalisme, c'est un choix ouais. de société. Et c'est un choix qui, qui se base sur des fondements moraux de qu'est-ce qui, qu qui est mieux de garder, qu'est-ce qui est mieux de jeter. Ah, je connais le bien commun. <laughs> le ouais. bien fait pour tous. Et les bienfaits, Ouais, c'est ça. Je connais. Mais donc voilà, donc à la base de tout ça, c'est une question de morale de globalement, est-ce que la vie humaine est jetable ou pas Je sens qu'il dégauchise, c'est bizarre. Mais justement, il dégauchise pour mieux faire comprendre. En gros, ce qu'il fait dans son bouquin, c'est il vulgarise énormément euh, les basiques. Quoi. Il vulgarise Marx, hein, globalement. Il vulgarise de pourquoi le capitalisme, c'est pas bien. Ah, Donc, puis quand il rentre en campagne, en les gens aussi, ils se dégauchisent aussi pour être plus universel oui. au niveau du discours. Parce qu'en fait, si tu dis le capitalisme, le capitalisme, etc., ça parle pas forcément à tout le monde. Donc en fait, il faut revenir à l'origine de pourquoi c'est pas bien. De pourquoi toute ah, façon, il va expliquer. Oui, le bon, pour il va, pour voilà. moi, on est d'accord que c'est une preuve de l'entrée lente en campagne du vieux. C'est qu'il est déjà en train de préparer sa campagne de 2027 à trouver des termes et des angles d'attaque qui ne sont pas terminali dialecte gauchiste. Non, mais parce qu'il Quelqu peut quelqu'un d'autre aussi, peut-être. Il donne aussi des clés oui, pour oui, éventuellement oui, la oui, personne oui, qui oui, le succédera oui, oui, à la oui, candidature. Oui oui oui, oui. Oui, 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 oui. Allez, allez. Bien et mal, qui sont des, des concepts moraux, sont-ils pertinents dans le champ politique Est-ce qu'on se bat pour le bien contre le mal en politique Ou est-ce qu'on n'entre pas là quasiment dans le champ religieux euh, La morale, c est c est pas religieux. un sujet que religieux. Bah oui, c'est une affaire de philosophie ouais, aussi, la oui. morale. Moi, je, je n'ai bien... pas la religion qui s'inquiète de la morale. Je veux bien qu'on questionne la pertinence de la morale. Euh, est-ce qu'il ne faut pas s'en méfier Mais dire que c'est que religieux, bon. Ça saurait quoi, oui. Oui. Mon cher, on peut ne pas avoir de foi. Oui, puis c'est un peu une re... Les gens ils disent de la vertu dans le chat. C'est vrai que c'est très Robespierriste. Oui, bien sûr, de la vertu. C'est ça. Qu'est-ce qu'il a est pas ici. Oui, oh, tiens, pas ton Robespierre de poche, c'est bon. Hein. Ça va. Hein. Mais c'est vachement bien de la vertu comme trop... petit essai. Oui, 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 oui. Strict. Mais vous avez raison de, de pointer ce point, ça m'enchante de voir que euh, vous le pointez parce que je me disais jamais on va pouvoir parler de ça. Eh ben voilà. Oui la morale a à voir avec la politique bien sûr, mais pas la morale simplement au sens euh, euh, traditionnel, bon il faut être honnête, bon je suis honnête euh, et ainsi de suite. Non c'est pas, oui, pas, pas au comme sens de la morale individuelle. Que pendant que j'écrivais le livre, j'ai eu une discussion avec Bompard qui était en train de lire, sur le conseil de quelqu'un d'autre, un bouquin de Léon Trotsky qui s'appelle Leur morale et la nôtre. Et je lui ai dit écoute, moi je ne suis pas d'accord avec ce livre, je ne suis pas d'accord avec l'idée que la fin justifie les moyens. Et je l'ai invité à lire ce que j'ai moi-même fait, un livre qui n'existe plus aujourd'hui, de Colette Audry qui s'appelle Les militants et leur morale. Pourquoi Ça veut dire une chose la morale fait partie des raisons de notre engagement. C'est-à-dire, la plupart d'entre nous sont plus attachés au sentiment de la dignité, à l'idée de la liberté, au, à l'impératif absolu de la fraternité qui fait qu'on ne va pas supporter de laisser se noyer des migrants. Euh, et ce sont des raisons de notre engagement politique. Ne nous le cache pas. En fait, j'ai l'impression qu'il s'est dit, on a un problème avec le cynisme en politique, on ouais. a un problème avec les gens presque, tu vois, ce truc un peu de presque zététicien ce rapport zététicien cynique à la politique presque un rapport objectif mathématique au truc mmh. et qu'il a envie de faire rentrer euh, pour au service de sa pensée humaniste de faire revenir les conditions d'expliquer de, l'humanisme aux gens quoi c'est ça le en fait le, le bail de Colette Audry là qu'il a cité les militants et leur morale euh, là j'ai trouvé une recension euh, du bouquin euh, ils disent, euh, donc voilà, militante socialiste, forcément, fortement apprêtée d'humanisme laïque et kantien, pense pouvoir trouver une troisième voie entre l'idéalisme abstrait du juste aux mains pures, désarmé devant l'adversaire de classe, fréquent dans les partis social-démocrates, et la fidélité allant jusqu'au sacrifice du militant stalinien pour son parti. Il est en mode, entre la mollesse des sosdems et euh, le sacrifice euh, guerrier des Stal. Euh, une troisième voie, donc dans cette voie morale et politique sont indissolublement liés et le souci éthique doit être présent au cœur de tous ceux qui font de la politique car la politique aujourd'hui le lieu de la morale et le socialisme dont se réclame euh, Audrey, un parti de moralisation de la politique ok donc c'est un truc, voilà, donc c'est euh, selon mode de Morin, la forme vivante incarnée peut concilier les existences de la justice pour soi et les contraintes de la lutte avec les autres pour la justice sociale mais en gros c'est en mode euh, c'est en gros une voie entre deux quoi une mmh. voie éthique entre eux, voilà. Intéressant. Ok, intéressant. Alors, oui, j'estime que le bien, c'est l'entraide. Je ne dis pas la solidarité. Dans la solidarité, comme m'a dit euh, euh, un ami très cher, à Marseille, Kamel, il m'a dit, tu comprends, dans la solidarité, il y en a toujours un qui tend la main. Dans l'entraide, c'est les deux qui cèdent. On est à égalité dans l'entraide, pas dans la solidarité. Ouais. Alors oui, la société de l'entraide, c'est le bien. La société qui dit, soyez milliardaires, c'est-à-dire appauvrissez les Ça, autres, est immorale. C'est le mal. 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 Jean-Luc Mélenchon, vous voyez la révolution revenir en France autour Ok, 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 intéressant, okay. Mmh. On ouais. va voir comment il déroule son truc. De trois épisodes récents, les Gilets jaunes, la contestation contre la réforme des retraites, mais aussi les émeutes de juin dernier. Vous écrivez qu'il s'agit dans ces trois moments de la plus forte déflagration de révolte urbaine depuis la libération du pays face aux nazis allemands et à leurs collaborateurs français. Le <laughs> vieux, <laughs> il me fait trop rire. Seulement ça. <rire> Rien que ça, hein. juste. juste. Est-ce à dire que les émeutes de juin dernier pour vous sont comparables à la libération de 1944 face aux nazis C'est Bien sûr que non, madame Salamé. je Oui, mais bien sûr. C'est pas encore de l'intensité. Euh, pas de la situation. Euh, nous ne sommes pas occupés, encore heureux. Et puis, dans ces révoltes urbaines, euh, il y a des aspects de confusion euh, qui n'étaient pas présents au moment de, de, des batailles de la libération. Non, ce, ce dont je parle, c'est de l'intensité. Et oui, on est, alors, c'est là que je, je voudrais qu'on distingue le processus révolution citoyenne de l'ancienne imagerie euh, des, des, des révolutions dites socialistes, qui était soudaine, d'un seul coup, avec toute une imagerie qui s'y attachait, qui souvent n'était pas juste. Citoyenne, c'est un processus dont l'acteur est le peuple, mmh. c'est-à-dire tous les gens qui ne peuvent vivre autrement que par l'accès au réseau collectif, l'eau, l'électricité, etc. Ce qui est nouveau dans l'histoire de l'humanité. Et c'est là que lui il met à jour son truc et que euh, est il ça. est sorti du côté bandeur de la révolution armée, etc. Parce qu'il s'est dit, ça a trop changé. Le monde, il a mmh. trop changé et en fait, euh, faut, faut repartir de ce dont on dépend. Et c'est pour ça aussi son truc de la pensée des réseaux de l'accès aux réseaux etc et de du coup garantir les réseaux d'eau, d'électricité de machin malgré le dérèglement climatique c'est logique etc, genre mmh. c'est vrai que es obligé de reconnaître que sa pensée est fait système sur le sujet. Quoi. Mais ça c'était, je me rappelle c'était beaucoup pendant les gilets jaunes euh, qu'il en parlait, alors je sais pas s'il avait déjà l'intuition des réseaux avant les gilets jaunes, il me semble que oui quand même, il en avait parlé dans d'autres bouquins je crois mais pendant les gilets jaunes il était en mode, bah oui c'est vrai que si tu prends une lecture euh, marxiste, classique, en mode j'ai lu mon truc sur les bourgeois et les prolétaires, tu regardes les gilets jaunes, ça rentre pas dans tes cases. Parce que bah oui, t'as qu à la fois des artisans, artisans, des commerçants, trucs, des ouais, petits ouais. patrons, des trucs comme ça et tout, et il est en mode du coup... Et en même temps, on ne peut pas non plus taxer euh, les gilets jaunes euh, d'un truc réactionnaire, anti-écolo, etc. Une oh, révolution petite ouais. bourgeoise, ça sera encore plus difficile. Oh, autre révolution petite bourgeoise, etc. Ouais. Euh, ouais, déjà, en fait, déjà dans l'ère du peuple, il en parlait, mais je me rappelle quand les, les gilets jaunes, il avait un peu plus creusé le truc, parce qu'il était en mode, Bah en fait, ça fait d'autant plus sens si on regarde en fait qu'ils sont unis par leur dépendance au réseau, et donc que c'est encore d'autant plus efficace pour comprendre les mouvements sociaux, euh, d'abandonner euh, hein, ces trucs bourgeois-prolétaires, etc. Parce que ce plus depuis l'usine, ce plus depuis les... C'est plus depuis les grèves que se font les mouvements sociaux, c'est depuis les ruptures avec les réseaux, etc. Et c'était son analyse sur les Gilets jaunes. Il était en mode, bah tiens, ça c'est un truc qui me donne raison et qui, euh, qui donne raison à mon intuition sur les réseaux. Quoi. Mmh, mmh. Oui, il y avait aussi euh, le mouvement des places en Tunisie aussi, il en avait parlé. Puis il y avait, euh, enfin, il y avait pas mal de trucs dont il avait parlé aussi euh, là-dessus. Je crois qu'il en reparle justement dans ce bouquin et fait un point sur ce qu'il appelle les révolutions citoyennes et ouais. la nouvelle forme euh, que prennent euh, les moments révolutionnaires euh, qui se sont transformés en fait. Ouais, je crois qu'il parle du Irak aussi en Algérie. Enfin, il parle mmh. de plein de trucs. Et si les gilets jaunes et de rouge-brun, ça dure encore. Oui, mais c'est ce que je dis, c'est qu'on ne peut pas. C'est une connerie de dire ça. C'est débile. Surtout déjà dire les gilets jaunes, ils pensent ça, c'est 2B déjà. Oui. Parce que tu as autant des anti que des militants insoumis, euh, que des gens euh, juste en colère contre Macron. Enfin, genre. Euh, et euh, j'ai cité trois trucs possibles sur euh, 10 000 en fait. Mmh. Mais bref, la flemme de faire un débat gilets jaunes. Mais si on prend les émeutes, pardon, parce que vous le citez Je comme pas exemple... De urbaine, si, euh, non, bon. mais parce que, parce que pour vous, c'est un exemple d'un pas vers cette révolution citoyenne à laquelle vous appelez. Quand on voit que les émeutes, c'est 5000, celle de juin, 5000 véhicules incendiés en 5 jours, 250 accès, compris, attaques de commissariats de gendarmerie, okay, plus de 700 blessés parmi bien les policiers, bien. 650 millions d'euros de dégâts, est-ce vraiment le modèle à suivre allez, allez j'aimerais bien voir voilà. les blessés. Bref, bon. On ne va pas repartir dans ce débat. Bref, oui. On vas parler du coup de, de, de Marseille et du pillage en fonction des quartiers, ça m'intéresse. Ah, Parce qu'il en avait parlé un le, petit le peu, moment, il était en mode, ouais. on a observé en gros, il était en mode, on a observé sur Marseille qu'est-ce qui était pillé en fonction de chaque quartier. Il était en mode, bah, dans les quartiers euh, plus au nord, etc. C'était les épiceries, les tabacs, tout ce qui euh, contenait de la petite monnaie, des trucs comme ça, euh, et, de la, et de, la, de la bouffe surtout. c'est beaucoup la bouffe qui était pillée dans le nord et dans le centre-ville. C'était beaucoup, euh, bah, encore une fois, euh, les tabacs, etc. Donc partout il y avait de la thune, euh, donc dans les caisses et tout, et euh, l'électronique qui se revend, etc. Et il était en mode, bah, c'est la preuve que c'est un, un rapport de subsistance, un rapport de classe là-dedans. Mm -hmm. C'est assez marrant. Le modèle que vous prenez pour arriver à cette révolution citoyenne. Je ne sais pas pourquoi vous avez fait cette liste et pourquoi vous me la jetez à la figure, Madame. Mais non, Sallamé. mais parce que vous parlez non, des émeutes vous de vous juin, êtes assez intelligente pour savoir que ce que vous dites n'a pas de sens. Ce n'est pas ce que j'écris. Vous ne m'avez pas lu. Bah si. Alors là, pour le coup, on l'a lu de la alors, première à la dernière. Alors, alors mon alors là... livre explique moi quel est le chemin que je propose. Je sais que ces phénomènes sont à l'œuvre. Je propose un chemin, la démocratie. Vous pouvez ne pas me croire, mais c'est ma méthode. Notamment lorsque je parle de révolution, je parle de changer les institutions politiques par une assemblée constituante. Vous avez raison, mais vous Donc, citez les émeutes comme un fait important je, vers so cette révolution. Laissez-moi vous répondre, madame oui, Salamé. Vous... Arrêtez de vous crisper comme ça sur oh non, tous les sujets. Crisper. Dans les, les phénomènes que je mets en, en exergue, je montre comment des choses annoncent ou s'intègrent au processus de révolution citoyenne. Par... En fait, c'est ça qui est dit c'est que Mélenchon. Déjà, il est suspecté euh, de vouloir être séparatiste avec la République, de vouloir faire la Révolution, ouais. donc d'être un peu un révolutionnaire, le couteau entre les dents. Et déjà, il est comme ça. Et en plus, faudrait il faudrait qu'il brise tous les liens avec les mouvements sociaux qui ne seraient pas purement démocratiques, abassés mmh. par les urnes, mais euh, des gilets jaunes, de la manif contre la retraite, euh, jusqu'aux euh, jusqu émeutes euh, dans les banlieues. Faudrait il faudrait mmh. qu'il se dé-solidarise de tout ça pour bien prouver qu'il n'est que dans le jeu électoral et démocratique alors que c'est complètement con c'est pas c'est pas contradictoire d'analyser un moment comme aussi un moment euh, d'une expression d'une colère de classe d'une colère populaire d'une colère sociale d'un somme de pas avoir de la thune, et de dire que l'expression que tu vois dans un événement comme par exemple les émeutes des banlieues d'y voir euh, un symptôme de ce que tu essayes de régler par ce que tu proposes. Ah oui. Et en fait, elle, rien que constater euh, ce que veut dire une, une, les émeutes des banlieues, c'est déjà beaucoup trop. La seule position oui. logique, c'est de dire, non, je condamne. oui Et elle, dire... lui a, ça, elle lui refait un truc de vous condamner, quoi. C'est ça. Genre, c'est pas possible parce que lui, en plus, il est pas en mode, euh, faut, faut généraliser les émeutes pour prendre le pouvoir. C'est pas son mmh. discours. Son discours, c'est de dire, ça veut dire quelque chose, quoi. C'est déjà trop. C'est un truc ouais. de fou. Hein. Par exemple, j'ai fait l'étude certainement, c'est unique dans l'histoire de la gauche. Personne n'a jamais décrit le déroulement d'une révolution, des révolutions. J'ai étudié dans plus de 20 pays les processus de révolution citoyenne et j'ai observé toutes les caractéristiques communes que je raconte. Eh bien, Madame Salamé, dans les choses que j'annonce, je dis le suicide est souvent une forme qui anticipe oh. un événement politique. Et vous avez de raison, la est... vu sur les révolutions Et j'ai pris l'exemple notamment du Liban. Euh, évidemment, la, la Tunisie, parce qu'il euh, y a eu un suicide spectaculaire, mais il était visible, mais il n'était pas le seul. Et au Liban, mes amis m'ont dit Mais il y a un truc que tu n'as pas vu, c'est qu'avant qu'aient lieu les grands événements qui ont eu lieu, il y a eu une vague de suicides dans la classe moyenne, notamment les enseignants et tout, parce que les gens ne savaient oh, plus comment se sortir de l'impasse dans laquelle ils étaient. Ça ne veut pas dire que je souhaite le suicide, tout le contraire. De la même manière, je ne souhaite pas qu'il y ait des mouvements d'action aveugles, je souhaite au contraire qu'ils soient disciplinés, organisés. C'est la raison pour laquelle Laquelle, par exemple, récemment, vous m'avez vu dire que je n'étais pas d'accord avec M. Roussel quand il disait qu'il fallait envahir les préfectures. Je ne suis pas d'accord pour qu'on lance comme ça des actions sans se demander où on va ni ce qu'on va faire. Il faut être économe de l'énergie des autres. Il faut être économe de leur implication dans la lutte. Par conséquent, la révolution citoyenne est un processus que ni vous ni moi ne pouvons arrêter. C'est un processus de volonté de contrôle des gens sur leur existence quand ils ont l'impression qu'elle leur échappe. Sur la révolution T'as rien à dire, là l'insoumis, là. Quoi, moi bah, Je ton patron, un peu, je sais pas. T'as euh, même pas écouté. Je, je peux que boire paroles, euh, je... je T'as même pas écouté, t'étais sur ton téléphone comme un élève dissipé. Non, j'ai écouté. Non, j'ai tout écouté il a dit que, euh, en gros, euh, avant les révolutions, il y a des vagues de suicides dans la classe moyenne, parce que globalement, les révolutions citoyennes, ça arrive quand les gens ils sont, ils sont hyper désespérés, et du coup, le suicide, ça rentre là-dedans, parce que du coup, ils sont désespérés par rapport à leur vie. Mais c'est que c'est jamais un moment souhaitable, mais c'est toujours un moment où euh, tu veux reprendre euh, la souveraineté euh, sur, ta, sur ta vie, parce que euh, sinon, tu sens que tu sais qu'elle t'échappe, et tu sais plus comment faire, quoi. Et donc, là-dedans, le suicide rentre là-dedans, et du coup, ça fait partie des indicateurs. Okay. Quoi tu vois, j'ai écouté. On dirait Camus désespoir égale suicide ou révolte. Ah, il y a moyen, c'est un Camusien à ah. le l'œil hein. Donc il y a moyen aussi que Camus... Euh, mais ça, c'est le genre de truc qu'on verra dans son livre aussi, je pense. que. Parce que c'est un bandeur de Camus, hein, donc... Euh, ouais. C'est un stoïcien, il a dit, surtout. Oui. Ouais citoyenne et son acteur principal, le peuple, vous écrivez, conflit entre le peuple et l'oligarchie. C'est nous face ah à oui, eux, ça, le peuple dominé face à l'oligarchie dominante, car le peuple se forme en s'opposant à l'oligarchie comme hier l'esclave au maître le sert au seigneur. Il n'y a rien entre les deux, Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui, hein, je parle bien d'aujourd'hui, pas de vote, pas de parlement, pas d'institution, oh pas d'élection, la présidentielle, ah. les législatives, les mais oui, mais législatives. Pas... Euh, que euh, quand, il, quand il parlait du prolétariat et de la bourgeoisie il en parlait comme les deux classes motrices de l'histoire mais Marx ne disait pas qu'il n'y avait que deux classes il disait aussi qu'il y avait euh, les artisans les c'est pas ça la question c'est pas ça qui l'a choqué c'est beaucoup moins -ce euh, raffiné ah, ça. ça c'est le truc de le peuple contre l'oligarchie donc la mort de la république c'est qui dit que lui Putain. dire ça c'est être anti-républicain, c'est être anti-démocrate, parce que c'est squeezer oui. toutes les institutions, notamment, la, notamment un peu sous-entendu, vous voulez mettre fin à la démocratie représentative. T'as cru que lui, il allait avoir un débat profond sur les classes sociales, oui, sur la résilience, de l'unicité je... euh, du peuple qui serait divers. Non, non, mais il veut pas avoir une discussion intéressante. Je vous voulez détruire la Cinquième République, et les institutions, tu vas voir. Seigneur, il n'y a rien entre les deux. Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui, hein, je parle bien d'aujourd'hui. Pas de vote, pas de parlement, pas d'institution, pas d'élection, la présidentielle, <laughs> les législatives, c'est pas l'expression du peuple Bah, c'est vraiment leur angoisse. C'est qu'ils ont, oui. une, genre, ils ont vraiment l'angoisse sur Mais le vieux avec tout ce qu'il dit, bien. tout son côté. Turbo républicain, son côté démocrate, etc. Leur angoisse, c'est que ça soit une sorte de en guerre populiste qui mènerait les gens euh, à tuer euh, les présidents et les députés, quoi. Mais surtout, dès qu'il y a des élections, ils n'arrêtent pas de dire le premier parti, c'est l'abstention. regardez l'abstention qui augmente, etc. Et les disent mais les élections, c'est pas l'expression du peuple, en mode. Bah s'il y a autant d'abstention dans ce cas, est-ce que l'expression du peuple pense pas ah oui, autrement mais... aussi, Genre, euh, réfléchis. C'est ah bah même ça, tu vois, genre, c'est des poissons rouges de ce qu'ils disent pendant les, les périodes électorales. Je... Ouais. C'est un truc de fou. Hein. Morant est pire que ça, là, mais ah, de fou, hein, de fou, Ah oui, oui. Mais parce que aussi, eux, tout ce qu'ils veulent, c'est se faire Mélenchon, et ils veulent pas discuter du fond, tu vois. Bah, genre, oui. euh, la vérité, c'est que les institutions de la 5ème République, euh, le droit de vote, comme il a été fait, euh, le parti médiatique, euh, le deuxième pot du système... Voilà les vrais obstacles à l'expression démocratique du peuple et à la, la, la possibilité que le peuple puisse tout changer, justement, en passant par le système électoral. Ouais. On pourra en douter sur plein de points. Mais la vérité, c'est qu'on a bon en douter, Mélenchon, il est quand même, bon, Bah là, c'est le chemin le plus sûr qu'on ait pour y aller pour l'instant, quoi. Et ils lui reconnaissent même pas ça, c'est ça que je trouve pas. Hein. Monsieur ouais. euh, Demorand, vous avez, je vous connais, vous êtes un homme cultivé. Les références que je viens de faire sont celles du discours classique du socialisme. Dans le socialisme, on explique qu'il y a une conflictualité dialectique dans l'histoire qui anime l'histoire. Alors, le serf contre le, le seigneur, l'esclave contre le maître, le bourgeois contre le prolétaire. En quelque sorte, cette phrase s'adresse à ceux qui se réfèrent à cette forme de la conflictualité par des classes sociales. La nouveauté théorique que j'introduis, c'est dire qu'il y a un nouvel acteur et il s'appelle le peuple. Malheureusement pour moi, je n'ai pas trouvé d'autre mot. Le peuple, c'est des gens qui sont dans une relation de domination. Au moment d'accéder au réseau du collectif sans lesquels ils ne peuvent pas produire leur existence. Si bien que je dis à tous mes camarades, si vous continuez à penser. Et c'est une manière d'élargir, parce que je pense aussi hum. qu'il en a marre du débat le prolétariat, qu'est-ce que c'est euh, Tu vois, genre par exemple, la classe ouvrière est-ce que tu mets les employés dedans euh, La question des gilets ouais. jaunes, avec El Famoso, petit patron, machin, etc. Et je pense qu'il doit la avoir en face de... l'agacement l'agacement du discours à la Occupy Wall Street des 1% contre les 99%, où mmh. c'est juste les riches contre les pauvres et il n'y a pas de nuance et il n'y a, mmh, mmh, a pas de précision. Quoi. Alors que là, c'est vraiment même un rapport territorial, l'homo. Mmh, Genre son truc de la ceux qui quoi. sont dominés par l'accès le, par le, ou le non-accès aux réseaux qui leur permettent de survivre. Mmh. Donc le logement, euh, la bouffe, euh, Internet, la flotte, le chauffage, etc. Quoi. Et qui en fait, ça. si ton accès à ça n'est pas garanti... Et notamment pas garanti soit par ce que fait le capitalisme, soit ce que fera le dérèglement climatique. Tu fais partie de cet intérêt commun qu'il appelle le peuple en fait, et que ça. à, à et la limite fait... te faire de la thune presque te protège pas des deux ou de l'un des deux quoi. Tu vois. Mais je crois c'est justement c'est dans l'air du peuple qui fait cette distinction entre la population et le peuple. C'est-à-dire que la population c'est le fait démographique, donc c'est tout le monde quoi, et le peuple c'est euh, la comment dire. La population qui se saisit de sujets politiques. Donc en fait, c'est la traduction politique de la population, c'est le peuple. En gros. Mm, mm. C'est. Voilà. Enfin, je sais que c'est une, une distinction qu'il faisait, je sais pas s'il l'a garde dans. Dans, dans un qui... intérêt, moi, ce qui prouve qu'il est en campagne, euh, il est dans un intérêt d'élargir une base sociale. Il est aussi dans mm. le but de ne pas enfermer son discours à des gens qui pourraient ne pas se sentir concernés, quoi. Ouais. Genre, tu vois justement ceux qui sont un peu moins mal que les autres qui très vite peuvent se dire Ah, mais oui, mais ils parle parlent pas de moi en fait. Mmh. Genre. Euh... Est-ce est, est que tu es plus ou moins intégré à l'état bourgeois Ouais, c'est ça en fait. C'est-à-dire qu'il prend le discours classique centre-périphérie et en fait, il le fait euh, il, il en fait le système. quoi. Enfin, il, voilà, il est en mode C'est la différence entre le centre et la périphérie. Et du coup, la périphérie est définie par le manque d'accès à le centre qui fait toute la politique. Et d'ailleurs, il dit bien aussi que les banlieues sont autant une périphérie que les trucs ruraux, etc. Rien que... Et en témoigne, je ne sais pas s'il veut en parler là du temps, en témoigne le temps de transport que tu mets. Euh, et que, en fait, ce temps-là est euh, une donnée importante politique du capitalisme. Dans la dichotomie bourgeoise euh, prolétaires. Non seulement les bourgeois n'y sont plus, c'est une oligarchie, et les prolétaires, leur condition a été généralisée à toute la, à toute la population, et c'est le peuple. Par conséquent, ça dit. C'est ça, c'est que lui, il est en mode, et là où il a pas tort, c'est qu'il y a le grand déclassement, quoi. C'est ouais, aussi là-dessus que ça se base. C'est aussi sur la vieille question, euh, nous, on nous disait ça, euh, moi, les marxistes un peu teubés euh, qui m'apprenaient des trucs, c'était la mise en condition de l'alliance révolutionnaire de la classe moyenne et de la classe prolétaire. Et en fait la révolution naissait quand la classe moyenne, plutôt que de s'allier à la bourgeoisie, s'allier aux prolétaires pour renverser justement la bourgeoisie. C'était un peu de la vulgate euh, révolutionnaire mal maîtrisée hein, de dire ça. Et genre lui, il est dans un truc, plutôt que de les convaincre, en fait, en réalité, on constate qu'il y a un déclassement de ce qu'on pourrait appeler de la classe moyenne ou d'autres, et en fait, maintenant, il se rapproche de plus en plus d'un avenir commun avec ce qu'on a appelé le prolétariat, et que c'est là qu'ils font peuple, que tout le monde fait peuple, quoi. Le clivage du 21e siècle, ça n'est pas bourgeois prolétaire, c'est peuple oligarchie, le peuple intégrant les prolétaires. Mmh. J'en demande pardon à nos auditeurs. Tout ça peut paraître un peu sophistiqué, mais c'est de théorie la théorie. A bah, un, alors pour le cours, c'est un livre de théorie politique. Vous l'assumez, c'est un livre la manière dont, avec laquelle vous l'abordez ne contourne pas les vrais sujets que contient le livre. Dans ce livre également de théorie politique, donc... Pardon aux auditeurs, mais on va continuer de parler de, de, oh bah de, de excusé, théorie, mais non, ils de sont théorie très, politique. Mais ils partout. sont peut-être contents, oui, peut oui, contents. Et de toutes les manières, c'est intéressant, c'est très intéressant. Vous dites, vous écrivez cette gauche de rupture que vous souhaitez. Euh, cela suppose d'oublier la social-démocratie coupable, selon vous, de s'accommoder avec le productivisme. Pour vous, elle est obsolète. En cela, vous vous distinguez d'un François Ruffin qui avait posé à la une de l'Obs en novembre il y a, il y a un an. Non, mais ils arrivent à faire revenir l'opposition avec Ruffin là-dessus. Alors qu'en plus, Ruffin quand il a dit social-démocrate, il ne l'a pas dit au sens où l'entend Mélenchon, c'est-à-dire un truc un ah peu oui. parti-socialiste, euh, qui aime bien le marché, l'entreprise, euh, et qui s'accommode, par exemple, tout à fait du productivisme, etc. Mmh, Lui, mmh. Ruffin, c'était une réponse à la fisse et l'extrême-gauche. Vous avez oui, l'extrême-gauche. Et comme a dit euh, Mélenchon, réformisme radical, il a dit tout à l'heure, euh, ouais. expression que j'ai toujours utilisée, d'ailleurs, vous remarquerez, les grands esprits se rencontrent, mais du coup, qu'est-ce que je voulais dire Genre oui, Ruffin, c'est une manière de dire non, en vrai, on est des réformistes, juste, on est des vrais réformistes au sens où, voilà, on veut le faire bien, quoi. Et Mélenchon, en vrai, lui, il parle du terme social démocratie C'est pour ça que c'est un piège, parce qu'il est trop rattaché à des trucs. Quand Ruffin l'utilise pour dire on n'est pas d'extrême gauche, c'est un intérêt, mais il tombe pas dans le... Ah, c'est c'est pour dire Sosdem, c'est pas pour dire social-démocrate. Oui, voilà, c'est ça, c'est ça. Et puis en plus, t'as des gens qui contesteraient l'existence même de la social-démocratie en France de par ses institutions politiques, oui, parce que, qui n'ont oui, jamais de... permis un fonctionnement social-démocrate comme ce qu'il a pu être euh, dans les pays nordiques, etc. Bref, oui, oui. Bon, on s'en bat les couilles. En disant « je suis social-démocrate ». Il voilà, y en a un qui l'a fait. Ah, la social-démocratie n'a jamais existé en France ». Oui, c'est vrai. Mais bref, ouais. Vous lui dites quoi Tu te trompes C'est une <laughs> impasse, la social-démocratie Non, non. François est un bon ami, un bon camarade. Des fois, il joue avec les mots, je trouve que c'est dangereux. Bon, là, pourquoi Parce qu'il a dit hey, « Eh, je suis social et je suis démocrate ». Non, non, il, te, il euh, pose en couvre « Je suis social-démocrate ». Eh non. non, 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 François, non, était... non, 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 oh, non. Non, il a ça, dit ça, dans, dans l'article... C'est comme comme qui dit « Je dit national et euh socialiste », ouais. Non mais, mais c'est vrai, je dans l'article il je suis social et démocrate euh, » et ça a été re remplacé en une par « je suis social démocrate et le, le tiret ça a été rajouté par l'IB pour le coup, ça oui. Ouais. Comme Soral quand il dit « je suis national et socialiste » et que les gens ils comprennent nazi, on se demande bien pourquoi quoi. Non hein, mais vous pouvez défendre Ufa, mais il s'est fait baiser, il avait qu'à pas dire ça si vous voulez pas qu'on dise ça. C'est complètement con. Dire je suis social démocrate, la... ça veut pas dire je suis social-démocrate. Bah non, on nique ta mère, fallait pas le dire comme ça. T'as joué sur oui. le mot, tu te l'es repris dans la gueule, bien fait. C'est comme quand ça. C'est parce que je dis national et socialiste que je suis national-socialiste. Alors que c'est ce qu'il dit, évidemment. La, 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 la grande période de la, de la baisse de l'IB où Ruffin et Autain essayaient de tirer leur épingle du jeu et se faisaient baiser dans un jeu de bira Ah oui, 30 voilà, c'est ça. Qui la leur faisait vérité. sortir des trucs et qui les. Ouais. Voilà, est ça, la voilà, vérité. Quoi, classique. Bref. social-démocrate. Alors, vous irez lui demander s'il l'est ou s'il ne l'est pas, après tout, ce n'est pas mon sujet. Mais je voudrais plutôt vous expliquer pourquoi la social-démocratie n'est plus un logiciel politique susceptible de fonctionner pour le XXIe siècle. C'est très simple. La social-démocratie, qu'est-ce qu'elle dit Pas de révolution, c'est-à-dire pas de rupture, on y va mollo et euh, progressivement euh, on fait des prises euh, d'avantage et pour y arriver sans brutaliser on répartit de manière inégalitaire les nouveaux fruits de la croissance donc on donne plus à ceux qu'on moins en petite. produisant davantage pas de bol pour ça il faut produire davantage donc il faut une croissance sans fin donc ce logiciel là il... c'est ça l'important c'est la composante croissance ça veut dire ouais. que la social démocratie pourrait fonctionner dans des pays où il y a beaucoup de croissance et où du coup tu peux redistribuer les fruits de cette croissance à ceux qu'en ont besoin mmh. en fait. Sauf que là euh, on est bisé en fait. c'est ça, c'est que pour qui En fait, c'est que d'ailleurs qu ait... en fait, c'est la critique euh, du principe même de redistribution des richesses même si en vrai c'est toujours un terme qu'on emploie, tu vois. Mais c'est que pour qui redistribution des richesses, il faut déjà accumulation des richesses après, redistribuer que quelque chose qui est accumulé. Donc évidemment quand on parle de redistribution, on en parle à tous les étapes du, du processus de production. Après, mais c'est un peu la critique oui. de l'idée de redistribution, mais du coup qui sous-entend déjà une accumulation primaire. Là où il est un peu, c'est un peu un enfoiré. C'est que ça c'est presque plus, plus du social-libéralisme ce qui décrit. Alors qu'en réalité la social-démocratie oui. en définition originelle, c'est une méthode de de, de pouvoir. Plus ouais, de, de, de que des décisions de de politiques. En fait, oui. la social-démocratie est presque vide, enfin pas vide de fonds politiques, mais par exemple, je pense que tu pourrais envisager euh, un fonctionnement de gouvernance social-démocrate qui intègre la question de la décroissance, tu vois. Parce que là, c'est la, la, la social-démocratie, c'est une manière de faire de la politique. Genre, tu peux, Et... tu vois et en fait lui il transforme le mot mais après là où il a raison c'est que la social-démocratie en France elle voulait dire social-libéralisme un truc basé sur la croissance et, ouais. et j'ajouterais qu aussi que euh, ce contrat social-libéral social-démocrate on l'appelle comme on veut n'existait que parce qu'il y avait déjà des conquis sociaux euh, comme la sécu le truc comme ça et tout que euh, le, la, le détricotage de ces, de, 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 ces, de ces acquis sociaux de ces conquis sociaux vous les appelez comme vous voulez euh, a fait en sorte que le pacte ce pacte social démocrate ne peut plus exister ce pacte d'accumulation d'un côté et de redistribution de l'autre ne tient plus à la fameuse crise de l'état providence que décrit Pierre Rosanvallon quoi il est mort, parce que la croissance sans en fin, c'est pas possible. Alors je dis à mes amis sociaux-démocrates, il faut réviser votre affaire. Moi je l'ai fait, et au lieu de faire simplement coller des mots, vous savez, ils font ça. Hein. Mm -hmm. Alors ils mettent social, parce qu'ils sont sociaux, et puis écologie, puis après mettre n'importe quoi. Là, et là ils il se met... trompent, vous dites. Pardon Ils se trompent, vous dites. Ben, je pense en réalité qu'ils n'ont plus aucune idéologie formalisée. Demandez à un social démocrate quelle est sa théorie sur l'histoire, il sera bien incapable de vous le dire. Mm. Il n'en a pas. En fait... De même, regardez le Parti communiste, ils mettent dans leur programme de congrès, il euh, y a deux congrès de ça ils avaient mis le, révo le mot révolution citoyenne ah bon c'est quand même nouveau quand même pour des communistes ils auraient pu nous dire en quoi ça consistait non moi je vous, je vous propose un bouquin mmh. de 300 pages où je décris ce que c'est Jean-Luc Mélenchon j'ai l'impression mais corrigez moi si je me trompe il hein, oui. bon, a raison de flex mais parce que c'est vrai que dans le champ politique c'est un peu le seul à être aussi ouvert sur sa théorie quoi je veux dire oui. j'en parlais avec un, avec un camarade l'autre soir il était en c'est une dinguerie qu'on est les seuls, on parle de débats stratégiques dans les médias et devant tout le monde. Genre c'est on genre nos théories, et nos débats théoriques, on les a genre devant tout le monde. Genre tout le monde sait ce qu'on pense en fait. C'est les autres, on a, ils ont pas. Après, ça. si tu te renseignes, tu peux savoir ce que pense le Parti Communiste aussi. Genre les lignes, là, il y a les oui. lignes, qui, les deux lignes qui s'opposent au Parti Communiste. J'ai oublié par la première basée notamment sur un revenu, de, un revenu minimum de subsistance, etc. Euh, face à une autre ligne, etc. Le PC, il pense pas. Non, mais arrêtez, vous forcez, c'est faux. Non, mais si, attendez, arrêtez. Il y fou, a arrêtez, quand même des penseurs des au PC. Hein, ouais. là. Non, vous caricaturez. Arrêtez, saucisses et circuitry. Bon, vas-y, bref, on peut pas discuter ouais, Saucisses, ouais, ouais. n'est pas un camarade. Oui, bon, bref. Ils ont aucun sens de C'est votre réponse à tous ceux qui, dans votre camp, qui, dans la NUPES, vous appellent Notre à délogice. vous, social démocratiser à sortir de la stratégie du bruit et de la fureur. Au fond, vous leur dites jamais. Pas de social-démocratie, ma stratégie du bruit et de la fureur est la bonne, c'est comme ça qu'on va marquer, et c'est vous qui vous, vous trompez. <laughs> Est-ce que je me trompe Le bruit et la fureur, c'était hélas pour moi qui est surestimé est le niveau de ceux qui m'écoutaient. Un verre de Shakespeare est le titre du plus grand roman du XXe siècle pour ce qui est du, du style. Bon, tant pis pour moi. Ah, ah, euh. Il dit « surestimé leur intelligence, ils étaient trop cons pour me comprendre, j'aurais pas dû dire ça ». Il a dit « bon, ils avaient pas la rêve, bon, voilà, je, je suis d'un niveau intellectuel supérieur à eux, bon, tant pis pour moi, quoi ». <laughs> ce fixe. Voilà, euh, Si Voilà. Bon, mais alors, qu'est-ce que j'ai à dire sur ce sujet Vous pourriez rajouter à la liste euh, des choses que je montre du doigt, parce que j'assume. Les, les discussions politiques engagent. Je dis, l'écologie qui n'est pas anticapitaliste n'est pas, pas de l'écologie. Ouais. Alors, pour le dire gentiment et rigolo et de manière à se marrer, je veux dire, c'est du jardinage. Bon, je ne suis pas d'accord, je ne comprends pas comment on peut être écologues et dire on continue avec le capitalisme. Le vice-président du GIEC lui-même dit écoutez c'est pas possible c'est un luxe euh, trop grand le capitalisme pour euh, l'humanité aujourd'hui. Donc oui j'ai si vous voulez d'une certaine manière je réponds à une idée mais pas pas dans si vous voulez l'aspect immédiat euh, mmh. euh, je m'en fous de ça franchement les reproches qui nous sont faits parce qu'on n'a pas de cravate et qu'on fait du bruit à l'assemblée ça retient pas mon attention plus de deux secondes. Non ce qui est important pour moi moi je, je vais vous dire à qui je m'adresse la jeune génération entre 18 et 24 ans 50% d'entre eux ont voté pour ma candidature entre 18 et 34 ans 40% c'est le monde de demain c'est à eux que je dis écoutez il... ça c'est vrai en fait ouais. la question c'est les 50% qu'ont voté le vieux etc machin truc comment les garder quoi c'est ça, ça et surtout comment les, comment les former comment les former c'est aussi pour ça les trucs de l'ILB pour la formation les trucs comme ça bien sûr c'est ça le truc hmm. Institut Laboissie, c'est ça C'est quoi ILB, ILB Ouais, ILB, Institut La Oui, ah, ILB. Ah, oh, allez, oh, vous avez vu les militants qui parlent en ce tu oh, T'as vu le dernier papier de l'ILB Il était vraiment bien, le dernier bon, papier, le papier de l'ILB. Heureuse, je m'appelle bon, Cassandre, savais-tu que sur le site, mon papier de l'ILB est celui qui a été le plus lu Je vous jure, il m'a dit ça. Mon article dans l'ILB a fait le plus de clics sur le site de l'ILB. <laughs> Au moment de son lancement, après en. On... En total, je sais pas, mais. Lisée Lille B, oui, c'est ça, lisez Lille oui. D'un son Il va falloir que vous fassiez mieux que nous, qui n'avons rien fait de bon, puisqu'à la fin, on vous laisse ce monde comme une poubelle. Donc, faites mieux, et voici une manière de faire mieux. Voilà, c'est dans ce livre. Alors, vous le corrigerez, mon livre, j'ai oublié plein de choses. Oui. Vous savez, il est traduit en... Il, il va être en cinq langues. Alors, euh, j'ai dû éviter trop les exemples français. Euh, bon. Et puis, euh, monsieur Demorand, je suis devenu prudent. Euh, quand je cite une théorie scientifique, je ne vais pas trop loin, parce qu'après, les scientifiques ne sont pas contents. Ils disent, vous, vous appropriez notre autorité. Vous êtes devenu prudent. C'est une <laughs> information. Mais, 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 eh, regardez, madame <laughs> Salamé, je crois que je l'ai été toute ma vie, parce que... Oui. Bah, écoutez, vous avez déjà quand même deux personnes qui ont été condamnées à neuf ans... L'une et 18 ans l'autre pour avoir essayé de m'assassiner. Donc on voit bien que je suis assez prudent pour échapper mmh. à ça. <laughs> ok, Fidel Castro. <laughs> oui, de fou. C'est pas, pas une compétition, le vieux. <rire> <rire> Ils essayent de m'assassiner. Ils veulent me faire taire. <laughs> oh, un peu... euh, une question en politique centrale, tout de même. On, on revient à François Ruffin qui défend ça livre après où, livre. Non, le mais attends, f... les gens, vous n'étiez pas au courant vous n'étiez pas au courant. Il y a eu vraiment des tentatives la fin de sur le vieux, les gens un c'est une Un procès hein. récemment, ouais. Oui, il y avait deux tentatives à base de mecs ils l'ont arrêté. Il ouais. était en train de mettre les armes dans le coffre, limite. c'était une dinguerie, non C'était lui. Ouais, pas, en Arnaud. tout cas, ils avaient prévu, ils avaient prévu en tout cas euh, ils déjà les, les de tirer depuis tout. une bagnole sur des sur des oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc lance-flammes. C'est une ça. Renseignez-vous sur l'opération Va Il y a eu le procès récemment. Au lance-flammes, non mais, bref, c'est des le fait que la gauche ne parle pas suffisamment aux classes populaires. Il disait aux universités d'été de la France insoumise il y a quelques semaines que face au rassemblement national, face au rassemblement national, faire un TikTok de Mélenchon où il dit oui de tentatives d'assassinat contre moi et après après Fifty Feet Wish This ce sera incroyable. Pardon, Il y a au sein de la NUPES un problème de ton, un problème de style, un problème de guerre permanente sur Twitter. Quand on me dit radicalité, je me demande est-ce qu'il s'agit d'être applaudi dans une AG de sociaux à Nanterre ou de convaincre en Moselle, en Picardie, partout dans le pays Il vous appelle à gagner en centralité. Sur ce concept-là de centralité, que lui répondez-vous 22%. <laughs> Oh, il a répondu ratio, Attends, on va se attendez, il a répondu ratio. Il s'agit d'être applaudi dans une AG de sociaux à Nanterre ou de convaincre en Moselle, en Picardie, partout dans le pays. Il vous appelle à gagner clair. en centralité. Sur ce concept-là de centralité, que lui répondez-vous 22%. Pardon, mais mais c'est ça en je fait. Dit... Ah ça y est, il en a marre, c'est bon. Il a avoué. 22%. Bah oui, mais après il a raison. Bah ouais. Il a raison en fait. Oui. Alors, actuali, Macron, il y a un vote plus bourgeois. Donc, euh, est-ce qu'il est plus central que Mélenchon, qui a un vote plus divers en termes de classe sociale Oui, OK, d'accord, très bien. Mais bon, en attendant, euh, il ne fait, fait que progresser. Et c'est bien la preuve que sa stratégie, elle fonctionne. Quoi. Globalement, hein, voilà. si vous voulez être scientifique dans votre analyse politique, vous regardez les chiffres aussi. Hein. Ah. C'est ce que vous non, dites. Non, mais pardon. La stratégie que j'ai développée a échoué à nous amener au deuxième tour à 410 000 voix. Euh, le Parti communiste, en dépit de ses promesses, a maintenu sa candidature et immobilisé 800 000 voix qui ont permis à Mme Le Pen d'arriver au deuxième tour. La centralité est évidente par ce chiffre. Maintenant, la radicalité, euh, ça dépend ce qu'on met dans le mot. Et la radicalité, c'est... Ce qui touche à la racine. Je vous ai parlé de réformisme radical, c'est-à-dire, par exemple, réformer le système de production énergétique. Il faut aller à la racine, arrêter avec le nucléaire, passer à autre chose. Mais quand il vous dit qu'il y a un problème de ton, il y a un problème de style. Ruffin, c'est n'est pas à nous. Ben, ça prouve qu'il a évolué, parce que lui-même était devant l'Elysée en train d'expliquer qu'il y aurait un attentat contre le président. Donc euh, s'il décide d'en changer. Mais je ne veux pas qu'on m'oppose à François, qui est euh, aujourd'hui une. Oui, après, tu lui as mis une balle quand même. C'est Ruffin qui me dit ça alors que des dingueries il en a dit, c'est réel Ruffin des fois il a fait des doses, C'était bah ouais. là en mode black et où est-ce que tu veux en venir en fait Genre, Mais c'est aussi euh... par rapport à ces doses-là que Ruffin a dit euh, je me suis calmé et tout. Oui, c'est oui. pas tant par rapport au t-shirt dans la somme ouais, les... enfin, le la mais C'est obligé, un peu... en fait c'est sûr qu'ils vont retourner ça contre le vieux après. C'est obligé. C'est là aussi Ruffin il s'en bat un peu les couilles. Après Imo, quand Ruffin il parle de Twitter et tout, c'est pas au vieux qui parle, c'est aux autres députés en vrai. Oui 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 oui. Oui, oui, oui. Une, une de nos valeurs dans le dispositif, euh, nous avons eu une discussion, par exemple, sur euh, la ruralité, vous savez. Eh bien, euh, voilà, au bout d'une discussion qui est amicale, qui n'a pas été conflictuelle, qui a été souvent en tête à tête. Et maintenant, que dit-il à ces mêmes universités, ces amphidétés dont vous parliez, monsieur Demorand Il dit, les tours et les faubourgs, c'est le même combat. Nous oui, sommes arrivés à la même condition. La ruralité... Un village riche est plus à distance d'un village pauvre qu'un village pauvre n'est du... Vous comprenez C'est la même situation non, sociale. Compris, hein. Par conséquent... Non, j'ai pas compris. <laughs> un village riche est et plus à distance d'un village, village pauvre, pauvre qu'un village, qu village pauvre de la banlieue, j'imagine Non, ça. Un village riche, c'est ça. Il oui. y a plus de, de différence entre un village riche et un village pauvre qu'entre un village pauvre et la banlieue pauvre. Ah oh, en mode voilà euh, euh, les tours les faubourgs tout oui, ça. Oui, tu peux pas dire que la ruralité est une expérience comme mais avec Adia, tu l'as dit mieux que lui. Il va falloir que tu revois les éléments mais de mais langage attends. avec le vieux. Surtout attends les tours et les faubourgs. Les villages c'est des fin... Oui non, mais ça c'est Rufin et complètement con, faubourgs. je suis d'accord avec toi. Les faubourgs c'est dans les villes justement. Bah, après oui, bon, c'est pas clair. pas comme si ça circole était rural mais enfin je sais pas, c'est pas clair. Oui, c'est pas clair. On peut 1000 personnes, on peut pas tromper on une fois 1000 mais 1000 personnes peuvent 000. tromper une fois. Ah non. On peut pas tromper 1000 fois. Oui, les faubourgs, quoi, oui. Quand, ouais. nous devons d'abord nous poser la question de savoir à quel endroit se trouve la réserve qui peut nous amener jusqu'à la victoire bien sûr dans la ruralité et dans les milieux bon sens, populaires ouais. mais il faut avouer une chose d'abord on y a eu de très beaux résultats c'est nous qui avons la seule députée euh, de la ruralité ouais. creusoise les trois députés de la Haute-Vienne un dans l'Aveyron bref il reste nous deux minutes j'invite ceux qui m'écoutent et qui sont dans la ruralité vrai à s'organiser en groupe d'action insoumis parce que on ne fera jamais avancer les, les consciences simplement par des coups de télé ou Des coups de radio, mmh. c'est par du contact personnel. Par contre, pardon, je termine là-dessus. Il aurait suffi d'à peine 1% des abstentionnistes qui se mettent à voter insoumis pour que nous gagnions avec la majorité absolue les élections législatives la dernière fois. Jean-Pierre Ostendard, bonjour, eh oui. bienvenue. Mais c'est ça le. le c'est là, là qu'on arrive oui. dans l'énormité dans, dans de ce rapport de force et de de, de, voté de, aux de proportionnalité avec La proportionnalité avec, euh, avec les législatives. C'est qu'à chaque fois, on dit oui, l'abstention progresse, l'abstention progresse, mais on ne se doute pas d'à quel point 1% d'abstention, le nombre de pourcentages que ça représente après on est dans les. J'ai voté quoi. aux législatives, arrêtez de dire la faute à rase Oui, il a voté aux législatives. J'ai voté euh... uh -huh. Jean-Micheline Caen. La meuf des Jeunes Insoumis, là. Ouais, et qui s'appelle Claire Lejeune. Non, <laughs> Claire ça Lejeune, c'était <laughs> en Essonne. Euh... Emma Fourreau. Oui. Je l'ai regardé, regardé dans le chat. Oui. <laughs> non, mais elle était bien Emma Foureau Mais c'est les jeunes insoumis, je vais pas retenir leur nom J'ai refusé. Oh refusé, là là. Je retiens le nom pas de personne. Les jeunes insoumis, j'ai le droit de pas les aimer quand même. Bah arrête, arrête, de dire que c'est les jeunes insoumis. Tu retiens le nom de personne. Si, je connais le nom de Jean-Luc Mélenchon et d'Antoine Léaumont. voilà, c'est ce que dit. Et d'Aurélie Trouvé aussi, parce qu'elle a été sympa avec moi la dernière fois. <laughs> Oui en fait c'est ça tu, re tu retiens les noms que des gens qui te parlent et qui sont des sympas avec toi. Des gens qui me te la quoi. main du coup euh, voilà, voilà. quoi. Antoine Lemoir il est trouvé et t'as à boiffe quoi voilà. <laughs> c'est les trois noms <laughs> que je vais retenir. <laughs> bah quoi bah c'est vrai c'est les seuls gens qui me disent bonjour à chaque fois j'y j'y rien. rien. Ah oh, c'est <laughs> bah, terrible. Quoi. Bah quoi bah c'est la vérité je vais pas dire le contraire. Ça va hein t'as trouvé. Le Ton mec c'est un jeune Exactement. insoumis ah non moi pour le coup je suis pas parti des jeunes insoumis. Hein. Et 4 ans ça non pas quatre ans. Et déjà ah oui Nadège maintenant. Oui. C'est vrai C'est quoi son famille Abou-Mongoli. Oui. Ça va, il va remplir le trombinoscope. Je vais lui faire des interros surprises. Il y a Hugo Bernalicis aussi. Qui m'a dit bonjour la dernière fois. il va nous dire tous les noms. Qui d'autre m'a dit bonjour dans les députés Il va me dire tous les noms. Non, sinon, c'est que des députés qui ont perdu. Qui viennent me dire bonjour. Ah, oui. Oui, il y en a un, quoi. Oui, en fait, il y en a un. Ouais, vrai. <laughs> à chaque fois, je dis « Ah, t'as perdu !» Je crois que ça l'énerve. <laughs> oui. Bon, on met play Oui. Oui, bonjour, vous m'entendez Oui, on vous entend parfaitement. Allez-y, Jean-Pierre. Oui, bonjour. Mais je voulais savoir si M. Mélenchon euh, acceptait l'idée que euh, l'ensauvagement de notre société, toutes les violences des années précédentes, étaient en partie liées à son, sa personnalité et son action violente. Mmh. Merci Jean-Pierre Je, pour une... cette bon. question à laquelle Jean-Luc Mélenchon une... <laughs> répond. C'est une question qui manifeste, euh, euh, comment dire, certaines hauteurs de point de vue. Donc la, la société va mal et elle est sauvage à cause de moi. Alors, euh, bon, disons que je suis peut-être dans un moment de modestie, mais même si je l'avais voulu, je crains de ne pas en être capable. Et je pense que surtout, il y a un paramètre que vous sous-estimez d'eux-mêmes. Le premier, c'est l'intelligence des gens, qui décident par eux-mêmes quel est leur comportement. Et deuxième, euh, deuxième réponse, c'est que ce n'est pas vrai que la société s'en sauvage. Parce que la société a été bien plus violente qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et ce qui, par contre, aide est de la vrai. trace de sauvagerie dans la société, c'est de laisser des migrants se noyer ou de les noyer, des persécutés, débornier des gens, euh, et, et, et toute cette violence que nous voyons, qui sont absurdes, et qui nous font montrer du doigt par euh, tous les grands organismes internationaux. Jean-Luc Mélenchon, l'histoire se répète... un rép... truc dans les, dans les chiffres de la justice, hein, avec Hamas, ou en gros, depuis, euh, en comparaison aux années 80 et tout, euh, les meurtres, enfin en gros, les, les, les crimes violents, ont diminué, mais il y a eu une hausse considérable des délits, notamment, bah voilà, tous les délits liés à la drogue, etc. Et euh, tu as, as eu un remplacement finalement de, de l de la, du sentiment d'insécurité, du crime, vers le, dél vers le délit. Faut que je suis plus... C'est pas clair ton histoire. C'est comme les faubourgs des villages, des villes pauvres, des villes riches. Bah non, c'est clair. clair. En gros, il y a moins de meurtres, plus de délits aujourd'hui, ou l'inverse C'est ça on, on a pas compris. Moins de meurtres, plus de délits. Ah bah c'est mieux il y a moins de gens qui meurent. Il n'y a, a jamais de aussi peu d'homicides qu'aujourd'hui. En fait, c'est ça. C'est que quand on dit que la société est violente, on en réfère généralement à des petits délits qui ne sont pas si graves que ça. Euh, alors que quand tu regardes vraiment la violence en mode homicide, etc., bah, en fait, il n'y en, ouais. en, en a vraiment pas par rapport à plein, plein d'années. Oui, avant, parce quoi. que voler ouais. des bagnoles euh, ou vendre du shit, bon, ça va, on s'en remet, quoi. Oui. C'est quand même moins grave que tuer des gens, quoi. Oui. Mmh, mmh, mmh. Voilà. En tout cas, moi, le fait que le vieux soit devenu anti-flic basé, hein. oh, ça me rend heureux. Hein. Bah, quoi Oui, oui, je suis d'accord. Ah, voilà. Ouais, je peux rien dire. Oui, oui, allez, allez. et il y a du Dorio dans Roussel, a posté la députée ah. insoumise Sofia Chikerou, un poste que vous aviez vous-même reposté sur votre compte. Un oui, poste tabou. Hein, vous savez pas comment. Ah, sait... oh, a... oh, il a balancé son CM sous le bus, là. C'est quoi, c'est parce qu'il a liké je sais pas parce sont Je sais pas comment il a dit « oh 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 oh, ah. oh. Comment Non. <laughs> ah bah écoutez, quelqu'un a posté pour vous, un poste oui, qui est a beaucoup vrai, choqué. « Halte au feu, feu », a déclaré Clémentine Autain. Le débat, c'est pas le pugilat », a dénoncé Olivier Faure. « Fabien Roussel comparé à un collaborationniste nazi, c'était une erreur. » Moi, je basais un peu. Bah. Hein. Bah. D'autant qu'il faut rendre à César ce qu'il y a à César, déjà c'est Schneiderman qui a fait la comparaison. Et d'autant que c'était un truc de... Euh, bah, en fait, bien sûr, en fait, dans, dans, toutes, dans toutes les histoires, dans, dans tous les moments de montée du fascisme, tu as toujours eu à gauche des, des gens qui ont flanché. Tu as toujours eu à gauche des gens qui se sont laissés un petit peu dire, ah, peut-être qu'il faut parler leur langue pour pouvoir convaincre des gens, pour pas mourir, pour que la gauche ne meure pas sous les coups du fascisme, il faut, que, il faut la, il faut ouais, la remplacer d'avance, tu vois. Et donc c'est de ça aussi, c'est de ça que parlait déjà un peu Schneiderman, tu vois, il était en mode... Il y a des glissements bizarres et chelous. Et en fait, il y a ce truc-là de bah, est-ce que ce serait. Enfin, comparaison n'est pas raison, tout ça, tout ça, il ne faut pas comparer ce qui est incomparable, oui, l'entre-deux-guerres, gna 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 et tout. Ok, mais une fois qu'on a posé ça, euh, il, y a quand même des, il y a quand même des structures et des similitudes dans les réponses euh, des personnalités politiques face à un moment d'insécurité et d'incertitude politique qui est une montée euh, fulgurante du fascisme. Donc là-dessus, euh, qu'on dise que la comparaison est valable ou non, euh, la méfiance est quand même de mise. c'est c'était un communiste, Dorio, non C'est un ouest, il s'était fait exclure du Parti communiste. Et, euh, et par sem, il a fait des campagnes hyper anti-communistes, etc. Bla, bla. Ah, voilà, comme Mussolini. Globalement, le, globalement, le Et puis d'ailleurs, t'as remarqué dans National Socialisme, il y a socialisme dedans quand même. Ça, Roussel à deux pas d'Hitler presque. Hein. Ah putain. Oh, oh, c'est de pire en pire. En plus, non mais l'article de Sherman, du coup, je l'ai lu récemment. <laughs> Dans Asie, Asie. <laughs> Mussolini était de gauche au début. Ça, par contre, par contre, je troll, mais Mussolini, c'est vrai. Mais c'était gauchiste populiste rouge brun un peu Mussolini justement, non Je crois. Je crois est que, que Mussolini, c'était une sorte de gauchiste un peu. Oui, c'est ça, c'était populiste. Oui, oui c'est ça. Chelou, Parce que quand, euh, quand, quand, quand ils ont parlé du peuple et des élites, il y a des gens sur Twitter qui ont dit euh, Oui, mais le peuple chez Mussolini, ça peut voir leur dire ça. Alors que chez Arnaud, ça veut leur dire ça. Je suis en mode Oui, bah oui, c'est un signifiant vide. Quoi. Globalement, c'est un truc. Bref, ça m'a énervé. Mais euh, du coup, maintenant, t'as tous les gens qui sont en mode eux, d'où le porteur. Mussolini, c'était un 4 -nince. Oh Non. Syndicaliste, révolutionnaire et populiste. Oh. Mmh. Donc un peu Katnins, Roussel, Ruffin, le triangle du mal quoi. Je <laughs> suis un peu d'accord avec vous. Vous m'avez convaincu. Non mais en fait c'est ça, c'est que n'y a pas de... Sans pour autant aller dans la, dans la théorie du fer à cheval, euh, c'est pas parce que l'extrême gauche est de l'autre côté de l'extrême droite euh, dans l'Assemblée nationale qu'il n'y a pas de porosité possible euh, en entre ces différents camps en fait. Et que parfois il suffit d'un... Tu vois, c'est comme tout à l'heure euh, quand... Euh, quand, quand, quand Léa Salamé est en mode ah, vous êtes un peu malthusien, quand parce que Mélenchon il parle du nombre de la population et lui il dit non, je retourne le paradigme précisément euh, pour désamorcer euh, cette idée selon laquelle il faudrait agir sur la vie humaine au lieu d'agir sur le système, tu vois, donc il est en mode je retourne ce paradigme là mais il parle quand même de la population tu vois, mais c'est un peu ce truc là de bah du coup finalement quand on va il suffit de, de prendre le, le truc par un autre bout et dire que si tu dis on est très nombreux et euh, ça entraîne, euh, le nombre qu'on est entraîne un risque d'effondrement de la civilisation. T'as rien dit. Parce que tu peux avoir une conclusion mmh. de dans ce cas, il faut changer le système, à la Mélenchon. Et une conclusion de dans ce cas, il faut réduire la population, à la Malthusien. Mmh. Et en fait, du coup, une fois que t'as dit le truc, t'as rien dit. Mais sauf que mmh. certaines personnes vont dire, on est un peu nombreux. Je dis ça, j'ai rien. Ça, ah oui, genre rien, les voilà, arabes. Hein. Ah par exemple. Okay, 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 donc compris. sur l'immigration, ça va être en mode voilà. Et en fait, du coup, ça va utiliser ce truc-là. Et donc ça va profiter parfois. Donc là, le truc, on est trop nombreux. Il y a déjà un sous-entendu d'extrême droite dans le truc, on est trop nombreux. Mais tu vas prendre un truc qui a déjà un sous-entendu un peu de gauche. Mais tu vas euh, pas vraiment aller jusqu'au bout du truc. Tu vas juste dire voilà, je m'arrête là. Comme les nazis. Ayez du bon soupçon pour moi. Et donc c'est ça le problème de Roussel. Le problème de Roussel, c'est que comme Soral. Il était au Parti communiste, comme Doriot, il était au Parti communiste, et comme euh, Mussolini, du coup c'est un peu un facho. On est d'accord que le problème c'est le fait d'être au Parti communiste. Globalement, c'est quand même un appareil Après, qui a produit beaucoup commun. de réactionnaires. Après t'as quand même pas, oui. Après on peut faire pareil avec le PS. Hein. Mélenchon il vient du PS. Euh, et, euh, non euh, c'est moins pire. Euh... Si, en vrai, c'est vrai. <laughs> oh. oui, vrai, vrai. vrai. non, mais oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Mais on a compris que t'aimes pas le parti communiste. Ah, J'ai été élevé dans l'anticommunisme, j'y pas rien. Les staliniens, oui, oui, on aimait pas les stal. oui. <laughs> non, mais non, en fait, je m'en fous. Non, mais c'est euh, truc de roussel. Oui, débat de merde en vérité. En dehors Attirou, des vannes, débat oui. de merde. Genre, surtout que la vérité, il y a moyen de critiquer Roussel sans invoquer une figure comme ça. C'est là que je suis un peu d'accord avec les communistes qui, évidemment, ils servent de ça pour taper sur la fille. Mais c'est vrai que t'as pas besoin d'en venir à Dorio pour taper sur Roussel. Après, Après euh, il a pas, il a pas man, dit que Dorio, il a dit Déa aussi. C'est qui Déa euh, Ils font en 1941 le Rassemblement National Populaire, Parti Socialiste Européen et c'est un ancien de la SFIO. Euh... Euh, qui devient chef de file des néo-socialistes, de plus en plus élu par les modèles fascistes. Ok, c'est la même merde, quoi. Okay. Ouais, c'est ça, il était ministre en 36, euh, député du rassemblement anticommuniste en 39, et il a fini... bah, euh, bon, il a fini euh, Pétainiste, quoi. Il a fini au gouvernement de, 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 de Pétain. Ministre du Travail et la Solidarité Nationale. Après, quand, quand on va avoir Roussel au gouvernement... Oui, il y a plus de DA euh, que de Doriot dans Roussel. il fait. y aura Roussel au gouvernement de coalition Macron-Le Pen... Euh... Ça bah en faudra fait, pas parler ça, espéranto que, fond, à ce moment-là, les communistes. Hein. C'est que au fond Roussel, il veut surtout. Euh, J'ai l'impression qu'il veut surtout un ministère, donc il a plus du DA que du Dorio, quoi. Ouais, c'est ça. Je sais pas qui c'est DA, mais. Bah, c'est le mec que je viens de dire, quoi. Ouais. Moi je préférerais. C'est juste pour dire oh, non, 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 Ils ont pas dit que Dorio, ils ont dit DA aussi d'abord. Alors euh, checkmate. Un jour DA, il a ça. découvert le DC et il est mort. Ouais. DA DC Kari. C'est ADC, Carrie. J'ai pas, désolé. ADC. Ah oui, oh. Vous n'êtes pas juste dans votre présentation, madame Salamé, parce que madame Sophia Chikirou, députée de Paris, par mm. ailleurs élue au premier tour, euh, a retweeté un de vos collègues, Daniel Schneiderman. Oui, en reprenant ces termes, retweeter c'est approuvé, non Bon, bien sûr, mais alors il faut donc comprendre ce que disent les termes. Moi, je refuse de participer à une opération de diversion de l'équipe Rousseau. Vous avez vu le parti les, les gens qui terminé. étaient chez moi. Si euh... vous voulez savoir ce les que. Gens... Ah. Les gens qui étaient chez moi quand on regardait Mélenchon sur TF1. Vous avez vu comment ça la met, elle a repris les éléments de langage de TF1. C'est exactement ce qu'a dit, ce que, ce que dit Gilles Boulot en mode retweeter, ça a prouvé. Il a dit exactement la même. Après, retweeter, ça a prouvé. Si tu c'est contribuer au, non, contribué... contribué non, au non, débat politique existant sur les réseaux. T Arrête, t arrête une Arrête, pierre jetée, un point d'interrogation sur qu'en pensez-vous la commu Oh là voilà. là oh. Quand t'es Sophia Chikirou, que tu es RT Schneiderman qui chie sur Roussel, c'est pour participer au débat démocratique ou en mode Oh Roussel, ce facho qui nique sa mère C'est pour participer au débat démocratique. Voyons, c'est une députée de Paris, mais élue non, mais... au premier tour d'ailleurs. Moi hein, je, je le suis d'accord avec elle <laughs> Pas besoin de. Moi je suis d'accord, faut juste assumer qu'elle aime pas Roussel, et elle lui a mis une crotte de Oui, mais de surtout même sur Twitter, elle est en mode bulldozer, donc bien sûr. Bah oui. Genre surtout Sofia Chikirou, quoi. Vraiment, elle s'en bat les couilles, quoi. <laughs> On commence à la connaître. Que cette expression veut dire, il y a un peu d'eux, et eh bien je suis obligé de vous dire qu'il y a un grand malaise à gauche en écoutant... Joseph de Twitch, non Tant quel rapport dans, le, dans la discussion. de Twitch De Twitter, tu veux dire de Twitter, tu veux dire De Twitter bon. Arrêtez les pauses bordel Ah bah du coup, attends. je pense que Attends. Monsieur, oui, de Twitter, c'est ça, oui. Euh. Il y a un peu de, oui, bon, oui. Ça, mais pas un. Attends, mais du coup, faut tu mette en arrière parce qu'on loupe sa phrase là. Arrêtez les pauses. Si vous voulez savoir ce que cette expression veut dire, il y a un peu deux. Eh bien, je suis obligé de vous dire qu'il y a un grand malaise à gauche en écoutant ce que dit M. Roussel. Il y a un peu deux. Ouais. Ça ne met pas un signe égal. Par contre, quand M. Entoven ouais. m'avait traité, moi et Ruffin, de Doriot, personne n'a réagi. Attention attention le micro, à votre micro, attention oui. au micro, oui. attention au micro. Donc, laissez-moi mais... terminer, je n'ai pas fini. Donc, je dis, c'est une opération de diversion. Pourquoi? La fête de l'humain s'est très mal passée pour Monsieur Roussel, qui a été interpellé des dizaines de fois. Ouais. Bien. Et que font-ils bah, dès on le lendemain le on encarté, là une à François Ruffin? Quoi? Les, les, le contrefeu des, des cocos sur Twitter, qui est en mode euh, non, car regardez dans ce tweet, on voit un insoumis de la team Mélenchon euh, qui euh, lance Roussel n'est pas un camarade au concert des vulves assassines. Donc en fait, c'était des infiltrés insoumis qui ont lancé des slogans. Et euh, d'ailleurs, euh, voilà, regardez tous ces tweets des insoumis euh, qui se réjouissent. Que Roussel et machin truc. Donc en réalité, ce sont les insoumis qui ont lancé des slogans et qui font, On fait croire que les gens n'aimaient pas Roussel. Alors ouais, que c'est bien évidemment est tout parfaitement ce est faux. C'est les insoumis, mais c'est aussi le NPA. Euh... Oui enfin, C'est plein de gens quoi. Oui, oui, mais du coup, ils essaient de faire croire qu'en fait, les gens qui disaient Roussel n'est pas un camarade, c'était que des insoumis puis, moi, infiltrés truc, qui voulaient nuire à, à la réputation du parti. Parce que moi, j'ai vu euh, au concert euh, de. Je sais plus comment ça s'appelle. Euh... Merde. Euh... Ah, en plus, il a été sympa avec moi, le chanteur. J'oublie le nom. Ah euh... oui, merde. Sidhu C'est Sidhu Wacho, ouais. Wacho, voilà, c'est ça. Et je suis arrivé au concert. Donc c'était sous la Caravane Insoumise. Et trop bizarre, il y avait deux drapeaux Parti communistes Il y avait plein de gens qui dansaient et deux drapeaux Parti communistes oui, sous la tente France Insoumise. Et moi, j'ai dit à Cassandre, mais attends, mais ils vont laisser faire ça euh, les insoumis Et après, j'ai tourné la tête. <laughs> je me suis servi un verre d'eau. Je me suis retourné. Il y avait 40 drapeaux-filles qui avaient apparu dans la foule. J'étais en mode « Ah oui, d'accord, en fait, je m'inquiétais pour rien. » Mais vraiment, les gens, je vous jure que, genre, il y a eu deux mecs du toi, PC... Il est mignon, il était en mode ils « vont, Ils vont les dégager, ils vont les virer, il va y avoir un incident, je suis en mode... » Vraiment, il y avait deux mecs du PC qui sont arrivés, j'ai tourné la tête, et t'as 40 insoumis qui sont sortis, j'imagine d'une sorte d'usine à insoumis qu'ils ont quelque part, où ils ont 40 mecs dans un camion, qui est une sorte de, des IA, des robots avec des drapeaux, Prêt à aller n'importe où, il y a des gens du PC pour avoir plus de drapeaux qu'eux. Après, j'étais là en mode ah, très fort, hein. franchement, la France Insoumise, respect. Hein. Et du coup, ils ont noyé les drapeaux euh, communistes. Oui, incroyable. Du coup, après, les communistes, ils sont un peu barrés, ils étaient un peu bons. Bah son... oui, c'est ça. <laughs> il y avait un spawn pas loin, oui, exactement. Oui, il y avait un spawn insoumise. Genre, j'étais en mode, putain, c'est fort quand même. Ouais, 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 ouais. Très, très fort. Très, très fort. Mais, oui, mais bref, donc en ce moment, les communistes qui essaient de faire croire que non, vous inquiétez pas, tout le monde aime Bruxelles, c'est juste la faute des insoumis qui ont fait la confusion de bordel dans la fête de Luma alors qu'ils sont gracieusement invités. quoi. C'était un peu. Bon. Oui, oui. Une imprimante 3D à insoumis, oui, c'est ça. <laughs> oui. Bien. Et que font-ils Dès le lendemain, on cherchait une mauvaise querelle à François Ruffin qui avait fait une remarque plutôt sympa. Et comme ça ne marchait pas, euh, ils s'en sont pris ah oui. après à Sophia Chikirou. Donc, comparé, madame. J'avais pas hein. vu passer ça. Mais en effet, parce que en fait, pendant la fête de Luma, euh, quand les gens disaient oui, euh, Roussel, il veut euh, euh, envahir des préfectures, blablabla, il est dangereux, est-ce qu'il est dangereux, est-ce que vous pensez qu'il est dangereux comme Mélenchon, etc. Et Ruffin avait dit oh, bah, je trouve que il passe plus de temps à préparer des ponches qu'à préparer un putsch, quoi, globalement. Euh, mais en mode, c'est gentil, en mode, ça va, ils vont pas non plus faire un coup d'État tranquille, tu vois. En mode, pour défendre les communistes, en mode, vous inquiétez pas, ils sont pas dangereux. Même limite un peu euh, contre Mélenchon, hein, qui était un peu en mode, oulala, on n'envahit pas des préfectures comme ça, tu vois. Et du coup, les communistes ont dit Regardez ce que Ruffin a dit Il sous-entend que nous ne militons pas <laughs> Du coup, ils se sont fait défendre par Ruffin ils l'ont balancé sous le, sous le bus. quoi. Et C'est quoi Sophia Chikirou Pourquoi ils se sont pris à Sofia Bah Parce qu'elle a retweeté le truc. Euh, ah ouais. oui, oui. bon après. Mais en gros, il est en train de dire En gros, il cherchait un, un truc pour allumer un contrefeu après la fête de l'UMA et les médias. Tout le monde s'en prend à Sofia Chikirou et s'en prend à tout le monde, monde. voilà la vérité. <laughs> oui, c'est oh, bon. complément Un complément d'enquête, j'ai tellement hâte. Semaine prochaine, le complément d'enquête. Oui, 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 oui. Incroyable. Trop du complément. Mais attendez, ça se trouve, elle va avoir fait des dingueries, vous allez pleurnicher après. Hein. Mais non, mais Sophia, moi, le fait que Sofia Shikiru insulte la terre entière dans tous les groupes télégrammes dans lesquels elle est présente, moi, ça ne me dérange pas. Je comprends pourquoi elle est comme ça, que c'est un moyen de communication comme un autre. Mais il faut bien comprendre que pour la plupart des gens, c'est pas un mode de communication normal. Oui, c'est vrai. Après moi je suis d'accord avec toi, moi je suis pas choqué qu'elle insulte toute la terre. Mais bon, il y a des gens, ça les refroidit un petit peu quoi. Voilà quoi. Contre son camp, rase. Mais, mais, mais pourquoi contre son camp juste... Bah... bah. Non, parce, non mais effectivement, mais pas contre son camp. Rase il est pour, il insulte le chat. Bah oui. Donc, euh... Puis moi je suis pas euh, le visage, l'un des visages importants de la fille aussi, on s'en bat les couilles que j'insulte des gens. Ah oui. On va être en mode basé girl boss slay. Ah ouais, j'ai trop hâte. La dinguerie serait déjà sortie. Peut-être qu'il garde des ah, billes, pas les gens, hein, Bélec. Hein. C'est le même Mediapart là, en mode première révélation, deuxième révélation, troisième révélation. Bah Et oui. Bon après, euh, bon, c'est complément d'enquête. Hein, euh... Bah oui. Alexis Poulain, un bon conservateur. Oui, ce gars là, je oui, bref. Oui, oui. Bon après, il y a des débiles qui traînent un peu partout, les gens qui souhaitent qu'on y fasse, c'est comme ça. Hein. Ouais. Voilà quoi. Enfin bref, ça, la fille a... euh, sur leurs invités ouais. un peu gogol, euh, ils ont des problèmes des fois, mais c'est pas grave, je n'en veux pas. Mm. Mm. Un homme qui fait partie de votre alliance, même si vous avez des divergences, à, non, un, lui, il a des divergences à un nazi, nazi puisqu'il a combattu sous l'uniforme nazi. Oui. Le comparer en disant il a un peu d'un de quelqu'un qui a été collaborateur et nazi, euh, c est, c est, en fait vous n'arrivez pas à dire que c'est une erreur c'est-à-dire mais ça, ça c'est vous les années passent et reconnaître une erreur ou une faute publiquement ce serait une faiblesse pour vous de Alors, dire qu'on n'aurait pas dû là où vous avez raison c'est que j'ai toujours refusé le tribunal médiatique et les gens comme vous qui euh, tordent les faits pour demander des choses nous n'avons jamais comparé monsieur roussel Adorio. Jamais. C'est pourquoi je parle d'une diversion. Si vous voulez avoir le fin mot, lisez Schneiderman. Nous sommes tous mal à l'aise des propos qu'il tient dans un certain nombre de domaines et je ne veux pas récapituler ici. Ce n'est pas moi qui ai une divergence avec lui, c'est lui qui a une divergence avec ce qu'il a lui-même signé, qui est l'accord que nous avons fait sur 640 points. Monsieur Roussel a décidé tout seul et il est le seul à avoir fait ça qu'il il n'y aurait plus de candidature commune ni aux européennes ni aux municipales ni au présidentielles. Cet homme a donc décidé, de froid, de nous remettre dans une difficulté déjà plus grande que celle dans laquelle on est. On est tous mal à l'aise quand on voit que le résultat, ça a donné à la présidentielle, Madame Le Pen, au deuxième tour. Je n'ai pas de querelle avec M. Roussel, je n'en ai pas et ça ne m'intéresse pas. Et ces opérations de créer des chicayas toutes les semaines, je n'y réponds pas. Ce n'est pas mon affaire. Moi, je m'occupe de théorie. Je suis en retrait, pas en retraite. Merci Jean-Luc Mélenchon, Merci. faites mieux Point d'exclamation vers la révolution citoyenne, le titre de votre, de votre livre publié aujourd'hui chez Robert Laffont. Merci d'avoir été sur internet. Voilà, ça c'est Mélenchon. Il Une commence re... par Inshallah, il finit par Chikaya. C'est vraiment euh... Chikaya, Mélenchon le créolisé. Hein. Ça vient de l'arabe. Ah, ça pas. veut dire plainte, et lamentation. Ai non, les vous avez vu les insoumis Le vieux parle, il Google tous les mots pour les connaître et maintenant vous avez tous les insoumis. Euh, comme Cassandre qui vont dire chicailleur. Vous avez vu leur maladie mentale C'est grave. Hein. Mais non, mais j'étais curieux du mot parce que c'était la première fois que je l'entendais. J'étais en mode, ah tiens, ça veut dire quoi Ça vient d'où euh, euh... Ils vont dire voilà. chicailleur en soirée, oui, j'ai vu Mélenchon le dire. <laughs> Est-ce que les insoumis commencent à dire levier aussi C'est plus clair ouais. que... Ah trop bien. Oui, Moi, ça ça commence. Sera ma... Moi, ça sera ma... 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 ma contribution à la France insoumise. Obliger tout le monde à appeler oui. le vieux le vieux. Bah, c'est le vieux en même temps. Après, c'est le vieux, désolé. Hein. Magnifique. Ah là là, incroyable. Bon, bah, c'était bien. Alors, ouais. Bonjour, comme ouais. une fable de la fontaine, la dinde et le sage. Merci, monsieur Mélenchon. mais, Alors, mais après, parce que c'est sur la chaîne YouTube de ne Mélenchon. pas être misogyne challenge. Oui, t'es sur la chaîne YouTube des Mélenchons oui. Wow, aïe aïe aïe, les la en en le sage. Oh putain. Oh là 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 là. Ah, le niveau de Salamé et de Moran paraît bien léger face à la qualité et surtout l'honnêteté intellectuelle de leur vie. Oh là là là. J'adore monsieur Mélenchon. LREM Renaissance peut toujours courir avant d'arriver à son niveau. Emoji. C'est <laughs> vraiment es, C'est l'agisme au-dessus de la mêlée, comme à l'accoutumée. Bravo, merci, monsieur. Oui, après tu vas aller euh, dans la, sur, le, sur, euh, sur la chaîne YouTube de France Inter. Tu vas pas voir les mêmes commentaires, quoi. classiques. Super, GLM. Sortir de l'info dépendante de Macron et se brancher et partager l'arrivée le 20 octobre à la télévision de Le Média TV. Ils ont l'appui des milliardaires. Nous sommes des millions. Sylvain, nuit debout, 335. Ah oh, putain, wow. ah les insoumis, ça c'est. Moi, c'est là-dessus que vous m'impressionnez le plus, c'est votre patience avec vos insoumis. Mais c'est normal de les mais aimer. Le vous avez la raison. Moi, j'ai trop, trop de partie. mépris de tasse, voilà. je pourrais pas. La feuille de la route est, est tracée, celle de notre avenir en commun, celle des générations futures, dans un pays solidaire et protecteur de son environnement. Un pays qui servira d'exemple au monde. On est là, pas de soucis, mais on compte aussi sur vous, Jean-Luc. Il a raison, lui. Nous sommes très nombreux à penser que vous êtes plus que jamais l'homme de la situation par votre expérience, votre culture, votre charisme et votre faculté à rassembler. Cette si belle perspective humaniste, écologiste, féministe, démocratique. C'est vous qui pouvez à nouveau l'incarner. Ah moi je suis basé avec, lui, je like ça. Ça je like ça, Matt. Moi je suis d'accord avec lui, le vieux fou. Oui, qui est forcément, toi. tu vois Mélenchon 2027, tu like toi. Hein. Formidable, monsieur Mélenchon, avec un A. Vous êtes l'homme de l'avenir, bravo. Encore mille fois merci quelle patience, quelle culture dommage que Léa Salamé soit toujours là avec ses œillères douteuses alors qu'un journaliste honnête aurait un minimum d'écoute de prise en compte des arguments exposés etc bravo Jean-Luc pour votre calme et excellente explication de ce qui se passe et va mais arriver. après ça je crois c'est la, la malédiction du vieux et je pense que c'est un truc que ça doit le fatiguer tu vois mais que ne peut jamais parler de théorie quoi il n'a jamais de cadre dans lequel il peut vraiment euh, bander et débattre sur le général. fond, quoi. Il pourra débattre. sur le ça. Hein. En toute honnêteté, je ne vois personne être capable Mec, je de remplacer. Monsieur Mélenchon il me... Il me frappe avec quoi Je te jure. Mais non, mais moi je suis d'accord, moi. <laughs> S'il se présente aux, aux prochaines grands. élections, c'est pour lui que je voterai. Et si c'est pas lui, je voterai pour lui à travers quelqu'un d'autre. Ah non. L'homme le plus capable de gérer les conflits et problématiques actuels. 49 réponses. Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord, oui. Très intéressant, monsieur Jean-Luc Mélenchon. Les journalistes chiens de garde vous ont craché dessus. Pourtant, vous êtes toujours là. Wow, le rapport aux vieux qu'ils ont, je trouve ça fascinant. Hein. Bah en même temps... Euh... C'est vraiment intéressant d'écouter Mélenchon. Les deux journalistes sont supportables. Salamé retombe parfois dans sa médiocrité de macronisme. Alors que moi, c'est là oui. que tu vois la misogynie des uns Alors que oui, au fil... final, es c'est Demorand, Demorand qui a plus... été pire que ouais. Léa Salamé dans celle-là. De fou. De fou. Le collapse a déjà été annoncé en 2016 par la CIA et Google <laughs> qui ont évoqué Putain, okay, le chaos voilà. mondial pour les années 2035 les 40 2030. Quant à la qualité du programme de la file Avenir en commun, aucun n'arrive à s'achever. Il est cohérent, intelligent, pertinent, enthousiasmant, chiffré. Voilà 50 ans que j'attends un programme aussi puissant et adapté à notre situation. Et je convie tout un chacun de le lire, pour voter intelligemment en faveur aussi du futur des générations à venir. S'il y en a. La CIA et Google, CIA et Google ont, ont Google. évoqué <laughs> le chaos mondial. 126 likes. <rire> <rire> <laughs> la CIA et Google! <laughs> Abattez la citadelle! Euh, ils sont armés. Après, les uns insoumis, les gens, ceux ils vont coller des affiches pendant que vous touchez, vous bah, touchez ouais. la vie, à rien foutre. Donc, Ça, vous moquez pas trop. Hein. Vous moquez pas trop. Parce que c'est grâce voilà. à eux qu'il y a les élections qui avancent. Sous-estimez pas euh, les uns insoumis, Facebook et tout. Hein. De fou. C'est eux les plus déter hein. Ils comptent pas leurs heures et ils comptent pas leur, leur facture d'essence. Hein. De fou. Le, réel des le réveil des consciences a sonné. La jeunesse est notre avenir. Elle prendra la relève. Le changement est en marche avec la NUPES. Sixième République, résistance. Pousse levé à Jean-Luc Mélenchon. Pas aux journalistes, ni à France Inter. <laughs> <laughs> Vas-y, va sur la vidéo de France Inter pour voir les, la différence avec, les, avec attends, les, bah, les trucs. Attends, elle est ouf. Elle est ouf. Ah, elle était en bas quand tu scrollais. Scroll, 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 scroll. 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 En bas, en bas, descend, descend. Desc -desc Descend, 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 Des Des... ah là Pour une fois, ça fait plaisir d'écouter Mélenchon sans que sa gueule, que ça hurle et que ça s'invec. Oh la parole de Mélenchon est bien plus subtile et complexe que la caricature qu'il montre parfois dans ses interviews. Le personnage m'exacerbe parfois, sa pensée mérite qu'on s'y attarde et qu'on en débatte. Plutôt que de Oban. faire la chasse aux petites phrases et de se délecter des querelles d'ego. Au bas Fabien Bedot. La manualité totale de Salamé. Ruffin n'a jamais dit, je suis social-démocrate. Il l'a plusieurs fois dénoncé, il avait déjà mis ce commentaire-là. Elle, elle, elle a fait Ouais, c'est ça, c'est le même commentaire dans la vidéo euh, de du... Tout est assumé, c'est magnifique, on est derrière vous, monsieur Mélenchon. Merci France Center, très bonne discussion. J'ai apprécié ainsi que mes amis. Bah Mais ça ouais, aussi, ça... ils sont bien les commentaires ah, aussi. Je suis Françoise, <laughs> on dirait, de... c'est vraiment Facebook pour eux, YouTube. J'ai euh... regardé ça avec ma fille aujourd'hui, c'était vraiment très sympa. Ouais, après, quand on a qui viennent te voir en mode euh... Oui, parce que j'ai laissé un commentaire sous la vidéo, parce que ça m'a vraiment énervé. Hein. J'ai dit, hein, dit à la vidéo que c'était <laughs> <laughs> J'ai dit à la vidéo que. l'avait dit. après, il y a quelqu'un <laughs> qui m'a répondu, du coup, je lui ai dit ça. Oh, D'accord <laughs> Merci à la Cumu, let's go. J'ai aimé la réflexion de son ami de Marseille. La solidarité, c'est une main qui se tend une main qui donne. L'échange, sont deux mains qui se donnent. Oui, c'est vrai. Merci, merci, vrai. merci, merci, monsieur Mélenchon. Oui, la Faulkner, William Faulkner, j'adore. Et toc. Et toc Prends ça dans les gencives, salamé. 22% à la folie. Il t'a bouché le caquet de mort. <laughs> Ouais, je les ai insoumis, mais vraiment, ils sont inarrêtables. Il t'a mouché le caquet de Moran. Il t'a mouché C'est du Nord, ça, non ah, Je sais pas, mais. Euh, Cookinette chaussette, chaussette. avait des choses à dire. <laughs> Après, ils sont trop stylés, les gens. Ah, bah oui. Je trouve de Morant brillant. Il lit les livres et les comprend. Salamé est Ouais, Wesh, la, miso... mais la misogynie sur Salamé, ça se voit. Ouais, de fou. Surtout dire de Morant est brillant. C'est vraiment bizarre. C'est en fait. une misogyne pure. En fait, c'est ça. C'est là que tu vois que la misogynie existe quand les gens disent que Morant est brillant, quoi. C'est que là, je suis désolé. Euh... Plus jamais je laisse un commentaire sur une vidéo. Mais non, laissez des commentaires. <laughs> mais non, sinon. mais non, justement. Malthus, collapse. Qui a enlevé ah, le les lire chapitres. La NUPES était vouée à l'échec d'emblée. Ce n'est pas une alliance discutée sur le fond entre partenaires comme le prétend M. Mélenchon, mais un alignement derrière le plus fort des présidentielles. Comment ah, s'étonner que c'est pris aussi pris vite l'eau JLM n'est même pas fissu de s'excuser auprès de Roussel après ah là, un tel pétage de plomb. Et pourtant, la gauche unie reste un instrument utile dans les luttes comme celle de la défense de retraite. Nous, communistes. Ah voilà voilà. façon, pour la plupart ce n'est pas un bon moment pour jouer à faire semblant derrière une jument de l'éternel retour de la politique. Ok. Bah écoute, on aimerait bien le retour de la politique dans votre parti déjà, ce serait pas mal. Monsieur Mélenchon, à euh... quand une sainte naël dans le calendrier chrétien en remplacement de Saint-Innocent Mais Saint-Innocent, c'est déjà à ça qui sert. Allô Mais non mais c'est des fâches choses. Ça... Eh, vous les remplacer Naël, ah, Saint-Innocent, oui, t'as pas compris oui. Non mais Cassandre il croyait que c'était premier degré. Vous avez vu il est autiste, hein. pour lui tout est premier degré, mais... tout est une information à traiter de manière premier degré. Mais... Ah mais je le comprends pas, ça sort déjà à ça. C'est déjà, que... mais... que... si sont... si ah, déjà la Sernaël. Kassan, c'est déjà la Sernaël, la Sainte innocent, ça parle de ça. C'est mais... <laughs> une magrie. Il faut euh, allier, je vraiment. Dire... Genre, je sais pas genre si t'es chrétien, tu... Enfin... Après oui pour lui il est pas innocent. Mais... Complètement con. Oh, c'est déjà le cas. Mais... Ça déjà ça, faute. <laughs> Fatigué. <laughs> oh là <non>. là. <laughs> J'en peux plus. Hein. Oh, le les, vieux le vieux Benito le vieux. Les, les filles et le vieux Benito Banan Les filles et le vieux, c'est vraiment les seuls qui sont ultra basés. Ça, un grand oui, bah, ça rend public d'Annie C'est Terminali hein. Ça change le, la langue de bois de Macron, de la haine de Le Pen, du mépris de Tondelier ou de la bêtise de Roussel. Terminali d'Annie hein. oh, oui. Ça, C'est vraiment, tu les reconnais tout de suite. Hein. Je mets un like. Oh là là. Salamé HS. Ah, Colonel Fabien euh, 9727 a dit magnifique. Comme quoi Magnifique, Colonel Fabien. Terrible Mélenchon. Réalité. Il arrive en seulement deux mots à détruire par la boursouflure d'ego toute la crédibilité qu'il a réussi à construire par ailleurs. Là, Salamé, là, je ne déforme pas. C'est dans le là. Oui, quoi Ah, mais bah, en gros, il est, est anti-Sélamé le... et anti-Mélenchon, lui. Ah oui. Moi, j'adore les vieux qui mettent trois petits points. La citoyenneté. Oui. Enfin, un homme politique qui en parle. Mais l'appliquer est, est une autre paire de Je sais pas. En mode, euh, comme on dit, genre je sais, pas, le, je sais pas. Trois petits points. La citoyenneté. Trois points. Ce monsieur est, blé, est, est brillant. Il fait plaisir. On est 8 milliards, Inshallah, On a tout compris. Ah, il a dit Inch'Allah, après <laughs> on, est <laughs> on est 8 milliards! On est 8 milliards, Inch'Allah! Ah, le grand remplacement, euh, j'en ai marre! Ah, ah. C'est incroyable! On sent qu'il y a des chouchous, ça france à terre! Ah oui, vraiment, Mélenchon, le chouchou! Ah oui, vraiment, le chouchou! Il a définitivement craqué son slip! <laughs> Coquille vide! JLM, c'est la chanson L'opportuniste de Dutron, à lui tout seul. Dutron. Dutron, oui, pas Dutron, oui. Oui, mon. Le il ressemblait à Dutron quand il était jeune. C'est quelqu'un qui a dit Jean-Luc, mais? Ok. Pas compris. Camélenchon est tellement fumé que même les harangues sont jaloux. Il l'appelle Camé-Lanchon pour le truc du grand remplacement. Basé? Camélançon. Camélançon. J'ai pas, bah pour Camel. Bah Camel. Non, c'est pas une ref à Caméto. non, mais c'est parce qu'à un moment dans le dans, dans l'interview, il parle de à ah, son ami Camel à Marseille qui lui a dit le truc sur la solidarité et sur l'entraide et tout. Et euh, du coup, j'imagine c'est pour ça que. Mais ouais. c'est comme Bilal l'amont, Malika Le Pen, c'est tout. Oui, oui, c'est ça, oui, globalement, c'est ça, oui. Le nouveau BHL du peuple. Je n'ai même plus envie de l'écouter. Quand va-t-il passer la main Je ne voterai pas pour lui. Mais t'as déjà voté pour lui, déjà J'imagine que vous adhérez à la théorie profonde et haute-vue des de autres dirigeants politiques. Bravo à vous de suivre les résultats de votre analyse des programmes et socles philosophiques et non une image médiatique. Je oh. pas à voir si c'est ironique ou pas. Oh. Un anti-communiste notoire. <laughs> il cherche à faire mieux que les éoliennes vu la quantité de courant d'air brassé en parole. J'adore ce qu'il y a là les zinzins soumis et les anti -zin, les zinzins anti-soumis. Les zinzins anti-soumis oui anti oui. Voilà, les, Genre c'est vraiment c'est les mêmes quoi. <laughs> Mais genre sur les mêmes trucs. Allez ah, comme YouTube ils sont incroyables. Hein. Ah bref ouais, ouais. toujours délicieux. Hein. Ouais. intéressant jusqu'à ce que ça devienne lunaire trois petits points à force de gracher sur les gens qui ne pensent pas tout comme vous vous allez droit dans le mur avec des preuves par la de, de surréaliste que gâchis de talent et d'excellence pas seulement verbal Mélenchon part en cacahuète c'est dommage et triste pour son autre attends mais du coup je suis curieux de savoir à quel Yann... moment pour lui c'est devenu lunaire et jusqu'à où c'était intéressant Top 2022 top de mes top. séries préférées. On s'en bat les couilles. Bref, ça devient du harcèlement. <laughs> oui. Mais bref, ouais. Mais bref, ouais. Euh, on tu veux parler là des, des walkistes Ouais, vas-y, oh, on s'arrête. Il hein? est tard, j'ai faim. Est bon, ouais, il crois est tard, moi aussi je suis fatigué. Il pas du matin non plus, ça va là Moi, j'ai bien bouffé, je suis content. Eh ben, tant mieux pour toi. Oui. Oh on fera les walk, non, mais on, ça nous fera le truc des walk, on fera les La une prochaine fois, ouais, fois, ça ouais. nous fera un truc. Là, on a plein de streams à faire. Ouais, demain soir, cool. les gens, Bander Mag sur la chaîne Wendo X Suzuka. À 20h, j'y serai pour parler euh, de moi. De ouais, les... il va parler de lui. Il va de moi, ma, mental, de ma, ma jeunesse ça, sur je Internet, fort, ouais. des mangas, etc. Ouais. Voilà. Donc globalement, ça va être intéressant. d'aller sur la chaîne Wendo X Suzuka demain soir à 20h. Voilà. voilà. Exactement. Moi, je trim demain en début d'après-midi. Ouais, Cassandre, ouais, il pas sera là vers 14h, hein, Cassandre Ouais, vers 15h. 14h-15h, quoi. 14h30. Ouais, 14h30-15h, quoi. 14h45, un truc comme ça. 14h30. Bah 15h, histoire d'arrondir, quoi. Arrête 14h30. Tu me feras un café Ouais. Moi, je serai okay. déjà levé, de toute façon. Oui, bah, oui bah Tu me feras un café. Voilà. Allez. Ciao les gens. Ouais. Adieu. Adieu euh, les gens. Merci euh, beaucoup. C'était sympa. Euh, C'était chouette. Voilà, euh... vous avez la chaîne pour demain soir. Oui, la chaîne pour week demain soir. bandeur Mag, ça va être de la dinguerie. Followez la chaîne. Ça va être euh. plus, on va discuter. Ouais, ouais, ouais. Euh, et après-demain, sur la chaîne Dani Raz, normalement, ça sera surtout avec Wissam. Ou peut-être qu'on fera un mélange des deux, on verra. Mais voilà, en tout cas, il euh, y a les streams un jour sur deux qui continuent. Euh, oui, la plupart ouais, du temps, soit ouais. avec Cassandre, soit avec Wissam, soit les deux. Euh, voilà, tout est possible, tout est réalisable. Profitez de la fin du septembre aussi, tout est à moitié prix, c'est incroyable. Voilà. Tout doit disparaître, c'est les super soldes. Continuez les dons, merci beaucoup de nous soutenir, c'est incroyable. Ça continue. Voilà. Ciao ouais. Ciao les prochaine. gens